Les frérots, j'espère que vous allez bien. Yo le chat, yo tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Normalement c'est good, on est en stream. Petit stream sur YouTube. Pour changer. Je vais faire juste une petite story les gars, histoire de prévenir qu'on est en live, le temps que le chat arrive et tout. Et ça régale. Ça régale, petit live sur YouTube là. Merde, j'ai niqué ma story. Les frères, c'est parti, on est en live, c'est tout de suite, c'est sur ma chaîne YouTube, les gars, on essaye de passer les 9 400 000 abonnés ce soir. Venez, parce que pour l'instant, y a pas... Oh, ça arrive. J'ai cru que vous alliez me laisser flopper, les frères, c'est pas gentil. Go, je suis en stream, entre parenthèses, sur YouTube, on passe les 9,4 M. Parfait, 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 parfait. Ça dit quoi le chat? Est-ce que vous allez bien? Yo le Mich, yo yo yo. Coucou le boss, salut Bébou, ça va mec? Comment ça Bébou? C'est qui? Qui m'a appelé Bébou? Mais vous êtes fous. Vous avez de la chance qu'il n'y a pas encore Elsa les gars. Vous avez de la chance qu'il n'y a pas encore Elsa. Yo, wesh, allez où Elsa? Les gars, je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer tranquillement. C'est quand Palworld? Ouais, je sais que vous kiffez Palworld les gars. Je sais que vous kiffez Palworld. Ça dit quoi? Est-ce que vous avez passé un bon week-end le chat? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous êtes bien installé tranquillement? MT2, merci pour ton sub, merci beaucoup pour tes 1€ mon frérot. Ça fait longtemps que j'ai pas stream sur YouTube là, ça fait plaisir. Gaëtan! Wesh Gaëtan, ça dit quoi? Yo Mich, tu en es où pour ton single d'or sur Fier? Oh la question! Oh la question, tu m'as ramené dans le passé. Gaëtan, sache que j'en ai aucune idée. Je t'avoue que le single d'or de Fier, y a un moment où j'y croyais, il y a un moment on était pas loin du single d'or sur Fier. Bah, on y est toujours pas loin, mais en fait, il manque toujours cette petite partie de stream que j'ai pas pour l'instant, et du coup, bah, pas de single d'or. Donc je sais pas trop où ça en est, je sais pas si je suis proche, si c'est bientôt, si je vais l'avoir dans 3 semaines, dans 10 ans, j'en ai aucune idée. Thibaut, merci pour ton sub, mais normalement on n'est pas loin. Merci beaucoup Thibaut pour ton sub, merci Samuel, merci beaucoup les gars, tous ceux qui donnent des dons, qui sub et tout. Les frérots, vous l'avez vu, vous l'avez compris, il y a un compteur d'abonnés juste ici. Les amis, on est à moins de 20 000 abonnés, des 9 400 000 abonnés les frères. C'est pour ça que je fais ce petit stream, on va essayer de booster un petit peu le compteur, on va essayer d'augmenter ce nombre d'abonnés là. Notre objectif à partir de maintenant, ça va être de booster le nombre d'abonnés les amis, sans acheter d'abonnés, évidemment. Attention, attention les gars. Airwax, merci pour tes 2 $ canadiens. Donc les frérots, je me suis dit, petite idée. On va faire un live sur YouTube, exceptionnellement, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je live beaucoup plus sur Twitch et tout. Mais petit live sur YouTube, et tous les 1000 abonnés, il y a une surprise. Donc voilà, sachez que j'ai préparé vraiment pas mal de surprises. Logiquement, j'ai préparé des surprises pour qu'on arrive jusqu'aux 9 400 000 abonnés. Je sais pas si on va y arriver, en vrai, ça va être compliqué. Mais potentiellement, les gars, peut-être qu'on va y arriver. Non, Elsa l'a pas dansé avant-hier. Ouais, les gars, vous avez vu le Prime de Danser avec les Stars? Je l'ai regardé hier soir. Moi, je l'ai regardé hier soir avec Elsa, le Prime. Mais ouais, pour l'instant, elle a pas encore dansé. Adox4Gaming, merci pour tes 2€. Salut frérot, bientôt les 10 millions d'abonnés. On n'est pas loin, on n'est pas loin, Adox. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. À l'époque, on me disait bientôt les 10 millions d'abonnés. J'étais en mode, oui, bon, frérot, calme-toi. Et là, c'est vrai. Et là, c'est vrai. Seiji, merci pour ton sub. Merci beaucoup, Seiji. Oh là là, je vois que le compteur là, ça commence déjà à s'exciter, ça fait plaisir. Et bah les gars, n'hésitez pas, explosez-moi ce compteur d'abonnés, parce qu'il y a des choses de prévues. Je pense qu'on va bien rigoler ce soir, on va bien rigoler. Il y a des trucs de prévus, je suis au courant, il y a des trucs de prévus, je suis pas au courant. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être pourquoi pour l'instant je parle tout seul, il n'y a pas Elsa. Et bah justement, peut-être que les gars, si vous voulez voir Elsa sur le live, il faut la débloquer. Peut-être, je suis un petit filou moi les gars. Je sais que vous aimez bien Elsa. Donc si vous voulez voir Elsa, il faut la débloquer. Mais prenez pas trop de temps à la débloquer quand même, parce que c'est ma meuf. Moi aussi j'ai envie de la voir les gars. Donc prenez pas trop de temps non plus hein. Stanislas, merci pour ton sub. Merci GG Athéna Lévignac pour ton sub, merci beaucoup. Ethan Z, BG, tu peux dire Tanoufut, c'est le packing de FIFA. Alors mec, Tanoufut... Et bah super, bah Tanoufut. Je sais pas ce que c'est frérot. Je sais pas ce que c'est.
Mon gars, ça va ou quoi? Bah moi, ça va tranquille. De ma part, Elsa est trop belle. Bah, à qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Tu prêches un converti là. Les aventures de Timothée, merci pour les 2 euros, merci beaucoup. Les frérots, la vidéo avec Jean Reno, Chantal Latsouk et Madame Ski, regardez là dans le chat. Est-ce que vous avez regardé un petit peu la vidéo? Vous avez eu le temps? Vous avez kiffé ou pas? Bon, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a regardé. Elle est sortie là il y a 2-3 heures. Elle est encore toute récente et tout. Moi, oui. T'es BG ce soir. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Pas encore. Excellent. Oui, très belle vidéo. Ah, ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup, les gars. Honnêtement, j'ai eu que des bons retours. Je suis content. Je m'attendais pas à ce que la vidéo plaise autant en termes de retours et tout. J'ai eu vraiment beaucoup de bons retours. Alors que c'est une vidéo quand même très, on va dire, beaucoup plus chill. Il se passe moins de trucs et tout que d'habitude. Mais voilà, les gars, on est avec. En vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais on est avec Jean Reno, Chantal Latsou, Kev Adams. Je l'avais déjà reçu sur ma chaîne YouTube. Et voilà, il est un peu plus jeune. Il a déjà fait des trucs sur YouTube et tout. Mais Jean Reno et Chantal Latsou, les frérots, ils ont jamais rien fait sur YouTube. Ils ont jamais rien fait sur YouTube. C'est pas du tout leur univers. Ils ont accepté de venir tourner une vidéo avec moi. J'étais trop content, les gars. On a fait un truc un peu, voilà, choc des générations. Je trouvais ça cool d'échanger un petit peu. Sachant qu'en plus, moi aujourd'hui, je trouve ça cool aussi de faire ça dans le sens où maintenant il y a des papas, des mamans, des mamies, des papys qui me connaissent grâce à Danse avec les Stars. Et du coup, je me disais, c'est cool de faire cette vidéo où moi, en vrai, en partie, ça va être plutôt des jeunes qui me suivent. Jean Reno et tout, ça va être vraiment les darons, les grands-pères, etc. Et bah, je me dis, frère, faire une vidéo où on mixe les deux générations comme ça, je trouve ça trop intéressant. Et la plupart des gens, vous avez kiffé la vidéo, donc je suis vraiment content. J'ai vraiment beaucoup de bons retours, alors que je pensais, tu vois, je pensais que les gens allaient vraiment. Pour le coup, oui, les gens sont choqués de Jean Reno, Chantal Latsou, ça, je m'y attendais. Mais je pensais pas que les gens allaient vraiment kiffer la vidéo à ce point-là. En fait, la vidéo, elle a vraiment une bonne vibe. Jean Reno, Chantal Lassou, ils étaient vraiment contents d'être là, ils étaient vraiment gentils, et ça se voit, tu vois. Donc en fait, à partir du moment où ça se ressent qu'il y a une bonne vibe, il y a une bonne énergie, bah tout le monde kiffe. Tout le monde kiffe. Nartax, merci pour tes 2 euros. Salut BG, comment vas-tu? Ça va et toi, Nartax? Merci Ulrich pour tes 1 euro. Shoxna, je t'adore, change pas Michou, c'est gentil. Lily et Rose Family, merci pour les 2 euros. Bon, les amis, d'ailleurs, parlons peu, parlons bien. Déjà, est-ce que je suis BG là, les gars? Non mais déjà, première question. Est-ce que vous me trouvez beau? Est-ce que vous me trouvez stylé? Est-ce que je suis un minimum, voilà, un minimum beau gosse? Voilà, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Dites-moi si je suis beau gosse. Oui. Ah, ça va, il y a plus de oui que de non. Ok, je m'attendais à plus de non. Je m'attendais à plus de non. Les amis, vous le savez maintenant, je vous l'ai dit, c'est plus une surprise pour vous, mais je vous l'ai dit, les 9 400 000 abonnés, les frères, 9 400 000 abonnés, les gars, on part en vacances des croûtons. Enfin, on part en vacances avec les croûtons. C'était un sub goal sur ma chaîne YouTube. Je vous ai dit, tous les 100 000 abonnés, il y a des sub goals, etc. D'ailleurs, faut que je vous tienne au jus sur certains sub goals parce qu'il y a certains sub goals. Je sais que vous êtes là en mode, bon, Mich, on attend toujours. Mais en tout cas, il y a un sub goal, 9 400 000 abonnés. On part en vacances avec les croûtons. Et ça tombe bien, on n'est plus qu'à 20 000 abonnés, c'est très peu. On a commencé à organiser un petit peu les vacances avec les croûtons. Inox est chaud, PJ elle est partante alors qu'elle est enceinte de 7 mois, frérot. MJ, je lui ai dit mon frérot, j'ai dit MJ mon gars. Avant que tu sois né, on partait en vacances avec les croûtons. Donc c'est pas toi qui va changer les choses. Donc MJ, tu vas venir en vacances. MJ m'a dit, mais bien sûr tonton, il n'y a aucun problème. Donc MJ sera là, Valouz est là, Bouzy est là. J'ai oublié des gens. Dobby est là. Vraiment, il y a tout le monde. Angèle, 50 euros Angèle, merci beaucoup. Attends, mais c'est le deuxième. Non, il y a eu deux dons de 50 euros Angèle. Wesh, la dinguerie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci ma brole pour les 2 euros. Hélène, patatonnette poussin, ça dit quoi Hélène? Hello, comment vont Yuki et Bou? Yuki et Bou vont très bien. Yuki va très bien. Yuki là pour l'instant elle était au chenil parce que bah, j'étais pas là toute cette semaine donc elle était au chenil, tout va très bien. Et Bou elle a eu un petit. Elle est tombée un petit peu malade là mais ça va mieux. Ça va mieux. Ma brole, merci pour tes 2 euros. Mais bref, les amis, je vous ai dit. J'ai parlé avec tous les croutons, etc. Je leur ai dit, les refs, faut qu'on retourne en vacances. On va atteindre les 9 400 000 abonnés. On va repartir en vacances. Et justement, je vais vous l'annoncer maintenant.
Je vais vous l'annoncer maintenant parce que en vrai, on n'est pas loin des 9 400 000 abonnés. J'aimerais dans le plus beau, dans le meilleur des mondes, qu'on passe les 9 400 000 abonnés ce soir. Ça serait beau, ça serait magnifique, ça me ferait plaisir. Mais je vais vous le dire, dans tous les cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans tous les cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que les vacances des croutons, ça commence demain, les frères. Les vacances des croutons, c'est demain, les gars. Je mens pas. Demain matin, c'est parti. Je prends un train avec Inox. On part. Les autres croutons, ils vont partir tous ensemble en voiture. On se rejoint à un endroit précis. Et c'est le début des vacances des croutons. Les frérots, ça commence demain. Ça va durer... c'est des petites vacances des croutons. Elles vont durer moins longtemps que les autres vacances, malheureusement. Mais voilà, c'est les vacances là. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes en vacances. Et bah ça tombe bien. Parce que demain, vacances des croutons et le retour des vlogs de Valouz. Voilà les frères. Ça, ça régale. Ça, ça fait plaisir. Le vlog de Valouz, je crois pas qu'il y aura un vlog de Val qui sort demain soir. Parce que demain, ça va être le premier jour. Ça va être le jour où Val, il va vlog. Mais je pense que le lendemain, vous savez, il y a toujours un petit jour de délai. Je pense que le lendemain, il y aura le vlog de Valouz. Donc les gars, demain, vous pouvez suivre les stories Insta, etc. Il y aura les vacances des croutons, le retour. Maintenant, voilà, vous calmez-vous. Ça va être des vacances des croutons très chill. Là, honnêtement, par rapport aux anciennes vacances des croutons, ça va être les vraies vacances des croutons. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de trucs vraiment avec les croutons et tout. Donc, en vrai, on est conscient. On part en vacances des croutons. Il y aura des vlogs. On va faire des petites vidéos, etc. pour vous régaler. Mais on va pas beaucoup, beaucoup bouger. On fera peut-être pas autant de stories qu'à l'époque, etc. Enfin, on verra, tu vois. Ça sera au feeling. Mais en tout cas, on va peut-être beaucoup plus être chill et profiter par rapport aux autres vacances où notre but, c'était de profiter, mais aussi de vous régaler. Là, on a vraiment envie de se retrouver tous ensemble comme ça fait longtemps. Mais en tout cas, les vacances des croutons, c'est demain. Ça va durer une semaine, enfin 5-6 jours. On va profiter tous ensemble et ça va être génial, les gars. J'ai trop hâte, sachez que j'ai trop hâte, putain, sachant que là j'ai passé une semaine, j'ai morflé à droite, à gauche, là les vacances des croutons, j'ai hâte. Léo, merci pour les 24 euros, je m'en doutais, Pidia a publié la vidéo aujourd'hui. Ah ouais? Ah, Pidia l'a dit? Ah, je savais même pas. Lego, merci pour tes 6 euros. Salut, tu as des conseils pour faire de bonnes vidéos? Bah, hésite pas, plagie-moi, copie-moi, voilà, si tu veux faire des bonnes vidéos, bah hésite pas gros, hésite pas. Kedi officiel, merci pour tes 2 euros. Grosse dédicace à Elenzo. Grosse dédicace, frérot. C'est pour quand les jumeaux? Comment ça, les jumeaux, ma brôle? Little Dessineur, merci pour tes 2 euros. Nolan, est-ce qu'il y aura Elsa? Non, les frérots, il n'y aura pas Elsa aux vacances des croutons. Je sais que vous êtes beaucoup à vouloir voir Elsa pendant les vacances, etc. Mais déjà, même en temps normal, je suis pas sûr qu'elle aurait accepté de venir, etc. Et même moi, je suis pas sûr que je veuille vraiment qu'elle vienne aux vacances des croutons. Parce que... tout est filmé, etc. C'est quand même différent, tu vois. Et surtout, bah, dans tous les cas, les gars, elle peut pas. Parce que y a Danse avec les Stars. Donc là, Elsa, elle est en mode, elle s'entraîne tous les jours. D'ailleurs, si jamais vous débloquez le palier, si jamais les abonnés montent assez vite et qu'Elsa vient sur le live ce soir, déjà, c'est une chance, tu vois. Elle est là ce soir alors qu'elle s'entraîne tous les jours et tout. Ça fait plaisir. Xernox, merci pour tes 2 euros. Noumine, merci pour tes 6 euros. Grosse dédicace à Nour. Grosse dédicace à Jamila et à Amine. Merci beaucoup de me suivre, ça fait plaisir. Laissez-moi parler. Les gars, il y a Christelle dans le chat qui pousse un coup de gueule là. Christelle, elle voit que le chat ça défile trop vite. Elle est en mode, laissez-moi parler s'il vous plaît. Je veux lui dire quelque chose d'important. Hey, ta caméra, elle est floue. Comment ça elle est floue, ma cam? C'est toi qui vois flou, mon ref. Faut mettre des lunettes, hein. Faut mettre des lunettes. Les surprises. Ah, les gars, les surprises, je vous ai dit, c'est tous les 1000 abonnés. Dès qu'on passe un compte tout rond, il y a une surprise. Bah, d'ailleurs, on est bientôt aux 9 382 000 abonnés. Donc, en vrai... Wow, changez-moi ce chiffre, là. Wow. Changez-moi ce chiffre. C'est quoi ce bord? Voilà, c'est mieux. 667, équipe. Mais ouais, n'hésitez pas, les frères... Abonnez-vous et il y aura des petites surprises et tout. Il y a Poppy Playtime 3 qui est sorti. Ouais, j'ai vu les gars, Poppy Playtime 3 est sorti. Bête de jeu d'horreur. On va le faire bientôt en live. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, les frérots, parce que là, je live sur YouTube pour l'occasion, pour qu'on passe les abonnés ensemble. Mais d'habitude, je live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitch et tout, si vous voulez suivre les lives habituellement.
Je viens de Mabo. Allez, bienvenue mon frérot. Bienvenue, bienvenue, ça fait plaisir. Maher, merci pour tes 6 euros. Merci mon ref. Grosse dédicace à Maher et Solel. Grosse dédicace à Maher et Sorel. Je te donne toute ma force, t'es le boss, continue comme ça, incroyable. Merci mon frérot. Doc et Apo, ils viennent, j'ai pas suivi. Non, Antonin, il y aura pas Doc et Apo, malheureusement. Doc et Apo, vous connaissez, ça fait longtemps que ils sont plus dans leur coin, faire leur truc à eux, ils sont plus réservés. Donc, non, ils sont pas là. Ils sont pas là. Cher Cobaye Chris, merci pour tes 2 euros. Fais une Thibaut InShape pour les 10 millions. La photo du cadre? Tu veux la photo du cadre? C'est ça que t'es en train de me dire? Je suis pas sûr de faire ça, mon ref. Voilà, je m'excuse carrément, mais je suis pas sûr de faire ça. Sinon, vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on va faire sur le live ce soir et tout. Comme je vous ai dit, tous les 1000 abos, il se passe quelque chose. Et du coup, vous allez voir naturellement. Normalement, il y a des petits jeux, des petits trucs de prévu. Donc, on va parler. Des fois, il va se passer des trucs, il y aura des jeux, etc., etc. Mais en vrai, dans l'idée, on va parler. Après, ça dépend de ce qui se passe. Sachez qu'il y a des trucs qui vont se passer, je suis au courant, il y a des trucs que je suis pas au courant. Jason, merci pour tes 2 euros. On va tout péter. Comment ça, Jason? Comment ça, tu vas tout péter? Calme-toi, frérot. Calme-toi. J'espère pour toi, on les passe ce soir, j'aimerais trop les gains. Mais déjà, là, c'est bien monté, hein. Ça fait un peu plus de 10 minutes que je live, on a déjà gagné quasiment 500 abos. Ça monte plutôt bien, les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu le finis quand le live? On verra peut-être vers minuit, un truc comme ça, les gars. Bon, on verra, on verra, on verra. C'est énorme, 9 millions, quel boss. Ouais, c'est vraiment fou, hein, mais on se rend même plus compte carrément. 9 millions d'abonnés, c'est exceptionnel, frérot. 9 millions d'abonnés. Mais je me rends plus compte en fait. Maintenant, quand je vois 9 millions d'abonnés, je suis en mode bah ouais, bah, j'ai 9 millions d'abonnés, tu vois. On dirait je flex en disant ça, mais même pas. Justement, au contraire, je suis en mode bah ouais, bah c'est comme ça, les gens me suivent et tout, ça fait plaisir, mais. Je sais pas comment expliquer, je sais pas. Life for Kill, merci pour tes 5 euros. Yo BG, prends soin de toi et de toute fa ta famille si tu peux faire une dédicace à Miguel Mattioli. Dédicace à moi-même, du coup. Attends, j'ai pas compris, mon ref. Prends soin de toi et de toute ta famille si tu peux faire une dédicace à Miguel Mattioli. Mais c'est moi, gros. Tu me demandes de faire une dédicace à moi-même, là, mon ref. Désolé si je l'ai mal écrit, mais en vrai, tu le mérites aussi. Et bah, grosse dédicace, Miguel. Si tu passes par là, si tu nous écoutes, ça fait plaisir. T'es un bon, t'es un bon. T'es un bon, franchement, Miguel, t'es grave un bon, change rien. T'es le boss. En plus, on m'a dit, t'es grave BG et tout. T'es grave drôle. Vraiment, change rien, Miguel. Sache que, voilà, je m'inspire énormément de toi pour mes contenus. GG Gaming, merci pour tes 2 dollars canadiens. Merci Nayox, vous allez où? Ah, la destination des vacances des Croutons, ça, malheureusement, je la garde secret. Les gars, je la garde secret, la destination, je ne vous la dirai pas aujourd'hui. Loalma, merci pour ton sub. J'ai vu un petit message passer, banger la vidéo. Voilà, je le dis, parce que je l'ai vu, et ça me fait plaisir, donc je le dis, parce que, voilà, je suis content. Je suis content. Tu peux faire les vidéos Among Us. Ça fait longtemps, là, on n'a pas fait du Among Us. Honnêtement, ce serait cool, ouais. Je vais réorganiser un petit Among Us, là, dans pas longtemps, ça peut être cool. Jinkionas, merci pour ton sub. Bobby Bob, merci pour tes 2 dollars canadiens. Loulou, merci pour tes 2 euros, grosse dédicace. Ah, mais non, je crois que je viens de comprendre. Tu m'as dit faire des vidéos Among Us en vacances avec les croutons. Bah, déjà, les gars, je peux vous le dire dès maintenant. Mais on va partir en vacances avec les croutons. Je vous dis pas où, mais dans une villa, un lieu, un chalet, un truc. Il y aura un cache-cache. Les amis, à la bonne franquette, à l'ancienne, un petit cache-cache. On prend chacun nos caméras, on vlog. Les gars, c'est parti, cache-cache des croutons. C'est ça qui régale, c'est ça qu'on veut voir. Lily et Rose, merci pour tes 5 euros. Grosse dédicace à Garance Grebo. Wow, frère, j'ai galéré. Grosse dédicace à Garance Greboval. Pour bien qu'elle sache que c'est elle. Et ben voilà, Garance Greboval, Garance, t'es la boss. Merci de me suivre, ça fait plaisir. Merci Léana pour tes 1 euro. Loalma, merci pour tout. Peut-être qu'on joue, je pourrais te dire. Pourrais. Oula, lui Alma, faut relire les dons. Enfin, avant de faire les dons, faut relire. Thibaut, merci pour les 25 mois de sub. Énorme. 25e mois de sub, plus de 2 ans, c'est énorme. Merci beaucoup. Tu fais un boulot de fou, je kiffe. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Past. Bousy a leak les vacances en début d'après-midi. Ah ouais? Il a déjà zété où? Non, mais il a pas déjà zété où, les gars? Delta, merci pour tes 2 euros. Vous allez en Slovaquie? Je dis rien. Je dis rien. Orphélie, en tout cas, Michou, merci, tu donnes le sourire. Merci beaucoup, Orphélie. C'est gentil. Hey, le mi. Oh!
Oh, bientôt les 9 382 000 là, le chat. Ça régale. Bientôt un palier. Bientôt un happening. Il va y avoir un premier happening sur le live là, j'ai hâte. J'ai hâte. S'il l'a dit, c'est en Croatie. Ouais, bon, bah après, c'est bousillé. Hein. Les gars, c'est bousillé les informations qu'il vous donne. Hein. S'il a dit Croatie, je peux vous dire que. Oh, let's go! Les 9 382 000 abonnés, ça régale! DGG dans le chat! Wesh! Oh, j'ai bien aimé l'happening! Wesh! Frérot, il m'a baisé mon studio! Alors. Par contre, il était grave vénère, le gars, non? Oh! Frérot, calme-toi un peu là! Wesh, il était vénère, il a le seum que je passe les paliers d'abonnés ou c'est comment? Oh la dinguerie! Non, mais il a baisé mon studio! Mais frère, normalement les confettis! Les confettis, c'est quand on passe les 9 400 000 abonnés! C'est pas tout de suite! Mais c'est trop tôt là pour faire les confettis! Bon, et eh ben les frérots, je crois que c'était. Je crois que c'était le petit premier happening, il est passé très vite, hein! Il est passé très vite! Alors sachez que ça pour le coup j'étais vraiment pas au courant, je m'attendais pas à ça. En fait moi je connais quelques happenings qui sont, voilà j'en connais 4-5 parce que c'est des trucs que je voulais faire sur le live qui sont cool. Mais tu vois celui-là par exemple, j'ai eu la surprise comme vous. Go faire le ménage, bah ouais voilà. Une seconde de divertissement pour 3 minutes de ménage. Même plus, oh non mais en plus j'ai des frères, regarde. Oh j'ai trop le seum. Frérot, j'ai pas rangé à côté, il y a toutes mes affaires en vrac. Il y a des confettis qui sont rentrés dans mes affaires. Dans le sac, il y en a. Ah oh ouais, il y en a derrière le meuble et tout. Oh frère. Eh bah écoutez, en vrai ça va, en vrai ça se nettoie assez bien. C'est des confettis. C'est des confettis, c'est pas de la poudre. C'est pas de la poudre. J'espère que je lui donne pas des mauvaises idées, mais ça va. Lucas, merci pour ton sub. Eh bah les frérots, merci beaucoup pour les. Bah de base, les 9 382 000. De base. Les gars, y a un problème là, les refs. Voilà, ça remonte. Voilà, abonnez-vous. Voilà, voilà. J'aime bien quand ça s'abonne comme ça. Là, je me sens grand là. Je me sens grand. Voilà, le compteur d'abonnés qui explose. Voilà, je me sens grand là, les gars. 9 382 000. Je vais me calmer, les gars. Je vais me calmer. Non! 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 Oh! Voilà! Merci les gars! Voilà! Voilà! C'est bon! Là ça régale! Là c'est bon! Là ça fait plaisir! Je rêve ou je gagne 10 par 10 abos? Merci beaucoup, méconnaissable, pour tes 2 euros! Non! Mais non! Mais arrêtez! Mais rabonnez-vous là! Mais non! Mais les gars, c'est l'inverse qu'il faut faire! Mais vous avez rien compris! Mais les gars, abonnez-vous, après vous allez oublier! Vous allez partir du live, vous allez oublier de vous rabonner! Mais non! Mais j'ai moins d'abonnés qu'au début du live! Mais non, mais je perds des... Je me casse. Allez, c'est bon. Hop, c'est bon. Allez, comment on quitte le live? Oh! Mais j'avais plus d'abonnés au début du live. Mais vous êtes des bâtards. Mais le chat, et le chat, vous êtes trop des chiens. Vous êtes des bâtards. Non, bien joué le chat. J'ai compris. Vous voulez jouer à ce petit jeu là. Vous voulez vous foutre de ma gueule. Et bah super. Et bah vous avez gagné les gars parce que je peux rien faire. Donc s'il vous plaît, réabonnez-vous. La blague était drôle. Maintenant faut se réabonner parce que là c'est plus une blague là. Je viens vraiment de perdre 2000. Wesh, il y a 2000 personnes qui sont désabonnées. Mais la dinguerie. Mais là, par contre là, non s'il vous plaît là, les gars, réabonnez-vous tous à partir de maintenant. Regardez, là le compteur il va péter, ça va être magnifique, ça va être satisfaisant. 5, 4,
3, 2, 1. Tout le monde se réabonne, les frères. Tout le monde. Je veux que ça pète à partir de maintenant. Regardez-moi ça, le compteur. Le compteur, voilà. C'est encore mieux que le casino, frérot. Regarde comment ça monte. Oh, la dinguerie. Non, là, par contre, c'est satisfaisant. Là, là, les gars, vous régalez. Là, c'est satisfaisant. Merci beaucoup, Yara, pour les 10 francs suisses. Merci, Sophie, pour ton sub. Merci beaucoup, bienvenue. Merci, Ethan. Merci, Océane, pour les 2 euros. Lucas Gold, merci aussi pour ton sub. Merci beaucoup, les gars. Et on va repasser les 9 382 000 abonnés. Merci beaucoup, les frérots. Et maintenant, en route vers les 9 383 000, les frérots. Parce que, comme je vous rappelle, il y a Elsa dans le titre. Normalement, elle va être sur le live. Elle va arriver à un moment... Il faut la débloquer. Il faut débloquer Elsa, les frères. Il faut débloquer Elsa. Hop, je fais juste un petit truc. Hop. Excusez-moi, les gars, j'envoyais juste un petit message. Coupe ce live et fais ça pour les 10 millions, Michou, soit normal. Mais non, mais on passe les 9 400 000. En fait, tous les paliers, tous les 100 000 abonnés, tu connais, c'est un palier. Donc, j'ai envie de fêter à chaque fois tous les paliers des 100 000. T'as plus d'abonnés que MrBeast. Non, pas... non, frérot. Je crois que MrBeast, 10 millions d'abonnés, il est gagné en 3 minutes. Le frérot, il est dans le futur, hein, les gars. Il est dans le futur. En ce moment, les dernières vidéos de MrBeast, je les trouve vraiment insane. En ce moment, je les trouve vraiment insane. Autant à l'époque, je trouvais que c'était juste faire gagner des sous pour faire gagner des sous. Maintenant, ces vidéos, je les regarde et je suis en mode waouh, j'aimerais tellement faire ça. Genre, je sais pas comment expliquer. À l'époque, vous voyez, quand j'étais un petit youtubeur, petit streamer, que je débutais, etc., je regardais les vidéos des gros youtubeurs français. Et je me disais, oh putain, la dinguerie, j'aimerais trop pouvoir faire un truc comme ça un jour et tout. Et maintenant, j'ai ce sentiment de âme, de putain, j'ai envie de me développer pour faire des trucs de ouf comme ça. Quand je regarde les vidéos de MrBeast, mec, il crée des décors, les concepts sont monstrueux, mec, c'est insane, vraiment. Et quand je regarde ces vidéos, je suis en mode, putain, gros, je veux faire ça, ça me donne envie, tu vois. Mec, rien que le fait, gros, même ça, c'est un truc, c'est différent de YouTube, mais tu vois, c'est un vrai truc de réussite. Sa marque de chocolat et tout, ça marche de fou, frère. Il fait des auto-sponsors. Il sponsorise ses vidéos par sa propre marque. Mais frère, je regarde ça et je me dis, mais c'est un génie. Mais c'est un génie. Merci beaucoup à moi-même d'avoir sponsorisé la vidéo. Mais c'est du génie, les frères. C'est du génie. Merci Delphine pour tes 6 euros. Je t'ai connu grâce à ma petite sœur et mon copain. Et bah, putain, ça fait plaisir. Bah, tu diras à ta petite sœur et ton copain que c'est des rois. Peux-tu faire une petite dédicace à Abigail? Abigail, grosse dédicace. Merci, monsieur. Ah non, petite dédicace. On a demandé une petite, désolé. Gaga593, grosse dédicace. Merci, Mathis, pour les 5 euros. Grosse dédicace à Mathis de Fougère. Et bah, Mathis, mon frérot, grosse dédicace. Pumba, merci pour tes 2 euros. Dédicace à Dan et Dinis. Merci beaucoup, les frérots, tous ceux qui ont fait des dons, etc. Elsa, les gars, vous voulez voir Elsa, je le sais, les frérots, il va falloir la débloquer. Ce live, c'est comme un jeu vidéo. C'est plus ça va aller, plus vous allez débloquer des trucs. Voilà, c'est comme un jeu, les gars. Vous voulez voir Elsa, il faut la débloquer, les frères. Là, c'est un personnage non débloqué. C'est quoi le sub goal? Comment ça Le sub goal 9 400 000, c'est les vacances des croutons, les gars. C'est les vacances des croutons. Hop. Tu peux me faire une dédicace. Les frérots, je vous avoue, si je commence à faire des dédicaces à tout le chat, malheureusement, on n'a pas fini. On va être un petit peu dans la merde. Merci Willew pour ton sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup Willew. Bienvenue les gars, tous ceux qui sub et tout. Après les frérots, je vais pas vous mytho, c'est très gentil, hein, tous ceux qui sub, bienvenue les gars, ça me fait vraiment très plaisir. Mais n'hésitez pas à venir plutôt sub sur Twitch, parce que là je live exceptionnellement sur YouTube, mais en général c'est plus sur Twitch. Et sur Twitch, si vous subez, au moins vous aurez des vrais avantages et tout. Tac, excusez-moi les gars, je règle juste un truc. Hop. Parfait.
Merci As pour ton sub. Merci beaucoup, bienvenue mon gars. Lucas Gold qui a offert un sub aussi. Bah bienvenue au frérot qui a été sub. Michou, je suis fan de toi depuis 2018. T'es vraiment le meilleur youtubeur. Merci beaucoup, Sana. Eh, mais quand j'entends des phrases comme ça, j'ai l'impression, ça y est, je suis vieux, frère. Je suis fan de toi depuis 2018. Gros, 2018. C'était il y a 6 ans. Wesh. Mais attends, 2018, c'était il y a 6 ans. Non, mais j'arrive pas à y croire. On est en 2000. On est en quelle année là? On est en 2024? Mais attendez, mais les gars, je suis fou ou ça passe trop vite? Mais ça passe trop vite. 2018, c'était il y a 6 ans, ça choque que moi les gars ou pas? Antonin, merci pour tes 2 euros. Le voyage des croutons, c'est demain. Et ouais, Antonin. Antonin, mon frérot, le voyage des croutons, c'est demain. Ça va être magnifique. Ça va être incroyable, les gars. Ça va être incroyable. Mathis, merci pour tes 2 euros. Je te suis depuis Clash Royale, t'es un monstre. Grosse dédicace. Fatih, grosse dédicace. Merci de me suivre. Le temps passe trop vite. Mais on est d'accord, les gars. C'est insane, hein. Depuis 2018. Les gars, dans le chat, j'ai une question, là. J'ai une vraie question. Sincèrement. Sincèrement. En étant le plus sincère possible. Quand vous me voyez, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites, ce mec, il est beau? Il est sympa? Il est moche, mais un peu drôle, donc ça va? Il est... Qu'est-ce que vous vous dites, les gars? J'ai envie de savoir. Charismatique. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Yes! Yes! Je suis charismatique. Lucas Gold, merci pour ton sub. Je viens quand faire à manger? Demande sérieux. Comment ça, Mr. Frex? Tu fais à manger? Attends, parce que frérot, moi, les gens qui me font à manger, ça me régale. Hein. Ah, je te le dis, hein. Mr. Frex, si tu viens pour me faire à manger, c'est... T'es bienvenu, hein, tout de suite. Hein. Si, si, merci pour tes 3 euros. Tu as été voir Elsa sur Dals vendredi. Non, j'étais pas là, malheureusement. Vendredi, les gars, j'étais sur un gros tournage d'Inox. Mais prochain Dals, j'irai voir Elsa. Matox, merci pour tes 2 euros. Salut frérot, t'es le boss. On s'était parlé sur Insta. Ouais, ça me dit un truc, Matox. J'avais peut-être répondu. Bah, je réponds de temps en temps, les gars, aux abonnés qui m'envoient des messages sur Insta. En fait, je trouve ça trop cool. Sur Insta, des fois, je fais des stories. Et en vrai, les stories, elles sont adressées à plein de monde. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de me répondre en mode ouais, le Mich, machin, machin. Et du coup, je me dis putain, le mec, il est investi, il me répond et tout. Donc, tu vois, ça fait plaisir aussi de. Bah, de répondre, en fait. Ça fait plaisir. Grosse dédicace, Chérine et Katleya. Merci de me suivre. Merci, Hugo, pour ton sub. Merci beaucoup. Je me dis, c'est qui, lui? Comment ça, c'est qui, lui? Oh, je suis une star, moi. Comment ça, c'est qui, lui? Oh, tu sais, je suis qui, moi? Je vais danser avec les stars, moi. Attention, respecte-moi, mec. Hein. On est où, là? J'aurais arrêté de parler comme ça. Parce que, les gars, j'ai sorti une vidéo choc des générations juste avant le live. Si ça se trouve, il y a des papis et mamies qui m'ont connu grâce à cette vidéo en se disant « Oh, il a fait une vidéo avec Jean Reno, mais c'est qui ce mec ?» Là, ils regardent mon live et ils se disent « Mais il a pris la grosse tête, ce gars ou... ?» Lucas Gold, merci pour ton sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars, de ceux qui sub. Tu t'es déjà battu, vraiment? Non, jamais. Je me suis jamais battu, les gars. Moi, je suis anti-violence, frère. Je viens pour te cuisiner un truc, ça part en live. Mais attends, mais Mr. Frex, c'est une dinguerie ce que tu me dis. Est-ce que t'as un Insta? Envoie ton Insta, Mr. Frex. Comme ça, je regarde ton Insta, je t'envoie un message. Et je vois ce que tu cuisines. Si ça me donne envie, frérot, tu viens, tu cuisines. Hein. Moi, je suis chaud. Je t'ai vu à Lollapalooza. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Qui était là au festival Lollapalooza? Vous aviez kiffé, les gars? Merci Antonin pour les 5 francs suisses. Elsa, elle sera débloquée aux 9 millions. Aux 9 340 000, non? Pourquoi? Pourquoi serait débloquée à 40 000? 340 000? Bah, attends, mais il y a un problème. Non, 384 000, tu voulais dire. Joue à Poppy Playtime chapitre 3, s'il te plaît. Ouais, je vais y jouer bientôt, les gars. Bah, pas aujourd'hui, parce que c'est un jeu d'horreur. Et déjà, comme je vous ai dit, il va y avoir Elsa sur le live. Elle déteste, c'est impossible qu'elle fasse des jeux d'horreur. Donc pas aujourd'hui, mais une prochaine fois, ouais, je le ferai. Sébastien, merci pour tes 2 euros. Merci beaucoup. Moi, on s'était vu, c'est moi, Mehdi. Ouah, frérot, tu me dis c'est moi, Mehdi, mais j'en connais trop des Mehdi. Il me dit c'est moi, Mehdi, en mode, ouais, Mehdi, bien sûr. Mon rêve, j'en connais beaucoup des Mehdi.
Little Nightmares, ça dit quoi, Pewer? Tranquille. Il y a mon frère sur le live, ça fait plaisir. Little Nightmares, c'est carré comme jeu. Je connais pas. C'est un jeu d'horreur aussi? Je connais pas du tout. Merci Antonin, ouais, j'avais capté. Merci beaucoup Romain pour tes 2 euros. Je cherche une entreprise CM en apprentissage. Bah voilà les gars, Romain qui fait il lance des CV comme ça sur mon chat. On sait jamais. Si dans les 21 000 personnes qui sont là, il y a un patron d'entreprise, voilà. Il y a Romain qui cherche une entreprise CM en apprentissage. On sait jamais. En vrai, on sait jamais. Hein. Ça peut vraiment se faire. Hein. Tom Tom, merci pour tes 2 euros. Mich, il est où le clip YouTube organisé? Les gars, c'est vrai que les sub goals. Parce que là, je vous hype en mode on va passer 9 400 000, sub goal des vacances des croutons, etc. Bon, pour le coup, les vacances des croutons, je vous ai dit, c'est demain. Ça commence demain. On part en vacances des croutons demain. Donc voilà, je suis trop heureux de vous l'annoncer. Mais ouais, les vacances des croutons, c'est demain. Parce que voilà, c'est un truc qu'on est obligé de prévoir un peu à l'avance pour partir au bon moment, etc. Donc c'est pour ça que je vais essayer de passer 9 400 000 abonnés, mais dans tous les cas, c'est demain. Maintenant, il y a eu le sub-goal où je fais gagner ma voiture. J'ai pas encore sorti la vidéo où j'ai livré ma voiture, etc. Mais vous inquiétez pas, il y a bien un gagnant, il y a bien quelqu'un qui a gagné la voiture. J'ai juste pas encore sorti la vidéo et tout. Mais voilà, vous inquiétez pas. 9 200 000 abonnés, je devais sortir mon jeu. Bah d'ailleurs, faut que j'y joue. Là, sachez les gars que mon jeu Fumble est disponible sur Fortnite et tout. Juste, j'attendais une dernière mise à jour pour vraiment pouvoir y jouer à fond en live. Que le jeu soit nickel, carré de fou et tout. Donc, on y jouera bientôt, je pense, en rentrant des vacances des croutons. On fera des petites sessions sur mon jeu. Donc, il est là. 9 300 000 abonnés, il y a le clip YouTube organisé. C'est le seul truc qui n'est pas encore géré. Parce que, en fait, j'attends le bon moment pour le faire, les gars, je vous le dis. Je pouvais le sortir rapidement à la va-vite, faire un truc. Ouais, allô, frérot, t'es là. Ouais, toi, t'es chaud aussi à faire un YouTube organisé. Vas-y, bah go, on fait un clip tous ensemble. Mais je veux vraiment bien le faire, bien l'organiser. Donc, ça va prendre plus de temps que prévu. Mais ça arrivera. Vous inquiétez pas, les gars. On a passé le palier. Donc, j'en ferai un. Ne vous inquiétez pas. Benjamin, merci pour ton sub. Merci beaucoup. Bah, alors là, ça va être compliqué. Il y a un frérot coréen, j'ai l'impression, qui m'a envoyé un don. Mon ref, comment je prononce ton pseudo là? Attendez, traduction. Google Trad. Coréen. Alors, merci beaucoup. Pelang Seuin. Pelang Seuin. Thank you for your donation, my friend. Thank you, man. Bah attends, mais il est français, non? Sinon, il serait pas sur mon live. Merci beaucoup. Merci, Pelang Yusin. J'ai oublié le pseudo, les gars. Merde. Pelonguin, merci mon gars. J'arrive plus à lui parler normalement, j'ai pas l'impression que c'est un français du coup. Moi je fais de la pâtisserie, ça ferait plaisir que tu vois. Ah ouais Léo, non mais les gars, hey, tous ceux qui font de la cuisine, de la pâtisserie, tout ça, envoyez-moi vos Instagram, bordel, envoyez-moi vos Instagram. J'aime trop la bouffe, c'est ça que vous avez pas compris, j'adore la bouffe. Si vous faites à manger, moi je suis là, moi je regarde, hein. Je regarde. Lucie Eschenbrenner, merci pour les 5 euros, merci Playcrafter. À quand Palworld avec le vie, Mich? Bah, en rentrant des vacances des croutons. Pas cette semaine, malheureusement, mais bientôt, vous inquiétez pas. Même moi, j'ai envie d'y jouer. Après, on sait jamais chez Michou Compagnie. Merci, Romain. Chez moi. Mais c'est quoi un... C'est quoi CM? Community manager, tu veux dire? Tu veux devenir community manager, Romain, c'est ça? Keiko, bonjour, j'aime trop Elsa, tu me la prêtes? Bah, alors non. Déjà, Keiko, mon ref, tu as baissé d'un ton? Elsa, c'est ma chérie, déjà. Donc, tu l'aimes trop. Tu, voilà, t'enlèves ça de ta bouche, de ton cerveau. Tu me la prêtes, c'est pas un objet, mec. D'accord? Donc, tu vas commencer à la respecter. C'est elle qui prend ses propres décisions. Calme-toi, mon gars. Voilà. Je te remets un petit peu à ta place parce que je crois que t'as pas compris. Voilà. S'il y en a encore un qui veut parler comme ça d'Elsa... Dites-moi, il n'y a pas de problème, je vais le remettre à sa place, moi. Athème, merci pour tes 1 euro, merci mon gars, Coconuts. Le poteau, il s'est fait daronner, il a rien compris. Coconuts, merci pour tes 1 euro, merci Laurent pour ton franc suisse. Antonin, merci pour tes 2 francs suisses. Moi, je suis bûcheron, si tu veux, je coupe un arbre. Bah, Antonin, ça, j'avoue que ça m'intéresse un peu moins. Oh, les frérots, bientôt les 9 383 000 abonnés. Oh, et let's go, merci les gars. Bien vu le chat, GG, des GG. Oh. Comment ça va?
Ça va et toi? Bah ça va. Les gars, vous avez crié. Vous avez débloqué Elsa. Mais t'es bien. T'es bien allongé, qu'est-ce que tu fais? Mais il y a un problème. Tu laisse ma chaise. Bonjour. J'ai pas de chaise moi. Léo, attends, t'inquiète, je vais t'en chercher une. Ah, moi je voulais être sur tes genoux, j'étais bien sur tes genoux. Bon, on a déjà fait péter les confettis. Oui, j'ai vu. Les confettis partout. Et mais attends, mais il m'a abandonné là. Je me suis pris dans un traquenard là, non? Ouais! Je peux garder celle-là parce qu'elle est toute chaude. Pourquoi? Si tu veux. Ouais! Le fait que tu me dises je veux la garder parce qu'elle est toute chaude, ça me dégoûte un peu. Mais non, mais t'avais les fesses toutes chaudes. Je l'ai chauffée avec mon cul, quoi. Tiens, mais va là-bas, toi. Je t'ai chauffé la Salut, place pour de bonjour, vrai. Comment allez-vous? Elle arrive quand Elsa? Bah alors lui, il est en retard. Toujours. Lui, il est en retard. Lucas, merci pour tes 2 euros. Oh. Bah Lucas, il me fait des déclarations. Merci, merci ah, oui. Mister Royal pour tes 10 euros. Grosse dédicace. Grosse dédicace, mon frérot. Mister Royal, prends soin de toi, frérot, et grosse force à toi. Merci Sébastien, merci Léna. Un don pour Elsa. Oh non, ça va recommencer. Ouais. Caron, merci pour tes 2 euros. Pas pour moi, hein. Je les gagne toujours pas à la fin du live. Hein. Bah, jamais de la vie. Calme-toi. Calme-toi. Je veux bien être gentil, mais quand même. Mm-hmm. Merci Romain, merci Life4Kill, merci Maeva, merci Arsène. Merci beaucoup les gars pour tous les dons. Wesh! Non, mais attends, mais. Merci beaucoup, Vincent! 60 euros, frère! C'est énorme! Merci infiniment, Vincent! Salut, vous deux! Les vacances, le retour! Gros soutien, Elsa, pour cette saison de Dals! C'est gentil, merci! Pour Dali, Elsa, il participera comme Dals et en même temps, Jean Reno, masterclass, bisous! Merci beaucoup, Vincent! C'est gentil! Il a fait passer tout ce qu'il avait à dire! Ouais, ouais, il a. Il a efficace! Il a envoyé tous les messages! Déjà, ça fait plaisir! Merci beaucoup Très pour. Très gentil, merci, Vincent! Pour déjà le soutien Elsa, même moi Jean Reno ça fait plaisir. Alors Dali, je peux pas encore vous dire les frères. Voilà, danse alors déjà ça va pas s'appeler danse avec les youtubeurs, finalement ce sera danse avec les stars d'internet. Donc, ce qui est très stylé comme nom, je trouve. Donc c'est Dals. Bah en fait, comme ça garde le vrai Dals. Oui, c'est ça, c'est Dals mais tu rajoutes quelque c'est chose. C'est édition internet, ouais. Mm. C'est danse avec les stars d'internet. C'est donc stylé. Donc ouais, moi ouais, j'aime bien le nom. Finalement ça s'appelle comme ça. Donc c'est Dals les gars, c'est plus Dali. Merci Blue. Dalcy, c'est drôle. Dalcy. C'est un petit prénom, Dalcy. Non? C'est un prénom. Bon, ça passe, non? Dalcy, non, j'aime pas trop moi. Ouais, non, peut-être je suis allé un peu loin. Hyper fan de Dalcy. Qu'est-ce qu'on peut-être, en pense? Peut-être je suis allé un petit peu loin. Mmh, je pense aussi, ouais. T'as passé une bonne journée, toi? Je suis fatiguée, mais ça T'as va. Fait quoi aujourd'hui? Je me suis entraînée. Ah, pour de vrai? Bah oui. Entraînement Dals? Bah oui. Ah ouais, dimanche. Savais, je sais pas, genre, tu savais pas. Non mais dimanche. Bah oui. Bah il faut les gars. Hein. Ah ça charbonne, ça charbonne. Et t'es avec Black M. Oui. T'es avec Black M. C'est vrai. J'ai hâte de voir ton prime. Oui parce que toi t'as pas vu parce que il m'a abandonné mais c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Mais c'est un peu. 50 euros encore, mais les frérots. Merci beaucoup hein. Merci infiniment les gars, tous ceux qui font des dons et tout. Vous sentez pas obligés ou j'en sais rien. Même des dons de 2 euros, c'est très très gentil. Même juste être là. Énorme d'avoir eu Jean Reno sur YouTube. Je monte ton PC avec toi Michou sur ma chaîne. J'ai des collabs. Merci beaucoup Tech and Shoot. Malheureusement moi frérot j'ai déjà. Bon même si j'ai souvent des galères, j'ai déjà mon petit PC et tout. Même j'ai déjà quelqu'un qui m'aide pour le montage et tout. Mais c'est gentil en tout cas, merci de la proposition. Et ouais, Jean Reno sur YouTube, insane, hein, pour de vrai. Hein. Coucou Elsa, comment va ton canard? Mon canard? Toi? Ouais. Bah, vous les êtes avec lui depuis plus longtemps que moi. Hein. Ça va, on dirait on se voit jamais. On s'est vu non, hier mais aujourd'hui, soir. Aujourd'hui, je veux dire. Hier soir, on a regardé oui, Dals. Aujourd'hui, on s'est vu. Bah oui, c'est aujourd'hui. Bah voilà. Oui, je dis depuis. Bah parce que les gens, ils croient trop, on se voit plus. Ah non, mais juste, il est pas venu me voir sur le Prime de Dals parce qu'il était. Je peux dire pourquoi ou pas? Attends, dis. Si tu dis que ça, c'est bon. Okay. Parce qu'il était enfermé avec InoxTag. M'a volé en chérie. Ouais, c'est vrai. Bah, Inox, il aime bien. Il fait des tournages 48 heures. Il m'invite. Et comme ça, il est en mode ah, j'ai Michou que pour moi pendant ouais. 2 jours. Je vais trouver des concepts. Il est aussi. Smart. Ça bug. Comment ça bug pour de vrai le chat? Il y a des bugs. Bug de voix, bug son, bug. Oula. Ok, les gars, tapez 4 si vous nous entendez. Mais t'as montré le signe, t'es con quoi. Ah oui, merde. Merde. 4, voilà, 4. J'ai vu craquant du paquet. Non, mais c'est bon. 5. Ah merde, ça bug. Ils ont tapé 5 ah, au lieu de 4. C'est bon, tout va bien. Non, je crois que c'est bon, les gars. Au pire, si vous avez des bugs, faut actualiser.
Dédicace de Elsa pour Abigail. Ah, Elsa, faut que tu fasses une dédicace à Abigail. Coucou Abigail. Enfin, comment on fait des dédicaces? Du coup, Michou, tu me prêtes Elsa. Keiko, il... Mais pourquoi? C'est un qui dit ça depuis longtemps. Faut le remettre à sa place, ouais, ouais. Il a déjà dit ça. Merci Lucas pour les 10 PLN. C'est quoi? C'est des sous polonais? Merci beaucoup, tu viens d'où Lucas? PLN, des PLN. Merci Stan, merci Maeva. Grosse dédicace à Nico. Mais du coup, ça va, bonne journée en ce moment. Et ouais. J'ai hâte de voir du coup ton prime. J'ai hâte de te voir danser avec Black M là. Ouais. Bah, et les entraînements avec Black M, dis-nous un petit peu. Bah là, alors là déjà, donc en gros, Dals, comment ça se passe? Pour l'instant, les premiers primes ils sont enregistrés, donc c'est pas du direct. Mmh. Les premiers sont enregistrés, après on repassera, on récupérera le direct. Et en gros, les deux premiers primes, il n'y a pas d'élimination. Donc c'est pour ça que c'est pas spoilé tu de dire que rien, rentrer... Non, du coup, je spoil rien. Okay. Parce que du coup, il n'y a pas d'éliminé. Donc la semaine le vendredi, quand vous me verrez danser. Il n'y aura pas d'éliminé sur ce prime là, mais c'est pas du tout spoilé ou pas. Donc là du coup moi j'ai déjà commencé à m'entraîner parce que nous, le prochain prime que vous verrez du coup dans deux semaines, pas on l'enregistre celui d'après. On l'enregistre samedi, donc je suis déjà en train de m'entraîner moi pour le prime 3. Et là il y aura un éliminé. Et là il y aura un éliminé et là c'est chaud. Là c'est chaud. Mais je suis contente. Ah ouais? Mais tu sais... Ah parce que ta musique passe... Spoile pas. Pardon. Je suis très contente. Pardon. Je suis très contente, c'est mais très oui. Cool. Mais oui, ça se passe bien les entraînements. Bah, il okay. Est bosseur, il part de rien, il est débutant. Il est vraiment débutant, mais c'est un bosseur et ça se passe bien, on s'entend méga bien. Et trop c'est bien. Drôle parce que... Attends, je vois, j'ai ça. Mais déjà, c'est trop un bon. Les gars, tous les trucs que j'ai vus de Black M, où il parle d'Elsa et tout, à chaque fois même, il parle un peu de moi en mode « Ouais, on se connaît avec Miguel, donc c'est cool. » Et ça fait trop plaisir en fait. Mais ça ouais, fait ça fait grave plaisir. Ambiance famille un peu en fait. Enfin, famille dans le sens où. En fait, ça se voit, il est vraiment content d'être avec toi. Ouais. Et tu vois, il te calcule. Genre, t'es pas en mode. T'es pas sa danseuse ou quoi, tu vois. Non, mais il te calcule en mode. C'est pas juste t'es sa danseuse et basta. Ah oui, et bah, rien. Oui, ouais, oui, ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr. Non, non, j'avoue, ça se passe bien. Même moi, c'est il m'envoie cool. Des petits messages en mode. Mais oui, je sais que oh, tu frérot, dis, oui. C'est quand même dur. Non, non, c'est cool, ça se passe bien, et puis ouais, on bosse dur, mais il y a du niveau ouais. Cette année. Il m'a même dit, hein, il m'a dit, ah, j'en peux plus d'Elsa, elle laisse rien passer, machin, elle me lâche pas. Ouais, j'avoue. Il m'a dit, je sais pas comment tu fais au quotidien. Oh, t'es un menteur. Hein. J'ai tout inventé. T'es un menteur. J'ai tout inventé, il m'a jamais dit ça, hein, ouais, sache-le. Ouais, ouais. Parce que sinon, demain, entraînement, Elsa va dire, comment ça t'as dit ouais, ça de... Qu'est-ce que tu racontes Non, en vrai, non, 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 j'ai tout inventé. Non, 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 mais ouais, non, ça se passe bien, c'est cool. Et puis en plus, ça se passe bien parce que moi, j'avais un petit peu d'appréhension après la première rencontre parce que je m'étais dit, c'est la première fois que je suis avec quelqu'un qui n'est pas de ma génération en termes d'âge. Mmh. Et ça suis... va, il y a des jeunes quand même. Oui, mais, et c'est aussi... Oui, mais en termes de... Enfin, il est hyper jeune, quand il me parle, je sens pas le décalage, tu vois. Voilà. Mais avant, quand tu sais pas, tu te dis ouais. Peut-être, tu vois, je sais pas. Quand genre j'ai su quand on s'est rencontrés, je me suis dit ah putain c'est la première fois que c'est... en fait je me suis rendu compte du c'est une toute nouvelle expérience tu vois par rapport aux deux dernières saisons quoi où t'avais des gens plus de ton âge plus de mon âge ouais voilà c'est ça ok c'est ça et c'est aussi la première fois que je suis avec quelqu'un que je connais enfin que je connaissais avant ah ok genre parce que toi je savais pas ou le côté star où toi t'es en mode ouais putain, je suis avec Black M putain, waouh. Ah ouais? Bah quand même, ouais. En vrai, ouais, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne je suis en pas. Mode. Kev, merci beaucoup pour les 2 euros. Donc voilà. Il n'y a pas Alizé dans Danse avec les stars, non, malheureusement. Il manque Alizé. Cette année, on n'est que 4 danseuses pro en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de participantes. Du coup, ouais, on est que 4 filles. Donc, ouais, non, elle est pas dans le cast de cette année. Malheureusement. Mais voilà, hein, ça veut... Après, ça veut rien dire pour la suite, des fois. Il manque Alizé, on est d'accord, Kev. Voilà. Allez défendre. Allez devant la tour TF1. Faites des pancartes. On veut Alizé dans Dals. C'est ça, le chat. Merci, ma brawl, pour tes 2 euros. Tu peux me faire une dédicace, je suis fan de toi. Grosse dédicace, ma brawl. Coucou Elsa, ça va? Grosse force à Elsa. Bah, c'est ton live encore une fois. Elsa, dès qu'elle est là, c'est son live. Hein. Si tu veux, regarde. Moi, carrément, je me mets là. Non, reste. Allez-y, les gars, posez vos questions. Et Yuki, elle est pas là? Non, je suis pas encore allée la chercher. Finalement, oh. Je vais aller la chercher aujourd'hui. J'y vais demain. Okay. Je vais la chercher demain. Okay. Zertiliz, merci pour tes 1 euro. Parce que, ouais, les gars, là, ça va être. En fait, ça va être fou les vacances des croutons. Du coup, comme je vous ai dit, on part demain.
Ils savent. Ah, ils savent. Ouais, on part demain, vacances des croutons. Ah, t'as balancé. Mais j'ai pas dit où. Attends, j'ai juste dit on part demain, les gars, demain vacances des croutons. Et exceptionnellement, les gars, pour ces vacances des croutons, il va y avoir les chiens. Tous ? Ouais. Non, juste pas, je crois, Valouz et Pidi, ils prennent pas leurs chiens. Ah, d'accord, ok. Mais du coup, normalement, il va y avoir Yuki. Ouais. Il va y avoir Ace. Oh putain. Il va y avoir le chien de Le Bouzeux. Donc ça va être la guerre. Oh, parce que Yuki et Ace, les deux, quand ils se voient déjà... Mais surtout que c'est tous des chiens un peu forts en caractère, donc ils vont... Ah se... ouais, bah et Uli, le chien de Bouzy, à la limite, je pense que c'est celui qui va être le plus tranquille. Mais c'est un bébé. Mais c'est un bébé. C'est-à-dire qu'il va chier partout, il va pisser partout. Mais non, mais surtout, il va se faire bolos, bébé, bichette. Non, je pense pas. Mmh. En général, les chiens, quand il y a un bébé, ils sont gentils avec. Mmh. Merci, Mr. Frex. Merde. Merci, mon ref. On verra. Ah, il m'a envoyé. Oh, j'ai pas mes crocs, j'avoue, quelqu'un m'a dit les crocs. Merci à un mec pour tes 20 euros. Salut, Michou, tu es le boss. Change rien, ma mère. Change rien, ma mère. T'adore. Ah, ma mère, ta mère m'adore. Ça fait plaisir. Bah, gros bisous à ta maman. Merci de me suivre. Et j'ai hâte aux vacances. Merci, Romain. Tu as pas vu mon premier don. Pardon, Romain. Oui, mais attends, il y a eu des dons là. Mais Romain, ton premier don. Je crois que Romain, ton premier don, il a pas été envoyé. Hein. Merci, Niro Spam. Mich, aide-moi, ma meuf me boude, tu peux m'aider. Elle s'appelle Jenna, par pitié, aide-moi. Comment tu veux qu'il t'aide? Et bah, en lui faisant un message. Ah. Jenna. Pourquoi tu boudes Niro Spam? Est-ce que... Non, mais en fait, je peux pas dire ça, parce que Niro Spam, si ça se trouve, t'as fait de la merde. Bah oui, c'est ça, on sait pas, mon gars. Remets-toi en question, Niro Spam, aussi. Après, si ça se trouve, c'est Jenna. Bon, c'est vos histoires. Ouais, hein. Débrouillez-vous. Hello, merci pour tes 5 euros. Dites-moi ce que vous voulez manger, je vous prends un Uber Eats 0 van. Ouais, hello. Bonne idée pour avoir mon adresse. Très bonne idée, ça. Bah vas-y, pas de problème, prends 12 rue, ouais, ok. Keiko, merci mon ref Mikchou, je rigole, je suis trop fan de toi, t'inquiète Keiko. C'est parce que Elsa, on la voit pas souvent, mais tu restes premier dans nos cœurs, quoique. Attention à ce que tu dis, Vincent. Attention à ce que tu dis, hein. Mais en tout cas, hey, ça monte vite, les frérots, de ceux qui s'abonnent et tout, merci beaucoup, hein. C'est trop bien. Toi, tu... Non, tu sais pas du tout ce qu'il y a de préparé. Si. Ah, tu sais? Je me suis spoilé, j'ai tout regardé. Non. Si. Tu sais que moi, je sais pas tout, hein. Tu sais? Ah, donc tu sais mieux que moi ce qui arrive. Oui, je sais. Ah, j'ai le seum. Pourquoi? Et alors? C'est bien? Tu verras. Mais oui, non, c'est pas mal. Il y a, okay. Il y a des trucs marrants. Ok. Putain, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça peut le faire. Attends, tu me fais peur, là. Non, rien, je vérifie un truc. Ça peut le faire. Hein? Ah. Ça peut le faire. Frère, tu vas foutre le feu à mon studio ou quoi? Mais attends, non, mais frère, c'est terrifiant. T'as vu les happenings? Ouais, ouais, attends d'ailleurs. Oula, ouais. Bon, ça va le faire, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cracheur de feu qui va arriver? Non, pourquoi tu parles de feu? J'ai pas parlé de feu. Mais je sais pas, c'est bizarre. C'est... Non, mais les gars. Mais rien. Ça allait sous-entendre quoi? C'est terrifiant. Mais non. Elsa, montre tes nails, s'il te plaît. Mais quoi? Tes ongles. Mes ongles? Les gens, ils veulent voir ta manucure routine. Comment on appelle ça? Une manucure routine? Oh là là. C'est net, hein. Oh, le plan. Il faut que je les refasse, il y a la repousse, c'est pas beau. Wow. Ah, mais non, c'est beau, fais voir. Mais non, mais il y a la repousse, faut que je les refasse. Ça va, c'est... Non, ça va, t'abuses. Ouais, j'aime pas. Franchement, trop, ils sont beaux. Ça me stresse. Voilà, et ces ongles-là, ils sont à moi, les gars. Vous avez trop le seum. Ils font des méga bien papouilles. Ah ouais, c'est trop bien. Il aime en que fait, ça. Les ongles un peu longs, c'est pour les papouilles, mais... Oh là là, mais c'est magnifique. Je suis à deux doigts de me faire moi-même des méga longs ongles et une moto papouille. Je sais ce que t'as fait, spoil. Mais du coup, est-ce que toi, quand tu fais toi-même ça sur ta main... C'est cru, trop bien. T'as cru que je faisais ça sur maman? Bah, j'en sais rien, mais du coup, est-ce que c'est bien? Bah oui, c'est bien. Putain, c'est chelou. Mais la chance. Mais c'est incroyable. Je vais faire ça le soir dans mon lit, hein. Mais moi, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais me faire des longs ongles et je vais être comme ça. Ah, je non, c'est pas le même truc quand c'est quelqu'un qui te fait des papouilles et quand c'est toi qui te fais des papouilles tout seul, hein. Ouais, c'est vrai. Mais quand même.
Ça dit quoi dans le chat? Y aura-t-il un ascenseur 3? Vous aimez bien le concept de l'ascenseur? Un troisième épisode, ça vous dirait? C'était pas le 3 vrai, moi, déjà j'aime bien. Non, c'est le 2. Ah ouais? Ouais, j'ai pas abusé de ce concept, alors que je le kiffe. Hein. Ouais. Ascenseur, c'est vraiment... Je pense que c'est un de mes concepts préférés que j'ai sur ma chaîne. Mais j'en abuse pas, parce que... J'ai envie que quand ça sort, les gens, ils aient la surprise et ils kiffent. Mmh. Oui, oui, oui. Mais j'ai une idée pour l'ascenseur 3. Ah ouais? Oui, mais tu disais, tu peux pas le dire, donc c'est nul. Je peux pas te dire, bah oui. J'ai une idée, je te dirai après. C'est... Ça peut être vraiment insane. Hein. J'aurais dû t'épiler les sourcils. Non, à ce point-là. On a une personne. Ok, qui est bon, on a vu les ongles d'Elsa, maintenant on voit mes sourcils. Vas-y, sourcils, check. Ça va? Bon, y a... en fait, moi ça me stresse quand il y a des petits trucs. Mais là, ça va, il y a eu pire. T'es une abuseuse. Non, il y a eu pire. T'abuses. Je pense que là, j'ai eu un trop long eye contact avec la caméra. La moitié du chat est en train de tomber amoureux. Je suis désolé, le chat, j'avoue que bon. Regarde, oh le regard, putain! Oui, beau gosse! Gros plan au calme, le glow up. Je t'ai dit, ils sont en train de tomber amoureux. Eh, tu veux pas me faire m'apprendre à jouer à Palworld? Tu veux jouer à Palworld? Non. En fait, ça prend trop de temps. Oh. Je pourrais t'apprendre à jouer à Palworld, mais ça prend grave du temps. Mais tu sais qu'il faudra qu'on fasse une aventure à deux. Moi, je suis trop chaud. Mais quand? On n'a pas le temps. Bah, en 2026. On trouvera un moment. Le jour où on est libre. On trouvera un moment. À quand un balance ton pote hashtag 2? Ah, vous avez aimé aussi ce concept? Ah, balance ton pote, c'est incroyable. Ouais, en plus, bah c'était avec Eva, avec Black M aussi. Avec Kev Adams et Black M. Oui, c'est vrai qu'il y avait Black M sur ce ouais, truc. Ouais, c'était trop bien, honnêtement. Et surtout, non, mais surtout les abonnés qui sont venus, les histoires qu'ils avaient. Non, mais il y avait des psychopathes dans le monde. Il y avait des psychopathes. Romain, imagine avec un live, j'ai un entretien d'embauche. Bah, ce serait bien pour toi, Romain. Est-ce que Elsa peut nous raconter une anecdote? T'as une anecdote, Elsa? Une anecdote... Tonton Mich vit... Va-t-il changer les couches de son neveu pendant les vacances? Oh là là... Ah oh, oui, s'il te plaît, fais-le. Non, mais si non. Tu vas le faire. Parce que vous savez ce qu'il m'a toujours dit? J'ai une anecdote, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, on discute de... Bref. Non, mais on a déjà parlé de... Imagine un jour, on a des enfants et tout. Oula, attends. Non mais attends. On a déjà parlé de ça. Okay. Et le premier truc qu'il m'a dit c'est ah non je veux pas d'enfant, ah non je veux pas changer les couches, hein, ça me dégoûte de changer des couches. Vrai ou faux? Alors oui et non. Quoi? Non mais j'ai dit ça. Oui. Mais après je suis pas non plus en mode non mais je veux pas d'enfant, ça me dégoûte non. Changer les couches, non, t'as dit ça dé... T'as dit je changerai pas les couches. En fait moi c'est toi qui moi j'ai les toujours dit j'aimerais bien avoir un enfant mais il naît à 4 ans. Comme ça 4 piges il naît. Il commence déjà à parler. T'as cru que ta vie c'était les Sims, toi? Bah, ça serait bien. Comme ça, il commence déjà à parler. Je peux dire, ouais, tiens, mon frérot, joue au foot avec moi. Tiens, prends la manette, je vais t'apprendre à jouer à Call of. Enfin, la vraie vie. Il te faut juste un pote, en fait, toi. Il te faut juste un ami. Peut-être que c'est finalement un ami que je recherche. Mais oui, c'est juste un ami. Il n'a pas besoin d'un enfant pour aller jouer au foot. Mais si, mais c'est ça qui est bien. T'as toute gercée. Oui, j'ai les gercées. Et alors le baume que je t'ai mis, que je t'ai pris. Mais t'as le nez qui pèle, mais t'as la peau qui met enfin. Mais c'est à cause de, mais c'est à cause de la Laponie. Hein. Il est où ton, t'as un baume pour les lèvres? Oui, je l'ai. Bah, va le mettre. Ok, tu bon mal aux lèvres après. On passe en mode stream pharmacie, les gars. Non, mais là non. Mais elle est trop les lèvres gercées, vous rendez pas mais compte. Mais t'as de la crème hydratante pour les mains, c'est que j'ai les mains sèches. Et bah va chercher. Ah putain. Pardon. Je crois que si dans mon sac, amène mon sac de sport. Je vous jure, c'est trop grave. Il a les lèvres toutes gercées, toutes floconneuses, et il a le nez tout pareil, là. Attends, alors attends, du coup... Merde, putain, mais en plus, je fais ça et je me mets moi-même dans la merde, parce que du coup, faut que j'anime. Attends, ça va trop vite, il faut que... Je sais pas comment on fait. Attends, comment je passe la souris sur l'autre ordi? Là! Oui! Elsa analyse le visage de Michou. Bah, compliqué. Elsa, elle vient en vacances des croutons. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, ça. Je sais pas si elle l'a dit. Montre ton dos. Bah, pourquoi? J'ai une étiquette? Voilà, c'est fait. Non, j'ai pas d'étiquette, j'ai rien. Pourquoi vous voulez que je montre mon dos? Vous êtes bizarre, vous. Une anecdote sur Dals. Une anecdote sur Dals. J'ai pas d'anecdote en tête, là.
Bah, pas d'anecdote croustillante, on va dire, si c'est ça que vous attendez. Non, en vrai, Dals, bah, Dals, ça se passe bien. C'est short, c'est hyper court en termes de période de temps, on est toujours dans le speed. Et voilà, et je dors vraiment. D'ailleurs, c'est des gens qu'on est. Je sais pas si on l'a eu vraiment pharmacie pour de vrai. C'est des gens qu'on est conseillé pour les insomnies. Je suis preneuse parce que je dors vraiment 3 heures par nuit. Donc, s'il y a des gens qui ont des conseils pour les insomnies, je suis preneuse. Parce qu'en ce moment, je dors plus. Ça se voit d'ailleurs, hein, clairement. Voilà. Je sais pas ce que je peux raconter d'autre, moi. Je vais pas raconter ma vie. Qui que c'est ? Tu peux rentrer ? Bah oui. Ah oui, c'est chez moi. Bah oui, c'est chez toi. J'ai remis le baume. Miguel, je peux dire si je viens ou pas aux vacances des croutons ? Oui, bah je l'ai déjà dit. Oui. Ah bah voilà, bah, j'y viens pas. Bah sympa, bah super. Mais j'y viens pas, frère, je m'entraîne aussi moi. Non mais je rigole, c'est très bien. Tu penses qu'un jour tu viendras aux vacances des croutons ? En fait, comme je disais bah, aux si gens, c'est moi, particulier. Oui. Si tu veux de moi. Non mais c'est quand même particulier parce que ça filme tout et tout, mais toi t'as quoi, moins l'habitude. C'est. Ah bah t'inquiète, ah bah attends. Mais je. C'est ton live ou c'est le mien en fait ? C'est ton live. Non mais c'est grave ! Je me fais abandonner ? Attends, bah du coup, alors attendez, je relis. Je lis les trucs. Mais un verre d'eau sous le lit, mais qu'est-ce que vous racontez ? Un verre d'eau sous le lit, ça aide à dormir, vraiment ? T'es sûr de vous ? Alors Elsa, oui, dis-moi. J'ai ramené le baume à lèvres, du coup, ce qu'on va faire, tu vas en mettre, et tu vas... Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais, par contre, j'en veux bien pour de vrai. Tu vas en mettre, beaucoup, et après, tu me le redistribues. Ouais, c'est ça, ouais, tiens. Non ? Non. Ça te dit pas. Les gars, ça peut être un happening, hein. 9 384 000 abonnés, hop, le bisou. Ça te dit pas ? N'importe quoi, non. Tu sais qu'il y a peut-être un happening comme ça. Que penses-tu de cette saison de Danse avec les Stars ? Alors, je sais pas si c'est à moi que la question, elle vient, ou à toi. Mais il y a un niveau de fou cette année. Et en plus, c'est grave cool parce que le niveau est assez homogène, on va dire. Mais par contre, ça va être hyper plus que dur. D'habitude, ça c'est vrai, et c'est bien. Et c'est bien. Ouais. Mais là, le Prime qui a été diffusé vendredi, là, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Mais il y a un niveau de malade, hein. Moi, je vais donner aussi mon avis. Toi, c'est bien, t'as donné ton avis plus en mode les gens, etc. Vis-à-vis de l'intérieur. Mais moi, vis-à-vis de l'extérieur, je trouve que vraiment, cette année, ils ont glow up de fou dans Danse avec les Stars. Parce que le casting et tout le monde est le trop content. En fait, le casting, il est complet. Il y en a pour tout le monde. Et même la production, etc., pour moi, ça a vraiment glow up. Bah, déjà, je suis content. Parce qu'il y a aussi plus. Il y a un vrai accent en plus sur les danseurs. Ouais, c'est là vrai. Là où moi, sur ma saison. Tu sais, quand je voyais ce que je devais faire et ce que toi, tu faisais aussi, bah, des fois, j'étais en mode, putain, mais c'est con, pourquoi moi, je fais ça et pas Elsa ? Parce qu'en vrai, au-delà de ça, elle, c'est sa première saison, on est quand même un binôme, on est un duo et tout. Et en fait, je trouvais que j'étais, évidemment, je suis la star du Danse avec les Stars, mais... Nous, les danseurs, on doit vous mettre en avant. Voilà, mais... En vrai, je trouvais que ça manquait de ça. Et là, cette année, ils le font beaucoup plus. Bah, c'est vrai que déjà, on a été présentés cette année. Les images et tout, j'ai juré que c'est magnifique. Ouais. Le fait que les primes soient enregistrées, en fait, ça permet qu'il y ait du montage. Et du coup, il y a des super belles images des backstage et tout. Ça, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais ce qui me tue, c'est que c'est vraiment devenu ton live. T'es en plein milieu. Frère, je suis là, je suis comme ça. Je peine à avoir un petit peu de place. Si. Voilà, re les gars, vous me voyez, je suis plus dans le coin. Pardon. Le bouseux, il a spoil, ils partent en Croatie. Non, il a spoil. On le leak. Non les gars, mais c'est les infos de Bouzy, hein. Faut arrêter de croire tout ce que Bouzy dit. Antonin, merci pour tes 5 francs suisses. Tu penses que Nico Capone ça va ou il se fait dénigrer de fou? Je comprends pas le sens de la phrase. Parce qu'il a un mérite de fou. Mais Nico Capone, il gère de fou. Vous êtes malade, les gars. Il bosse comme un malade. Ouais. Et il a fait un prime. Vous vous rendez pas compte de la difficulté du quick step qu'il a fait. Et il a fait quelque chose de hyper propre. C'était trop bien. C'est trop bien. Moi, c'est quoi de Mais en vrai, pour le cas, oui. Pour le coup, Nico Capone, en vrai, sur les réseaux, il se fait un peu dénigrer alors que. Ouais. Il y a juste à regarder la presta qu'il a fait et tu dis, bah en fait. Ça fait taire tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais le problème, c'est que les gens parleront toujours de toute façon que tu dises de machin et tout. Les gens, ils parlent. Donc, ça, c'est un peu désolant. Mais en tout cas, ouais, il a fait une prestation malade et c'est trop bien. C'est qui ton préféré du Prime que t'as vu hier ? Attends, il y avait qui déjà ? Bah, en fait, bah, je pense que c'est Nico Capone. Parce que déjà, Quick Step, il y a le côté un peu cool, un peu. Ouais.
Je sais pas, j'aime bien la vibe. Et même Nico Capone, pour le coup, je le connais un peu. Et du coup, le voir dans le programme, comment il ressort et tout, j'ai kiffé. C'est un vrai gentil. C'est un vrai gentil. C'est un bon duo avec Inès. Ils vont gérer. Ouais. Ils vont gérer. Non, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Yuki et Bou, comment ça va? Bah, Yuki, les gars, elle est au chenil. Yuki, elle est au chenil. Arrête de dire au chenil, on dirait qu'elle est punie quand tu dis qu'elle est au chenil. Bah, non. Mais non, mais le chenil, je sais pas, c'est une image négative dans ma tête. Ah ouais? Ouais. Les gars, chenil, c'est chelou. Elle est à la garderie. Ah, alors, moi, pour moi, c'est pire garderie que chenil. Hein. Ah bon? Je sais pas, elle est au chenil, c'est avec tous ses copains chiens, quoi. Oui, mais à la garderie, quoi. Elle a raison. Elle est à la pension Pokémon. Voilà, elle a la pension Pokémon. Oui, mais elle est en train de gagner des niveaux là, les gars. Quand je vais la retrouver, elle aura une nouvelle attaque. Mais c'est pas du tout un chenil, ouais. Non, chenil, c'est trop chelou. Mais oui, parce que chenil, ça a une image toi. Chenil, c'est grave négatif. Ah ouais, oui, ah merde. Ça. Mais oui, non, elle est dans un truc. Ça veut dire, je suis trop contente de dire, oh les gars, elle est au chenil là. Tout le monde dit, oh le bâtard. Mais non, elle est dans un truc de fou et tout, elle a tous ses copains. C'est trop chenil, bien. Ça veut dire abandonné. Non, mais non. Ouais, non, bah là, ok, bah elle est dans un truc bien. Elle a la pension. Elle est au centre aéré en fait. De ouf. En fait, c'est ça, elle est au centre aéré pour les chiens. Des petites activités et tout. Antonin, Vincent, pour tes 5 francs suisses. Serait cool, Nico, il gagne sans être méchant avec Elsa. calme-toi, Antonin. C'est bien de supporter Nico, mais quand même. De toute façon, c'est pas comme si c'est nous qui décidions qui gagne ou qui gagne pas. Le but, c'est que tout le monde donne le meilleur de lui-même. Et en vrai, c'est la progression qui est importante et c'est ce que tu racontes qui est important. Et moi, j'ai une vraie question. Vas-y. Pour moi ou pour les gens? Pour les gens. Pour les gens. Est-ce que tu penses... Non, pour toi aussi. Est-ce que tu penses que les gens pourraient voter pour toi et Black M pour toi? J'ai pas compris. Genre... Les gens voteront pour moi? Ouais. En fait, ils votent pour toi aussi. Bah, en fait, les gens, ils votent pour un duo. Après, bon, là, je demande aux gens qui sont sur mon live, donc... Non, mais... Dire oui, mais... Les gens, ils votent pour un duo, en fait. Forcément, si dans le duo tu vois que ça marche pas et que les gens ils s'entendent pas et tout, ouais, c'est vrai. Bah, t'as pas envie de les voir continuer l'aventure. Oui, c'est vrai. Ouais, tu votes pour des gens que t'as envie de voir continuer, t'as envie de voir progresser. Les gens ils kiffent votre duo avec Black M. Mais on est même pas sortis, frère. Oui, mais il y a déjà. Les retours sont déjà positifs, tu vois. Oui, mais ils ont rien vu. Oui, bah c'est vrai. Même moi j'ai hâte de voir. Mais non, non, c'est cool. C'est cool. Mais ouais, écoute, on verra. On verra. En vrai, nous, on n'a pas de contrôle là-dessus, donc ça sert à rien qu'on soit en mode... On va essayer de savoir. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais bon, on verra. Ce sera au bon vouloir des gens, et puis nous, on va kiffer notre aventure dans tous les cas, et ça qui sera cool. C'est ça qui sera cool. Mais... Elsa a un bébé. Bah, alors là, tu m'apprends quelque chose. Oui, j'ai un bébé chat. Ah, tu m'as fait peur. Je te dis, oui, j'ai un bébé. Oula. Il y a des choses que je sais pas. Vous pouvez vous embrasser. Non. Calmez-vous, les frères. Calmez-vous. Bientôt le prochain happening, là. J'ai hâte. En fait, moi, je suis comme les gens, là. Genre, je suis pressée que les gens, ils s'abonnent. Et que... Allez, on passe au prochain happening. Il se passe quelque chose sur le live. En plus, ils sont bien, les happenings, j'avoue. Moi, j'ai hâte aussi. C'est vrai, tu les trouves cool? Ouais, j'ai hâte. Bah, trop bien. Il y en a 3-4 que j'ai choisis. Parce qu'il y a des trucs que je voulais faire pendant le live. Ouais. Mais après, sinon, c'est surprise. Moi, j'ai un truc à dire. Quoi? Un message à faire passer parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un message dans le chat. Ok. C'est un coup de gueule? Non, c'est pas du tout un truc. C'est vraiment un truc de c'est prévention. C'est un message pour faire réfléchir les gens. Un truc que j'aurais aimé savoir. Non, mais c'est un truc tout con. Hein, c'est par rapport à Bou. Ok, donc c'est tous les gens qui ont des chats. Les gens qui ont des chats, faites méga attention. Alors que moi, en plus, je m'étais renseignée et j'ai zoné pendant un moment. Mais faites attention aux fleurs que vous mettez chez vous. C'est pas une blague. Parce que Bou, elle m'a fait une frayeur, les gars. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Parce qu'elle a mangé une des fleurs, mon bouquet de la Saint-Valentin qu'il m'a offert. Et j'ai pas tilté des trucs. Ah, attends, ça ah mais attends, mais on a... Hein? Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Il joue Pikachu. Vous avez gagné 10 boosters Pokémon avec Elsa. Ouais, let's go. Ouais. Mais à quoi il joue Pikachu? Mais c'est pas les boosters ça. Mais bref, voilà, faites attention aux fleurs que vous mettez chez vous et à ce que vos chats mangent. Et moi, elle m'a fait une grosse frayeur. Heureusement que ça a été pris en charge à temps. Wesh. Et elle va très bien maintenant. Elle a aucune séquelle. Tout va très bien. On a gagné v'là les boosters. Ouais. Merci. Ça régale. Merci Pikachu. Ah, c'est écarlate et violet.
Pikachu, merci. Tu régales. Attaquez Claire. T'as joué à Pokémon Violet, Miguel? Ça aurait été, tu sais ce qui aurait été incroyable, c'est que je lui dis attaquez Claire et là il pète. Oh, il y a de l'orage. Ça me dégoûte. T'as joué à Pokémon Violet ou pas? Oh, le happening de fou, Pokémon Violet, j'ai joué rapidement. Et il faut avoir quoi comme carte dans ce... Ah, c'est les boosters de Écarlate et Violet. Ouais. Ok, ok, ok. Les amis, on a 10 boosters Pokémon à ouvrir du coup. Nouvel happening, ça régale. Mais attends, parce que t'étais en train de nous parler de Boo. Non, mais j'ai fini de parler, mais en gros, ouais, voilà. Faites attention aux fleurs que vous mettez chez vous, aux plantes que vous avez chez vous si vous avez des chats. Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment ultra dangereux pour eux. Ouais. Et voilà, tout va bien. Voilà. Moi, elle a été prise en charge assez vite. J'ai voulu offrir un beau bouquet de Saint-Valentin. Je me suis dit, mais quelle fleur ressort bien. Oui, bon. Les lys, c'est magnifique et tout. C'est, voilà. Mais... J'ai reçu un appel d'Elsa. Elle m'a dit, plus jamais tu m'offres des fleurs. Plus jamais, d'accord. Tes lys de merde, tu sais où tu peux te les foutre. Elle n'a pas du tout dit ça comme ça. Bon, elle n'a pas du tout dit ça comme ça. Mais quand même, j'ai compris que... Mais ouais, on a eu hyper peur, mais tout va bien. Elle a été prise en charge assez vite. Là, il n'y a aucune séquelle. Tout va très bien. Mais, cool. Elle a encore une méga prise attention. De sang, je crois, mais... Elle a juste des trucs, des petits contrôles. Mais là, ça se voit qu'elle est en forme. Tout va hyper bien. Elle est en méga forme. En fait, t'as réagi direct. Ouais, j'ai... T'as vu qu'elle avait mangé. J'ai vu qu'elle avait mangé. Chez le véto, machin, j'ai eu le tilt dans ma tête de... Ça va pas du tout. J'ai checké et en effet, ça allait pas. Et voilà, elle a été soignée et tout va très bien. Mais regardez là... Ma petite boulette. Comme elle est belle. Attends, pas qu'on montre. Pas que je spoil les trucs. C'est bon, j'ai rien spoilé. T'as montré des photos bizarres. Non, j'ai rien spoilé. Regardez comme elle est belle, ma boulette d'amour. Elle est trop belle. C'est vraiment un petit chat d'amour. Incroyable. Voilà. Incroyable. Elsa, on a eu deux trucs là. On a eu quoi? On a eu des boosters Pokémon. Ouais. Mais surtout. C'est quoi? Ah, t'as commandé à manger? On a eu des sushis. Oh, trop bien. Mais on va se régaler. Hein. J'ai trop envie de manger des sushis en plus. Mais hey, on va se régaler. Arrête de dire que je suis enceinte, les gars. J'ai juste le ventre gonflé, peut-être, je sais pas. Non, mais ils disent que t'es enceinte parce qu'ils aiment trop dire ça. Ah. Ils veulent juste ta réponse pour savoir si t'es vraiment enceinte. Mais les gars, arrêtez de dire qu'elle est enceinte tout le temps. À quel âge t'aimerais avoir un enfant? Oh, franchement, j'ai aucune idée. Avant, je disais toujours, avant 25 ans, je veux avoir un enfant. Mais jamais là en fait. Je me sentirais tellement pas prête. Tu m'as fait peur parce que là t'as quel âge? T'as 23 ans là. J'ai 23 ans et je me vois pas du tout avoir un enfant. Oh là là, l'année prochaine, non les gars. Ouais, et en plus les gars, moi faut pas oublier que mon corps est mon outil de travail. Hein. Ouais, c'est donc vrai. Donc je peux pas trop me permettre de pas pouvoir. Après, bon, il y a plein de danseuses qui ont des enfants et qui continuent la danse. Bien hein. sûr, bien sûr. Mais là pour l'instant, moi c'est pas quelque chose que je me vois faire. Ok. Mais je... Voilà. Ouais. Ça me rassure. Que je suis pas prête. Quand t'as commencé à dire avant 25 ans, je... Non, mais parce que, pour de vrai, quand j'étais même au lycée, je me disais, à 25 ans, machin, j'aurai des enfants, je serai mariée et tout. Pas du tout. Mais ça, c'est quand on est enfant, on pense comme ça. Non, mais il y a des gens, mais y a des gens qui vont à ce rythme-là. Il y a des gens qui vont à ce rythme-là. Mais même, quand t'es enfant, tu te dis 25 j'ai ans... En fait, quand t'es enfant, tu te dis 25 ans, ça y est, je suis un adulte confirmé, faut que je commence la vie de famille. Ouais, parce que quand t'es enfant, tu connais que ça des adultes. Mmh. Mais être adulte, c'est pas forcément tout de suite fonder une famille. Et il faut avoir quoi comme carte dans cela? Attends, bah on va regarder. Okay. Je déballe tous les boosters et on va regarder. Moi, j'ai joué avec lui, j'ai joué avec ce starter-là, Pokémon Violet. C'est qui? J'ai oublié. Eh, mais Pokémon Violet, c'est pas là où il y a le canard qui danse la samba? Si! Pardon, mais oui, c'est ça, c'est lui. J'ai oublié leur nom. Mais j'aimais bien j'ai bien aimé Pokémon Violet, moi. Moi, j'ai joué un tout petit peu. Myascarade, c'est ça, c'est Myascarade. Bah oui, j'avoue, c'était un chat type plante, bien évidemment que j'ai pris. Ah ouais, mais... bah ouais. Et... C'était un chat, juste ça. C'est un chat. Juste, c'est un chat, tu l'as pris. Mm. N'empêche que le premier Pokémon chat qu'il y a eu, c'est Miaouss, et il est éclaté, hein. Ouais, il est éclaté. En vrai, Miaouss, il est un peu éteint. J'ai jamais mis dans mon équipe. Ouais, pareil. C'est vraiment le pire Pokémon. Même Persian, il est pas intéressant. Elsa, ouverture de booster Pokémon, ça régale. Oui. Attends, j'ai envie de tester ce plan-là. Oh, on a changé de plan. 5. C'est qui, c'est toi? C'est la cam, là. On est flou, non? Non, mais on... Je brille, les gars, c'est grave, là. Ouais, c'est vrai que tu brilles un peu. Mais c'est bien, c'est une qualité. Tu peux te regarder dans mon front. T'es brillante.
Tu vois ton reflet dans mon front. Oui. Mais attends, je me vois vraiment. Non, mais ta gueule. Ah oui, j'ai un mono, t'as raison. Alors, attends. Pokécardex, on va regarder. Du coup, c'est quoi la collection ? Pokécardex ? Les amis, c'est Écarlate et Violet, Évolution à Paldea. Attends, mais il y en a. Je crois que c'est la toute nouvelle. Hein. Là, c'est pas Évolution à Paldea, celui-là. Destinée de Paldea. Oh ! Il y a Destinée de Paldea qui est sorti. On l'a pas, celui-là. Non, on l'a pas. Mais par contre, toutes les collections destinées, tu sais, à l'époque... Bah, ah oui, Destinée Radieuse, tout ça et tout, là. Attends, Destinée de Paldea, il y a quoi dedans ? Parce que tu te rappelles Destinée Radieuse, bah c'est ce qu'on avait ouvert ensemble. Mmh. Oh, regarde, il y a tous les Shiny. Oh, oh, il y a Mystère, Rafflesia Shiny. Salamèche Shiny. Oh, il doit y avoir un Dracaufeu Shiny, ça veut dire. Il y en a un qui est Dracaufeu Shiny, je veux dire. Oh, ah, là, là, montre. Tu l'as vu? Non. Pikachu Shiny. Oh, les gars, je crois que ça va reprendre les ouvertures. Hein. Oh, ouais, s'il te plaît, joue avec moi. Ronflex Mew Shiny. Shiny. Mew Shiny. Mais attends, mais il a un flow Mew Shiny, par contre, s'il vous plaît. C'est qui ça? Bruit Hiverne, c'est un de la... C'est d'autres générations. Oh, c'est quoi ces cartes en bas? Wesh, Miraidon, Coraidon. Ah, mais ça c'est Miraidon, ça c'est violet. Putain, par contre, il n'y a pas... dommage, il n'y a pas Dracaufeu Shiny X. Pourquoi il n'y a pas Dracaufeu Shiny? Bah, ils l'ont pas refait. Il y a Terra Cruel, Alakazam, Mew, qui est incroyable. Gardevoir, incroyable. Après, Roucarnage, bon. Ouais. Ok. Mais c'est pas celle qu'on a là. Mais je pense que c'est celle-là là. Qu'il faut. Alors celle qu'on a, nous on a Évolution à Paldea. On a Écarlate et Violet et Évolution à Paldea. Ah, toi t'as quoi? Moi j'ai Évolution à Paldea et là j'en ai juste Écarlate et Violet. J'en ai juste. Ah, un. Ok. Bah alors attends, viens, on commence par Évolution à Paldea. Toi t'en as combien des Écarlate et Violet? T'en as 3. Alors, Évolution à Paldea, ce qu'il faut qu'on ait, Elsa. C'est... Alors, attends. Wouah! Déjà, il y a des golds. Il y a des cartes dorées. Il y a des golds qui sont magnifiques. Oh, il y a Miascarade. Oh là là, moi, je veux Miascarade doré. Ah, il y a Miascarade gold, ouais. Mais si... Non, mais tu sais que si tu l'as, c'est une masterclass. Hein. C'est... Il y a très, très peu de chances que tu l'aies. Sinon, il faut essayer d'avoir... Ah, bah, Palmaval. Ah, ouais. Et sinon, c'est eux. C'est les alternatives comme ça. C'est quoi? Ah oui, c'est les scènes. Il y a Yu-Yu, Chongyan, Mascarade... Faut qu'on essaye d'avoir un Miascarade. Ouais, un Miascarade, ce serait stylé. Il y a un Miascarade alternatif. Hein. Ok. Lui, dans... si on l'a, c'est masterclass de fou. Après, il y a des un peu moins rares. Moi, elles sont stylées, les cartes, quand même, je trouve. Est-ce qu'il y a un petit Dracaufeu à Pâques? Et c'est la même chose... Putain, elles sont belles. Oh, non, il n'y a pas de Dracaufeu dans... Il y a un Magikarp, il est magnifique. Ouais, il est magnifique. Faut avoir Magikarp, Miascarade ou une gold. Après, il y a pas le compteur. Merde, le compteur. Ah oui, le compteur, il est plus sur l'écran, du coup. Hop. C'est bon, il est de retour, les gars. N'hésitez pas, un maximum d'abos, ça régale. Et sur Écarlate et Violet? Ah bah, on regarde après. Oh. Déjà, viens, on ouvre cela. Allez, vas-y. Alors, attends, est-ce qu'on fait quoi? On fait en duel? Attends, mais c'est comment on sait qu'il est dans quel ordre? On va faire comme ça. Comment c'est dans quel ordre? C'est... Ah ouais, ça a changé. C'est 1, 2, 3, 1, 2. Ah non, il n'y a plus besoin. Non, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. C'est aléatoire? Non, il n'y a plus besoin. Ça, en fait, le tri, il se fait automatiquement maintenant, je crois. Si je dis pas de bêtises. Attends, je vais te laisser ouvrir. Attends, fais juste voir. Ouais, c'est les banqueries. Il n'y a plus besoin. La carte rare, elle est directe à la fin. D'accord. Donc ça dégage. Ça, tu peux montrer aux gens. C'est pour les gens. Si vous voulez le code, les gars... Ah oui, tu l'as perdu bien loin. C'est là. Ah mais du coup, on est repassé sur lui? Oui. Hop. Parfait. Ok. T'es prête? Vas-y. Première ouverture. Attends, le mais booster là, le d'Elsa. Il voit pas mes cartes. Elle montre comme ça. Tu fais comme ça. Ah ouais? Ouais. Ah non. Je vais pas faire. Tu vas t'en sortir. C'est-à-dire que les gens, ils vont voir avant moi, c'est pas drôle. Mais je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Regarde, je fais comme ça. Mais c'est... On voit moins... Ça vous va comme ça, les gars? Ça vous va comme ça, les gars? Ah, je crie dans mon oreille. J'ai l'impression d'entendre moi quand on danse. Je fais, c'est non, mais là, il voit rien, là. Là, il voit, non? Bon, je vais dire, de toute façon, bac à bout. Voilà. Ok, bac à bout. Ensuite. Ah, mais là, il voit rien, là. Tu fais un effort. Voilà. Ok. Tissamboule. Ensuite. Cornèbre.
Ok, bon, en vrai, là, c'est les classiques, hein. Je pense que tu peux aller un peu plus vite. Hein. Ok, je me mets les verges. On voit rien du tout. C'est la pire faux rêve. Mais vous m'emmerdez, comment je fais? Aidez-moi toi aussi. Mais moi, j'aurais fait comme ça, regarde. Comme ça? Bah oui. Ah bah voilà, bah là, c'est magnifique. Feu faux rêve. Albert, oh Albert. Oh Albert. On regarde, lui. Attends, lui, je le veux. Albert, c'est mon gars. C'est Vipère? Wesh, Albert. Attends, mais il y a vraiment un perso Albert. C'est ma ville. C'est Vipère. Némélios. Pas mal. C'est l'émotion, ouais, des lions. Okay. Vous avez le même profil. Comment ça? Et toi, de profil? Pas du... Ah, on a un peu le même nez. Ah ouais, c'est vrai. On a le même nez. Moi, je suis hyper complexée par mon nez. Non, moi, j'aime pas mon nez quand je rigole. Moi non plus, je déteste mon nez quand je rigole. Parce que je trouve qu'on dirait... Il se met vers le bas. Oui. Ouais. Mais tellement. Ah ben, on a le même complexe. J'ai le même complexe. Je déteste les photos de moi quand je rigole. De profil, je me déteste. Ouais, pareil. Bah, c'est pareil. Hideux. Donc, Némélios. Amacel. Oh, il pue la merde, ce truc. Ouais. Ouais, pour l'instant, l'ouverture est pas ouf. Hein. Non. Terre aride. Ah ok, de on est sur les rivers. Okay. Je crois que c'est la dernière, non? Ariyama. Ah non, il en reste une. Il en reste une. Attention. Et attention la rare. Non pardon, on se fout de ma gueule. C'était bien la dernière. En fait, la toute dernière, c'est une énergie. Bon, on s'en fout un peu de l'énergie. Ok. Mais presque. Ariyama qui brille un petit peu. Non les gars, là c'est bien. C'est nul, non? Hop, le code si vous voulez. Bon, pour l'instant Elsa n'a pas eu de chance. Mais vous allez voir, Elsa normalement elle a de la chance dans les ouvertures. Plus que moi. Ok, Magikarp. Oh, mais il est mignon en plus. Magikarp, je le veux en rare. Oh, mais j'ai de la première édition. Ramolos. Comment ça, de la première édition? Bah Magikarp, Ramolos. Ah oui, pardon, ok. Elionceau. Pour l'instant j'aime bien les Pokémon que j'ai eu. Je sens que ce booster il va être pas mal les gars. Scarino. Oh, il est stylé. Fulgurero. Azumarill. C'est tellement plus efficace que moi. Ok. Gribourène. Et attention les amis, la rare. C'est là déjà? Ah non, c'est derrière. Et attention les amis, la rare, on refait. Oh, c'est plus sa mère. C'est pas dingue. Trioxyde. Ok, ouais, il est stylé, mais ouais, plus sa mère. Ok, et ben. Pas une dinguerie. Et ben Elsa, pas une dinguerie. Comme à moi, dis. J'y retourne. Inox a spoil que vous partez demain pour voyager. Non, il a pas spoil, les gars, vous inquiétez pas, je l'ai dit déjà. Hop. Attends, je vais faire une bêtise là. Bah, et il est à l'envers, mon truc. Ah non, je bon, tu l'as juste ouvert à l'envers. Le code. Parfait. Hop là. Alors. Madame, c'est flou. Non, vous inquiétez pas, les gars, c'est flou. Après, ça se remet net. C'est un autofocus. Piétassé. Parfait. Ah, là, c'est flou. Il faut que tu mettes au-dessus de notre tête. Voilà. C'est lutin. Il pue la merde ce Pokémon. C'est lutin? Ouais. Rocabo est stylé. Ouais. Il est pas mal quoi. Ouais. En vrai, j'avoue. Bon, ah, il est mignon ce Pokémon. Moi, je l'aime bien. Mais il est un peu nul. Les Pokémon de Écarlate et Violet, je suis pas non plus méga méga fan. Si, il y en a des sympas. Les starters, moi, je les trouve très cool. Ah ouais? Ouais. Flamant roule. Ah, il est pas mal lui. Ouais. Bon, ça c'est vraiment juste un truc rose. Tauros. Oh! Tauros de Paldea? Mais attends, mais c'est stylé ça! Il est beau. C'est stylé Tauros de Paldea, non? Mais nous, c'est la rare qu'on veut voir, Elsa. C'est la rare, régale-nous! Floravol. Ok. Cradopo. Cradopo. C'est après, je crois, non? Non, il y en a encore une. Oh! Pikachu River, c'est stylé. Et attention, la rare. Ça pue la merde. Allez hop. Nouveau booster, les gars. C'est nul. J'ai des boosters. Frérot, je vais dire au frérot Pikachu là que ses boosters ils puent sa mère. Hein. Je vais lui dire. Je vais dire gros, stop. Tu les as achetés où tes boosters? Parce que là, tu t'es fait arnaquer, mon grand. En plus, c'est Pikachu lui-même qui nous les livre. Oh, le code. Voilà. C'est vrai mais que c'est Pikachu. Qui... Reverse, sinon, c'est pas reverse. Si, c'est reverse, mais en fait, il y a deux reverse et une rare. Mais bon, Crado pour reverse. Charmander, lui, je le trouve stylé. Oh, il est grave stylé. C'est le Pokémon. Son évolution, que je trouve elle est le incroyable. Plus stylé, ouais. Son évolution, elle est incroyable. Les boulets roux. Tétampoule. Frigodo. Crocogrill. Bakipan. Bakipan. Brésillon. Ah, il est mignon, lui. Oh, il est beau, celui-là. Feu forêt en reverse.
récupération d'énergie en reverse. Et attention, la rare, peut-être la première rare de cet opening. Mais c'est quoi ça? Paume marmotte, mais... Juste une paume, mais il est en plus... Putain. Il est un peu nul, ce Pokémon. C'est allez, dernier blague. Booster de évolution à Paldea, après on passe avec Arlette et Violet. Mais attends, tu vas me dire que les 5 boosters évolution à Paldea, on aura eu que de la merde? Ouais, je crois qu'on aura eu que de la merde. Hein. Les gars, si jamais je fais gagner les boosters dans le chat... Le code. Non, c'est pas vrai, mais je crois que vraiment, je vais vraiment les donner. Alors, Love Disc. Blizzy. Ah, en vrai, c'est trop bien les ouvertures de boosters. J'aime vraiment, trop. J'aime trop. Passe c'est, rouge. C'est trop apaisant. Voltorb. Albert. Oh, le retour d'Albert. Albert, c'est le gars c'est sûr. Non, mais attends, pardon. Non, j'ai le même booster que j'ai eu il y a pas longtemps. Hein. Nemilios, non mais c'est une blague. Oh, allez, il est stylé. Allez, les stylés, coiffeton. Oh, c'est quoi? Forgerette. Oh, il est stylé. Mais c'est pas la rare pourtant. C'est pas une rare, mais... Ça, c'est un reverse, non? Ah ouais. Il reste une rare derrière? Il reste une carte, ouais. Vas-y, montre. C'est pas une rare, mais c'est une belle rare. Spiriton. Ok, t'as eu la rare en attends, reverse. C'est trop bizarre. Non, mais si, c'est possible. Ok. Attends, c'est laquelle que t'as eu? Forgerette. Ouais, elle est pas mal. Bon, elle est pas mal. C'est pas une méga rare, mais c'est une moi, bonne. Moi, c'est pas mal. C'est une bonne carte. C'est pas mal. Et bah, ça aurait été notre seule rare de. Évolution à Paldea. Ouais, c'est pas une dinguerie, ouais. Mais elle est jolie. Moi, et après, bien. Les gars, on a 5 boosters écarlate et violet. Donc, on va les ouvrir. Je vais regarder ça tout de suite. C'est qu'on fait un gal après, s'il te plaît, on mange. Bah, juste derrière, il y a les sushis qui nous attendent. Trop fin. Écarlate et violet. Alors, attention, je te dis tout de suite ce qu'on peut avoir. Ok, il y a un petit Ramolos pas mal. Tac, tac, tac. Oh, il y a Riolu, il est stylé. Riolu. Je l'aime trop. Oh, il y a Arcanin Shiny X. Oh, t'as raconté la dinguerie que t'avais fait sur... Léviator X. Wow. Ah non, c'est pas un Shiny. Attends, mais... Ah non, mais c'est Terra Crystal. Ah. C'est la version Terra Crystal. Il y a Arcanin et Léviator Terra Crystal. Hein. Ouais, ça c'est stylé. Hein. Ouais, ils sont stylés de zinzin. Ok, après il y a des beaux dresseurs. Oh, ok. Alors Elsa, il faut qu'on ait 7 cartes. C'est-à-dire Gardevoir ex alternative. On a celle-là, on est riche. Ah ouais? Ouais. Mais riche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je pense que la carte vaut cher. Mais c'est-à-dire cher. Alors, attends. Gardevoir ex alternative prix. Elle vaut... €70. Ah ouais, putain. Ah, c'est pas une dinguerie, mais... Bah, c'est sympa, quand même. C'est bien. Je peux te dire que si on a ça, on est content. Bah ouais. Donc, il y a celle-là à voir. Mmh. Et sinon, après, il y a des gold aussi. Ok. Donc, commence. Gardevoir X ou alors Arcanin ou Léviator Terra Crystal, c'est magnifique. Si on Terra Crystal, c'est stylé. Si on a ça, c'est magnifique. Vas-y, commence. Ouais. Allez, c'est parti. Attends, j'ai déjà commencé. Le chat, un maximum de flammes dans le chat. On essaye de provoquer la chance. Ok. Ça, c'est pour vous. Oh, le focus. Wow. Mm-hmm. Je crois que la cam est amoureuse de toi, elle veut pas c'est faire le focus sur autre chose. Ah, voilà. Je pense, ouais. Je pense que la cam, elle veut pas... Ah ouais, c'est bien flou, là. Ok. Oh, ça commence avec un petit Caninos. Putain, il est beau. Hein. Il est trop beau. Polichombre. Compagnol. Il est trop mignon. Il est trop mignon, ce Pokémon. Riolu. Oh, Riolu, il est incroyable. Gamin. Bon, j'ai eu un petit gamin. L'énergie. J'ai eu un flashback. Oh, l'euphorie. T'as eu un flashback de... Quand j'étais gamine, j'avais que des l'énergie dans les boosters Pokémon. Ah ouais? Ouais. Vrombi, je déteste ce Pokémon. Vrombi. J'avoue, il pue sa mère. Pue sa mère. Vrombi et... Flagados. Oh, elle est mignonne, la carte. J'ai eu aucune rare pour l'instant. Mais c'est stylé, non? La carte est pas mal, ouais, mais... J'ai eu aucune rare pour l'instant. Bon. Ouais. Les gars, j'espère qu'Elsa va remonter de niveau parce que là... Bah, j'ai eu une rare, moi, déjà. C'est pas ouf. C'est pas ouf. J'ai eu une rare, moi. Ouais, t'as eu une rare pas mal. Hop, Charbambin. Ensuite.
Gourmelé. Gourmelé. Ce Pokémon, c'est pareil, hein. Moi, je kiffe pas. Oh, je l'aime bien, moi. Et Tourmi, on en peut plus. Elle est stylée, on dirait une photo. Oui, c'est vrai. Tissamboule, je déteste ce Pokémon. Horrible. Aussi. Dégueulasse. Cacturne. Cacturne, putain, lui, je l'avais tout le temps. Pour le coup, moi, je l'avais tout le temps en carte Pokémon quand j'étais petit. Ah ouais, ça me. Je vois. Mais ça, les dos. Ah, ça, c'est les, l'académie, là, je sais pas quoi. Grodrive. Je déteste. Il a une attaque, lui. Boum, je sais pas quoi, là. Il meurt et il explose et il défonce tout le monde. Ok. Il t'a rendu ouf, ouais. Gars. Qu'est-ce qui ça? Gamblast. C'est une Gambas. C'est un Pokémon Gambas. C'est là, la prochaine? Ouais. Ok. Et attention, la rare. Super bonbon. Super bonbon, putain, comment on kiffait tous en avoir. Oh, les recherches professorales, ça pue. C'est nul, non? C'est la pire rare qui existe. C'est nul. C'est rare, cette rare, on n'en peut plus. Ah ouais, c'est vraiment ce qu'on a? Non, mais recherche professorale, je t'explique, c'est une rare qui est là dans tous les boosters de toutes les éditions. Ah. Elle veut pas nous lâcher. On n'en peut plus. Et du coup, c'est pas une rare? Bah, elle est répertoriée comme une rare, quoi. Ouais. Ok, Dunaja. Scalproi. Riolu encore. Attends, encore Riolu. J'espère que je vais l'avoir en rare. Chevroom. Bandeau Vitalité. Salarsène. Crocogrille. Ah. Encore recherche professorale. Mangriff Rivers. Et attention derrière la rare. Oh, oh, pas mal. Quatox X. Quatox X. C'est ma première rare, les frères. Ah, ça régale. Putain, elle est jolie. Elle est belle, la carte. Hein. Elle est belle, ouais. Quatox X. C'est pas une carte de fou, je pense. Mais elle est pas mal. Mais ça reste une rare. J'aime bien, t'as eu des vraies émotions. Quand t'as vu la carte, t'as. Waouh! Tu sais qu'il y a une. Et ça veut dire quoi? Moi, j'ai une petite étoile jaune sur celle-là et toi, t'as deux étoiles noires. Ça veut dire quoi? Étoile jaune, ça veut dire secrète. C'est-à-dire genre, c'est une ultra rare. Ah, et moi, c'est une rare classique. Putain, mais attends, mais du coup, ça, c'est une super carte. Moi, c'est une rare très rare mais classique. Toi, c'est une secrète. C'est vraiment une ultra rare. Non, la carte que t'as vue, elle est vraiment cool. Hein. Moi, elle est pas mal. Stylé. Bonjour du Québec, je te suis depuis Clash Royale avec Bobby. Merci beaucoup mon frérot. N'hésitez pas les gars, de ceux qui s'abonnent, bienvenue les frérots. On n'oublie pas tous les 1000 abonnés. Petit happening, petite chose un peu imprévue qui se passe dans le studio. Ça régale. Alors, c'est le dernier booster? Non, t'en as encore un. Il m'en reste un. Moi c'est mon dernier. Tapatoès, je sais pas qui t'es toi. Je sais pas qui. Pimito, j'aime pas trop ce Pokémon je crois. C'est un peu rien. Vas-y, un petit voyou. Mamambo, je détestais ce Pokémon. Bah, t'aimes aucun en fait. Pomotte. Elle aime aucun. C'est Pikachu de Wish. Elle aime aucun Pokémon. Famignol. Famignol, il est un peu mignon, mais on comprend pas trop. Bandeau Vitalité comme toi. Ok. Elle est en train de terminer la licence Pokémon. Il est stylé sur le papier, mais en vrai, il est pas si dingue que ça. J'aime trop. Tu sais que je pourrais devoir clasher Fortress. Des Pokémon toute ma vie. Fortress, on comprend pas le design, mon gars. Et Tourmi, on n'en peut plus, encore une fois. Hein. Et attention, la rare. Ça pue sa mère. Et puis, excusez-moi, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait, les gars? C'est quoi? On m'explique? Là, je comprends pas. Je comprends pas la créature que c'est censé être. Oui, mais sire, ok, super. Bon, c'est un majordome, super. Mais vraiment, les attaques, on en parle de l'attaque nourricier expert? Plus sa mère. Eh les gars, je pourrais voir Elsa clasher les cartes Pokémon. C'est le pire booster que j'ai jamais vu de toute ma vie. Le pire booster. Je trouve ça incroyable. Ok Elsa, le Vénard, t'en penses quoi? Ah, j'aime bien le Vénard, moi je le trouve réconfortant comme Pokémon. Ah ok. Mais juste on n'en peut plus quand on chasse les shiny et qu'il y a que lui qui arrive. Ok. Patachio. Oh, je suis un peu mignon mais ouais. Deden. Pikachu Wish, non? Un peu. Ça se comprend que ouais. Balbalaise. Putain, wesh, il attaque fort, hein! Je comprends pas, mais c'est plutôt stylé, ça va! Scalpereur! Puis sa mère! Ok! Oh! Mascarade! Oh, oh, tu. Ça, j'aime! Là, t'as cassé les oreilles aux gens, vraiment! Pardon, ça, j'aime! Mascarade! Tu peux l'avoir? Oui, tiens, je te la donne! Oh, Miraidon! Ouais, j'ai des bonnes là. Bonne carte, là! Et attention, la dernière rare, les amis! C'est la dernière rare que vous verrez sur ce live! Hein? Non! C'était la rare? Ah, c'était Miraidon, la rare!
Ah bon bah... Bah nul. Oh la déception. Oh la déception. Oh la déception, c'est... Ouais. Bah désolé les gars. Bon bah voilà, on retiendra... Le sem flop. On retiendra celle-là. Hein. Moi je l'aime bien celle-là. Sur 10 boosters, on a eu deux. Mais c'est la pire ouverture de booster que j'ai fait de ma vie. Ah, c'est pas une dinguerie. Hein. Non mais vraiment, en termes de... Mais j'ai encore une carte plus rare que la tienne. Cas où je te l'ai pas assez dit encore. Ouais, bien joué. C'est bien. Bah t'as plus de chance que moi. Je rigole. Voilà. Alors que moi, tu vois, j'ai pas forcément de chance, mais... Mais regarde où j'en suis. Voilà. Bon, on mange ? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Alors, je t'ai pris un chirashi. Ouais. Voilà, au moins valeur sûre. Je savais que tu pouvais pas être déçu. Moi, je me suis régalé, j'ai pris un maximum de saumon. Je t'ai piqué des saumons cheese. Tiens. Ouais. Et t'as une soupe miso. Ok. Ça veut dire quoi, soupe miso ? Bon app, merci les gars de ceux qui disent bon app dans le chat. Le miso c'est une pâte sucrée ou salée. Et ben on va savoir tout de suite. Sucré évidemment. Le miso c'est une pâte fermentée de soja. Aussi, mais salée ne dérange pas. Mais ça veut dire quoi soupe miso? C'est soupe ni quoi? Soupe à... C'est une soupe à base de miso. Le miso c'est un mot miso? Oui c'est un mot. On dirait un mot pas fini. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai. Fou quoi. Frère, soupe miso, on dirait une expression genre. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu racontes? Des fois, tu parles pas dans la même langue que moi, j'ai l'impression. Mais le chat, vous êtes pas d'accord avec moi? Genre, on dirait le mot, il est pas fini. Tiens, une abréviation, tu veux dire? Ouais. Bah, comme je dis, comme si je dis, vas-y, je prends un pain au choc. Oui, bah, une abréviation, c'est ça. Il a raison, le mot est timide. Voilà, c'est exactement ça, le mot est timide. Mmh. Misogyne. Ah, mais c'est peut-être à cause de ce mot. Mmh. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je t'avoue que je m'en fous. Ok. Bonne app. Bon appétit. Je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent en mangeant, les gars. Si vous nous regardez en mangeant, bonne app. Bon, peut-être, hein. Vous mangez à quelle heure en général dans le chat? Ah, ouais, c'est une vraie question ça. Ça m'intéresse. Parce que moi j'ai l'impression que les gens normaux soupent à 19h. Soupe déjà, tu dis souper. Prennent le souper. Oui, bon, ouais, mon cul, ouais. Toi, tu dis souper. Bah, je viens de le dire. Ouais, tu fais genre, tu fais le mec cultivé. Là. 20h30. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus devenu 20h30 maintenant. Ouais, moi c'est 20h30. Mais à l'époque, j'avais l'impression que la vraie horaire pour souper, c'était 19h30. Moi, je me suis toujours dit, c'est midi et 19h30. Ah ouais? C'est ça les heures que j'avais dans ma tête. Toi, c'était quoi? Bah, moi, c'était midi. Et après, on mangeait devant le journal, donc 20h, ouais. Okay. Le journal de 20h. Eh, les gens mangent tôt, hein. 18h! Non, mais c'est une blague, 18h, là. 18h, c'est un peu abusé, les gars. Mais 18h, c'est le goûter, mon ref. Après, il y a des gens qui travaillent de nuit et du coup, qui mangent plus tôt. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Perso, 21h, 22h, ouais, moi en général c'est ça. Hein. Mouena qui troll. Hein. 16h. L'abus. 18h, c'est l'apéro. Ça, je suis d'accord. On voit les vrais darons là. J'aimerais bien avoir une moyenne d'âge du chat. Eh ben, allez-y. Dans le chat, dites-nous, vous avez mais quel âge. Mais vont mentir les gens, c'est pas drôle. Bah, non, pourquoi ils mentiraient? Parce qu'ils vont vouloir troll. Bah là, tu leur as donné l'idée, mais... Il y a beaucoup de 18. Ouais. 18, 29... Il y a beaucoup de 19 et 15, toi aussi, hein. 19, 11... Après, attention. Moi, je me dis toujours, ce que le chat nous dit, c'est une moyenne plus basse que réellement. Parce que je pense que... Parler dans le chat, les jeunes vont plus le faire que... Enfin, que les vieux. Non, pas les vieux, mais... Genre, quand t'as 12 piges, tu vas plus facilement parler dans le chat que quand t'as 25 piges, tu vois. Ouais, peut-être, je sais pas. Je pense. Oui, c'est vrai. Moi, les lives, je les mets toujours en fond, je parle jamais dans le chat.
Après, ça veut rien dire, mais... J'ai les révisions du brevet blanc, petite dédicace, please. Bah frérot, qu'est-ce que tu fais sur mon live? Force, il y a un problème. Bah oui, tu fais quoi sur mon live, mon ref? Barre-toi, dis-y, gros. Non, bah vrai, force. Force pour le brevet blanc. C'est jamais facile. Après, t'inquiète pas, logiquement, ça devrait bien se passer. Si tout le reste de l'année, tu suis, etc. Si t'as bien bossé, ça devrait le faire, frérot. Ça devrait le faire. En plus, ça va, c'est le brevet blanc, c'est là pour t'aider. Ouais. Est-ce que Elsa va être là pour les vacances? Non, les frérots, Elsa ne sera pas là pour les vacances, malheureusement. Mm-hmm. Dans 200 abonnés, il y a un petit happening, là, Elsa, j'ai hâte. Tu sais que j'aime trop. On est là, on est en live et on sait que tous les 1000 abonnés, il se passe un petit truc. Ouais, et je suis en vrai. Mode, oh, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai. Je sais pas, je trouve ça trop agréable. Mm. Je suis d'accord. Ah, t'as vu, j'ai réussi à l'ouvrir toute seule cette fois. Pourquoi c'est plus en direct, Dals? Non, ça va revenir en direct, les gars, c'est juste non, là c'est au que début. Les premiers primes. Bah, je crois que c'est parce que c'est dans un nouveau studio. Oui, c'est aussi parce qu'on a changé de studio. Et c'est aussi parce que je crois qu'ils voulaient monter un peu plus les premiers primes, rajouter un peu plus de montage. Mais voilà, quoi. Moi, non, c'est dans des nouveaux studios et c'est très stylé. Donc, non, c'est cool. Et en vrai, vous n'allez pas trop le ressentir, le fait de... De pas forcément être en direct. Nous, on tourne dans les conditions du direct, en tout cas. Le problème ne dure pas plus longtemps, c'est vraiment... on enchaîne la danse, les commentaires, les magnétos, tout ça, ça va aussi vite qu'en direct, quoi. Tu galères, là, non? Mais wesh, c'est une blague, t'arrives, toi? Mais limite, même, je crois que quand c'est enregistré, ça va des fois plus vite que le direct, hein. Parce que... Est-ce que vous faites les pauses pubs? Non? Ah non, on fait pas. Enfin, si, on les fait quand même, on les marque quand même un peu. Ah, ok. Parce que souvent, les pauses pubs, elles sont faites pour installer de la déco. Oui, des scénographies, c'est vrai. Tiens. T'as réussi? Ouais. Wesh, mais t'es trop fort. Des scénographies, des trucs comme ça et tout, donc c'est pour ça que c'est fait exprès. De caler les grosses scénographies avec beaucoup de décors après les pauses pubs. Tu sais que ça me fait rire parce que, tu vois, pendant ma saison d'Als, bah, c'était la première fois que je faisais un truc comme ça télé. Mmh. Et tu sais, du coup, je voyais les retours des gens sur Insta et Twitter et tout. C'était en mode, non, mais il y a trop de pubs, ça casse la tête. Et moi, j'étais tellement content quand il y avait des pubs parce que ça me permettait de respirer. Mmh. Tu vois, quand il y avait une pub, j'étais en mode, oh, c'est bon, c'est la pause. Là, pendant 5 minutes, j'ai plus besoin de stresser. Parce que t'es en mode, en fait, c'est stressant. Mmh. C'est stressant. Tu sais, quand tu sais que tu vas bientôt danser et tout, hein, je m'en rappelle. Après, quoique, des fois, c'était un peu horrible quand il y avait par exemple. On allait danser, ouais. Pub. Et là, on était en mode... Notre première danse, c'était ça. C'est dans 5 minutes. Notre première danse, c'était première ça. Première danse, oui. Après, c'était pas mal non plus dans le sens où, du coup, je stressais pas du tout le début du prime en me disant, bah, de toute façon... On danse en dernier, en plus. On danse après la pub. Donc, en vrai, je peux faire toute la première partie en étant chill. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai plus faim. Comment se passent tes cours de dals, Elsa? Les cours de dals. Bon, les entraînements, quoi. Vous avez blacké, moi, les entraînements. Oh, ça se passe bien, écoutez, hein, franchement. Les cours de dals. Ça se passe bien. Non, on bosse bien, on avance bien. Et voilà, quoi, on essaie de faire des belles prestas. Et déjà, on est content. Mm. Tu manges quoi, Elsa? Mais on est deux à manger! Un shirashi. C'est une blague. Du saumon et du riz. Moi, je vous dis pas parce qu'on me demande pas. C'est dit pour les 20 euros. Dans quelques jours, les 9 ans de ta chaîne. Putain, c'est vrai. Non, c'est vrai. 9 ans. C'est quand les 9 ans de ta chaîne? C'est énorme, 9 ans, mais c'est un petit garçon. Mais 9 ans, mais attends, mais là, ma chaîne, va falloir prendre des responsabilités, là. C'est ton bébé, là. Wesh, 9 piges. Mais j'ai quel âge, moi? Je suis vieux, là. Putain, c'est vrai, Parentin. Le 8 mars, je crois. Le 8 mars? Ouais. C'est bien chaud. Mmh. 9 ans, 9 millions. C'est beau, hein? Ah, oh, c'est beau. C'est vrai. C'est trop mignon. Mais en plus, je crois que depuis mes, genre, mes 3 millions d'abonnés... Je peux te piquer un sushi. Non, plus en vrai. Depuis mes genre 5 millions d'abonnés, c'est un peu comme ça. 5 ans, 5 millions. Ah, 6 ouais ans, 6 millions. Ah, oh, c'est trop mignon. Ouais. Je t'ai volé un sushi. Michou, tu grailles au calme à 23h. Bah ouais, c'est vrai.
Mais en vrai, moi, j'aime bien manger tard, mais c'est moins bien. Faut pas conseiller aux gens parce que du coup, tu fais ta digestion pendant la nuit, pendant que tu dors et tout, et c'est moins bien. Par contre, moi, je préfère trop. Parce que tu sais, t'es en mode, ah, j'ai terminé ma journée. Tu t'installes, tu fonds dans le canapé et là, tu dis, allez, maintenant, on va se régaler. En fait, moi, manger, c'est vraiment ma récompense de la fin de journée. Je vis pour manger. Hein. Oui. Genre, je passe toute ma journée, je termine. Parce qu'en vrai, mes journées, c'est vraiment... je me réveille, je suis déjà dans le travail, en vrai. Ouh. Et je termine à 23h ma journée après un stream. Je rentre, je fonds dans le canapé et je suis en mode... Maintenant, je graille et demain, rebolote. C'est vrai. C'est vraiment ça, ma vie. Donc, toi, ta vie... c'est trop ta vie. T'as l'air déprimé. Mais ta vie, elle me... je pourrais pas... Moi, franchement, je te le dis, je pourrais pas avoir ta vie. Ah ouais? Tu fais trop de trucs tout le temps. T'as trop la tête dans 1000 projets à la fois. C'est abusé. Ouais, mais après, moi, j'aime bien. Je sais que t'aimes bien. En fait, quand je fais rien, ça me saoule. Oui, mais il y a rien faire et il y a faire 15 000 trucs à la fois. Mais le problème, c'est que je me suis un peu habituée à ça et je me suis enfermée dans ça. Oui. Parce que du coup, quand j'ai genre un ou deux projets, ce qui est... Normal. Déjà normal et cool, bah j'ai l'impression que je suis en retard. Tu sais, je suis en mode, ah, c'est pas normal là, j'ai trop de temps libre. En fait, quand j'ai du temps pour moi, j'arrive pas à en profiter parce que je me dis, mais pourquoi je profite alors que je pourrais être en train de travailler un truc là? Ouais, tu travailles trop. Ouais, je suis un peu addict au travail, je crois. Bah, ouais, c'est bien parce que aussi, t'as ce truc de je veux faire kiffer les gens, tu vois. Une fois, t'oublies toi-même. Et ça, c'est pas bien. C'est vrai. Ouais, mais le chat, ça va trop vite, là. Des fois, j'arrive pas à lire. Ils ont trop de questions. Elsa est trop cute. Bon, vous allez arrêter de dire ce genre de choses. Bah, ils ont le droit de dire que je suis mimi. Même si c'est évidemment vrai, il y a que moi qui a le droit de dire ça. Comme ça, quand elle reçoit des compliments, ça vient que de moi et elle est quand même heureuse de moi. Voilà. Red flag, ça, un peu. Hein. Ah bon? Ouais, un peu de red flag. On n'est pas fan. On n'est pas fan. 22 février. Les gens, ils disent 22 février ton... Ah, ma chaîne YouTube. Ta chaîne. Ouais. Ah, mais c'est là, c'est dans 4 jours. Putain, les gars, vous connaissez mieux que moi la date de ma chaîne YouTube. Dans 8 abonnés, les frères. Dans 8 abonnés, nouveau happening. J'espère juste que c'est pas un truc de confetti, parce que les confettis dans les sushis, j'ai la flemme. 3, 2, 1, let's go! 9 385 000 abos! Merci beaucoup, les frères! Mais hey, il a vraiment une dégaine de skin Fortnite. Hein. De ouf! C'est vrai. On est d'accord! C'est vrai! Michel, tu vas partir! Tu joues à quoi le skin Fortnite à 800 V-Bucks là? Avec les Crocs quand même, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, il a respecté les Crocs. Merci, chef. Il Merci. A l'air trop heureux de me. En fait, on dirait un skin Fortnite avec la tête à Mario. J'en peux plus de ce mec. Ah oui, il a la tête à Mario. Mais arrête, laisse-le, Bichette. Il l'a bien imité. Il l'a hyper bien fait. Il l'a bien imité. Il l'a hyper bien fait. Ok, happening, Elsa. Michou. Bon, on est d'accord, il sait pas écrire. En fait, on dirait qu'il a 4 ans, c'est trop bien. Michou, des proches à toi t'ont envoyé des vidéos rien que pour toi. Ouvre tes messages privés. Ah, oh, j'ai reçu des vidéos de mes proches. J'ai l'impression qu'on est dans un magnéto de Dals, là. Mais attends, mais c'est trop mignon. Viens, on regarde. Bah, bien sûr qu'on regarde. Mais attends, mais c'est... Ils ont envoyé des trucs et on va pas ne pas regarder. T'es mais le chat, c'est trop mignon. C'est grave mignon. Sur Discord, j'ai reçu. J'ai reçu des vidéos de mes proches. C'est trop mimi. Hop. Wesh, mais il y en a plein. C'est trop mignon. Wesh. La dinguerie. Mais attendez, mais il y en a plein. Mais attends, mais c'est quoi là? Mais c'est mon anniversaire. Je suis vraiment choqué. Hop. C'est la séquence émotion. Ah merde. Ou alors ils vont tous te tailler peut-être. Là, il y a un problème là. Attendez. Je fais un truc, les gars. Merde.
Attendez le chat, ne vous inquiétez pas. Au moins vous vous voyez là, c'est le moment de vous auto-dédicacer dans le live. Tac, 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 c'est ça je crois. Mais attends, c'est une blague. En fait, on voit le bon écran, mais on voit pas Discord. C'est pas ça? Non. Capture de fenêtre. Tac. Bah, c'est où? Bah, là, y est. C'est pas ça. Mais c'est une blague! Mais les gars, je vous jure, je comprends pas là. Pourquoi on voit pas Discord? Oh! Ajouter. Capture de jeu. C'est pas un jeu aussi, Discord. Mais attends, c'est trop bizarre. Les gars, vous inquiétez pas. Si, apparemment, c'est le mode streamer. Non, mais attends, mais il faut pas... Non, c'est pas le mode streamer. Mode streamer, peut-être. Vous croyez vraiment que c'est le mode streamer? Non, je pense pas. Ajouter capture de fenêtre. Ok. Et si je mets... Discord.exe. Eh mec, pourquoi on voit pas? Putain, mais j'avoue que c'est bizarre. Mais c'est trop drôle. Les gars, vous voyez pas mon Discord? Ça me rend fou. Mais non, vous voyez pas les vidéos. Si tu fermes et que tu rouvres Discord. Je vais faire hein. Ah, je fais sur mon tel. Au pire je fais sur mon tel, c'est pas mal. Attends, j'essaye chef. Il est venu m'aider. Mario technicien maintenant. Mario technicien. Son regard il me perturbe. Il a un regard persistant sur moi. Alors attends. Propriété Discord. Mais et si je fais désactiver? Ah mais c'est bon. C'est vraiment le mode streamer. Bon bah c'est bon. Ok c'est bon. C'est pas grave. Je pense que tu peux lui rendre son tel du coup. Tiens. C'est pas grave si tu... Non c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Ok. Le chat, vous êtes prêts? J'ai reçu... Elsa, j'ai reçu des vidéos de mes proches. C'est mon anniversaire les frérots. C'est mon anniversaire. J'ai reçu deux vidéos de Piway. Attends mais c'est deux vidéos différentes en plus. J'ai reçu deux vidéos de Piware, deux vidéos de mon frère Billy, une vidéo de mon frère Anthony et une vidéo de ma sœur Angélique. Bah attends, mais c'est incroyable. Par contre, la surprise est incroyable en vrai. Ça fait vraiment trop plaisir. C'est trop bien. En vrai, il y a autre chose. Est-ce que les gars, vous entendez bien? Là, vous entendez le chat? Attends, faut juste que je remette le chat. Ah oui, sinon tu peux pas... Oui, 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 ok, parfait. Oui, 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 oui. Nickel, et bah ok, et bah c'est parti les gars. Moi, let's go. Pas. Moi je te regarde, j'entends pas. Ouais, Mick, j'en profite. Ah, t'entends pas? Non, mais c'est pas grave. Attends, écoute avec moi. Je vais me coller au casque. Ouais, Mick, j'en profite de pouvoir t'envoyer une petite vidéo pour te dire que. Bah en vrai, j'ai été déçu quand t'as eu ton local, que tu m'aies pas proposé de le rejoindre. Voilà, Mais... Peut-être bien que j'aurais voulu. Et t'as pas proposé, du coup, voilà. Ah. Ouille. Mais attends, mais c'est... Attends, mais c'est horrible, du coup. Merde. Mais Piware. Attends, je regarde sa deuxième vidéo. Non, mais il troll. En vrai, il y a autre chose aussi qui m'énerve un peu. C'est que à chaque fois que tu m'invites dans une vidéo, j'ai l'impression que c'est juste pour te foutre de ma gueule. Et du coup, c'est relou. Voilà. Exemple, la vidéo de la rentrée. Oh non, petit cœur. Oh non, il me fait trop de la peine. Mais c'est horrible. Oh non, petit cœur, ça me fait trop de la peine. Mais attends, mais à quoi elle sert? Mais à quoi elle sert la vidéo? Ça tire à balles réelles, rip. Il a raison. Oh. Non, mais arrêtez le chat. Oh non. Tu vas juste te faire terminer en fait. Le chat, attends mais c'est horrible. Piware, sache que si tu es sur le live, je tiens à te dire que non, je t'invite pas
que pour me moquer de toi, même si c'est vrai que je me moque pas mal de toi. Genre, en fait, le fait que tu sois mon frère et que ça, c'est un problème que j'ai, c'est que je me dis trop, comme t'es mon frère et que tu sais que je t'aime, je me permets de me foutre de ta gueule. Alors que c'est pas vrai et que c'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. Donc Pierre, t'as raison de me remettre à ma place, je suis désolé. C'est l'amour vache. C'est l'amour vache, exactement. Et pour le local, bah en fait malheureusement j'ai pas plus de place pour un autre studio et tout. Timoud, ça me paraissait logique de le faire venir sur Paris parce que je sais qu'il veut se développer, il veut avoir son appart, etc. Et même si j'ai quand même pensé à toi, toi t'as ton appart, t'as ton studio chez toi et tout, donc j'avais du mal même à te demander parce que je me suis dit ça veut dire qu'il faut que tu t'installes à Paris, que tu déménages, etc. C'est dur. Ouais, je comprends. Donc voilà. Je comprends. C'est horrible. Je croyais que ça allait être mon anniversaire, que j'allais avoir plein de vidéos, que ça allait être trop cool. Ok. Ils ont pas l'air d'être hyper souriants. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas l'air souriants. Ils ont la gueule. C'est que j'ai peur. Non. Elsa, prochaine vidéo, je crois qu'on va s'arrêter là. Ok. Mais sinon, moi, j'ai pas... Non. Ok, c'est elle. Salut mec. Bon, bah apparemment, il y a Pierre qui veut qu'on te défonce en vidéo. Je sais pas pourquoi il t'en veut. J'ai l'impression qu'il t'en veut pour quelque chose. Peut-être le fait que t'aies plus invité tes potes à te rejoindre à ton local plutôt que lui. Je crois qu'il a la haine contre ça. Du coup, nous, on lui avait proposé de venir chez nous chez GameStud, mais j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre. Du coup, t'en as pas marre au fait de faire passer tes potes avant la famille là? Mais c'est horrible, c'est même pas vrai. Mais c'est pas vrai, ils sont méchants. Mais Elsa, rassure-moi, c'est pas vrai. Moi, je trouve pas ça vrai du tout. Règlement de compte, Michou égoïste. C'est les dramas là. C'est vraiment un mot qui ne le définit pas. Mais sinon, moi, j'ai pas, personnellement, j'ai rien à te reprocher. Bon, peut-être à part le fait que tu sois arrivé en retard à mon mariage, mais ça va, t'es arrivé à l'église, donc bon, ça va. Ouais, non, j'ai rien à te reprocher. Peut-être aussi à part le fait que tu t'organises comme une merde. Faire une vidéo un dimanche soir pour un dimanche soir, c'est pas ouf en vrai. Et puis, non, après c'est tout. Non, peut-être aussi à part le fait que, mec, quand t'enlèves tes godasses, ça pue dans toute la baraque. Et ça, c'est pas ouf parce que quand tu veux commencer à manger et que tout le monde a des nausées, c'est pas génial. Mais non, sinon, j'ai rien à te reprocher, gars. Tout va bien. Oh, c'est dur. Tu sais que c'est dur parce que, en fait, ils me disent des trucs vrais. Genre, je le vois qu'au fond, bon, je suis arrivé en retard à son mariage, il va pas me le dire, c'est pas grave, mais là, il s'est dit, quand même, je l'ai gardé dans un coin de ma tête, tu vois. Et ça me fait mal, parce que je me dis, putain, en fait, je me rends pas compte, mais c'est un petit truc tout con où il a été peut-être un peu déçu de moi. C'est dur. Mets du déo dans tes chaussures. Par contre, les frères, ça, c'est pas vrai. Je fais pas passer mes potes avant la famille. Déjà, je pense qu'il faut pas comparer. C'est différent. Et je fais pas passer mes potes avant la famille. Dès que je peux et que j'ai du temps ou quoi, j'essaye de venir voir la famille et tout. Bon, je dis ça, vas-y, la semaine pro, je pars en vacances des croutons avec tout le monde, alors que ça fait 2 semaines que je suis pas allé à Albert, mais... Non, t'essayes quand même. Mais j'essaye, non, mais ouais. j'essaye. C'est dur, là. Attends, mais je sais pas si je veux voir toutes les autres vidéos. Hein. Le pire, c'est Angèle, parce qu'Angèle, Angèle, ma sœur... Les gars, je peux vous dire que si elle veut être poignante, elle est poignante. Anthony, normalement, il est... Anthony, il est chill. Il est chill. Mais attends, mais peut-être que aussi bien... Là, oh putain, peut-être que là... Ouais, salut frérot, tu passes une bonne soirée. Oh là. Dis-moi, j'avais une petite question. Tu sais à quel point je kiffe l'aventure, je kiffe Koh-Lanta. Alors pourquoi j'ai pas été invité sur ta vidéo Tahiti? T'as honte de moi? Oh non! Ça va, il a fini la vidéo avec un petit sourire. Ouais, quand même. Putain! Putain, il y a des rancœurs. Ah, c'est dur. J'aurais kiffé faire la vidéo Tahiti avec tous mes frères et tout, mais. Malheureusement, on peut pas faire une cabane à 12, sinon ça a moins d'intérêt, mais. Mais c'est vrai. C'est dur, je sais pas quoi dire.
MDR, j'en reviens plus de cette vidéo. T'es horrible, Michou. Oh non. Mais le chat, croyez pas que je suis comme ça. C'est ton tribunal. Tribunal. Putain. Angélique, je sens qu'elle va me fracasser. Ouais, salut Miguel. Bah, tu me connais, moi? Moi aussi, j'ai un truc à te dire. dis-moi, tu sais que je suis ta sœur ou pas? Non, parce que tu parles toujours de tes frères. Hein, de tes frères par-ci, de tes frères par-là. Mais ta sœur, on la connaît pas, hein. Tu sais que même quand on demande pourquoi Miguel il est pas abonné à ton compte alors que tu dis soi-disant à tout le monde que c'est ton frère, hein? T'imagines pas la honte, moi, que je me tape, d'accord? Bon, allez, je t'aime quand même. Bisous, bisous. Attends, tu la suis même pas sur les réseaux, sur Insta, genre? Ça va, elle a fini par un je t'aime quand même et un sourire. Tu la suis pas sur Insta? Mais non, alors, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Je ne suis pas tous mes frères et toutes mes sœurs sur Instagram parce que, en fait, mais tu vois, en fait, il fallait juste que j'en parle avec eux, je crois. Parce que, de base, je les suis pas parce que j'ai pas trop envie de les exposer non plus. Ok. Et du coup, je suis en mode, je sais que si je suis, par exemple, Anthony sur Instagram, bah, le moindre truc qu'il va mettre, les abonnés, ils peuvent potentiellement tomber dessus et dire, oh, regarde le frère de Michou, machin, machin. Ouais. Et du coup, ça, limite, c'est un peu pour les protéger. Donc, Pierre, je m'en fous, tout le monde, c'est bon, les gens le connaissent, etc. Il sait très bien que, voilà. Gros Pixel, pareil. Matkev, pareil. Mais du coup, tu vois, mes frères et, bah, du coup, Angélique, j'ose moins. Ouais, ok, je peux comprendre. Mais j'avoue... Mais je la comprends aussi sur le côté, bah pourquoi il suit ce frère-là, les autres et pas, suit les autres et pas moi. Ah, c'est horrible. Non, c'est vrai que c'est horrible. Bah, c'était le règlement de compte. Eh, il n'y a plus compteur, Miguel. Tu sais que c'était un vrai règlement de compte, là. C'est un vrai règlement de compte. En fait, je suis un peu mal à l'aise. Non. Mais ils le font. Ils le font en mode pour rigoler. Mais oui, ils l'ont fait pour rigoler, c'est sûr. Ben, des petits trucs. Mais surtout, ils auraient jamais fait ça publiquement sinon. Tu oui, vois. Voilà, c'est mais en ça. Fait, c'est des petites piques qu'ils ont un petit peu exagérées. Oui. Mais qui sont vraies et qui font mal. Où je me dis, ah, je suis un bâtard. En fait, c'est ça. C'est des petits trucs. Merde. Attendez, les gars, le compteur a bug. Je crois que c'est bon. Magnifique. C'est des petits trucs qui sont vrais que tu sens qu'au fond. Ça leur a déjà traversé l'esprit et moi je fais pas forcément exprès mais en fait je les blesse un petit peu et là ils se sont dit ok c'est le moment, on va bien exagérer, ouais. On va bien dire ah ouais Mich t'es sûr de toi et ce petit truc là, bon bah c'était le petit règlement de compte, j'espère que ça vous a fait plaisir les gars. Dis-le si tu ne l'assumes pas. Non, alors là Yann, arrêtez les gars, commencez pas à essayer d'empirer les choses, à créer des problèmes. Y'a pas de ça. Y'a pas de ça ici les frères. Y'a pas de ça. Non, en vrai, jamais de la vie. Les gars, en vrai, c'est juste que... C'est vrai que des fois, je suis un petit peu... Je suis mal à l'aise dans le côté... j'ai pas... Parce que je fais beaucoup de choses sur internet et tout. Et des fois, je suis un peu mal à l'aise dans le côté... J'ose pas demander et je sens... Enfin, j'ai l'impression que je vais déranger et tout... Mais tu vois, même par exemple, quand je suis parti en Laponie avec Matkev. Bon, bah Matkev, maintenant, j'ai déjà fait pas mal de trucs avec lui sur Internet. Mais tu sais, des fois, je lui demande et je suis en mode... Il va dire oui parce que vas-y, je suis son frère et oui, tout. Oui, oui. Mais en vrai, si ça se trouve, je vais le mettre dans la merde, il a pas vraiment envie. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, Kev, tu vois, il est venu en Laponie. Bon, bah on a morflé, hein. Okay, mais Kev, tu l'as déjà mis dans des bourbiers quand même. Hein. Oh, voilà, mais on a morflé. Mais il m'a dit, ouais, gros, je suis trop content d'avoir fait ça, merci de m'avoir invité, c'est trop bien, tu vois. Donc c'est cool. Mais je suis toujours un peu mal à l'aise, j'ai toujours l'impression que je vais déranger. Donc peut-être qu'au final, à cause de ça, bah. Après, mes frères et sœurs, ils ont l'impression que... Non, ils te connaissent tous. Ils connaissent par cœur, ils savent très bien comment t'es... Putain, ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils m'ont mis dans ce petit sentiment un peu de malaise. Non, bien joué. Bien joué, bien joué. Mais tu sais quoi, si c'est le moment des règlements de compte. Pierre, on va commencer par toi. Non, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Non, t'as pas grand-chose à dire. J'arrive jamais à tenir les baguettes en tuto.
Elsa, est-ce que tu peux faire un tuto comment bien tenir les baguettes? Bah alors là, moi je sais pas. Mais en gros, je les tiens jamais près du fond. C'est toujours un peu loin. Alors, moi c'est l'inverse. Ah ouais? Bah non, tu les tiens loin. Bah normal quoi. Oui, c'est ça. Et tu attrapes, tu la poses. Attends. Tu prends ta baguette du bas, tu la poses sur... Je sais pas comment on explique. Oh, le tuto il est bancal. Tu la poses comme ça entre ton pouce. Toi t'es prof de danse? Entre ton pouce et ton annulaire. Annulaire? Auriculaire? Annulaire. Annulaire. Tu fermes ton majeur dessus. Et l'autre, tu la prends entre le pouce et l'index. Sincèrement, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent encore? Et tu pinces comme ça avec celle du dessus. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Ça marche pour moi. Voilà. Ferme ta bouche quand tu manges, c'est insupportable. Ah ouais, s'il vous plaît, dites-lui, j'en peux plus. Pardon, les gars. C'est trop grave. Non, c'est vrai, vous m'entendez trop. Désolé. Mais surtout, il te voit faire. Merci à Liona, merci à Animal Crossing, Firewolf, Mich, je suis boulanger pâtissier. Oh, magnifique. Incroyable. Tu vas me faire des petits gâteaux. Au chocolat. Aux petits oignons. Non, là, Elsa, moi, j'ai envie d'aller découvrir les pâtisseries de Cédric Grolet. C'est bon. Le café là de Cédric Grolet. Tout le monde en parle depuis trop longtemps. Je vois que des trucs sur Cédric Grolet sur TikTok. Je veux. C'est incroyable. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de vivre. Non, moi aussi j'aurais bien envie d'essayer. J'ai jamais goûté. Mmh. Ferme ta bouche quand tu parles. C'est incroyable. Oh. Oh, le chat a disparu. Le chat. On vous a perdu le chat. Le chat, on vous a perdu. Mémoire insuffisante pour ouvrir cette page. Il y a eu trop de messages. Ça a détruit le chat. Mais tu sais que c'est vraiment ça, hein. Ça dit mémoire insuffisante. Merci Totomon. Merci beaucoup Totomon pour ton sub. Merci beaucoup. Bienvenue les gars, tous ceux qui s'abonnent et tout. Parce que mine de rien, en vrai, je fais un live... Il y a 5000 personnes qui sont abonnées depuis le début du live. Ah ouais, la vache. T'imagines? C'est énorme. Mais t'imagines, en vrai? C'est énorme. Parce qu'en plus, comment ça se fait que c'est des gens... Parce que les gens, ils te regardent streamer, mais du coup, c'est des gens qui sont pas abonnés à ta chaîne. Bah, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me voient dans les recommandations. Peut-être qu'ils me voient régulièrement dans leurs recommandations. Mmh. Et qui regardent mes vidéos. Mais tu sais, des fois, tu penses pas forcément à t'abonner. Et du coup, là, ils sont sur live, ils disent « Ah, mais attends, mais c'est vrai, je suis même pas abonné. Bah tiens, je m'abonne. » Mais oui, abonnez-vous, enfin. Ça ne vous coûte rien de vous abonner. Mais alors, tu sais que... Je vais te montrer une stat effrayante. Montre-moi des stats. J'adore les stats. Ah ouais? J'adore ça. J'ai deux stats à te montrer. Mm-hmm. Effrayantes. Vas-y. Oui, j'avoue, j'ai les pieds sur le bureau, mais ils sont propres. Analytique. Non, mais c'est vrai que t'es bien à l'aise, toi. Mais oui, mais je suis mal à l'aise. Enfin, j'étais mal à l'aise. Alors, audience. Il faut savoir que... Les gens qui regardent mes vidéos, mmh, donc tous les vues de ma chaîne, mmh, ce mois-ci, c'est à 64,4% des gens pas abonnés. C'est quoi? Regarde, c'est ouf. Mais c'est abusé. C'est ouf. Attends, mais c'est un truc de fou. Genre, plus de la moitié des gens qui regardent tes vidéos, ils sont pas abonnés à ta chaîne. Il y a seulement un tiers des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés, 35%. Il y a qu'un tiers des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés. Mais c'est abusé. Mais vous rendez compte, les gars, de la dinguerie? Ça veut dire si tous les gens qui regardent s'abonnent, mais j'ai 30 millions d'abonnés. Je suis le youtubeur numéro 1 en vrai. Mais en vrai, les gars, Squeezie, c'est mon petit. Je suis le youtubeur numéro 1, les frères. Malade. Tout le monde qui me regarde n'est pas abonné. Il y a qu'un tiers qui sont abonnés. Ça veut dire que j'ai 30 millions d'abonnés en vrai. L'abuseur. Les petits joueurs. Et il y a un autre truc. Ah oui, donc tu m'avais dit deux stats. Il y a un autre truc qui est ouf. Attends, moi, c'est que tu vois, par exemple, là, c'est 90 derniers jours. Ouais. Il y a 12 millions de personnes différentes qui ont vu mes vidéos. Waouh, la vache. C'est ouf, en vrai. Attends, mais c'est 12 millions de comptes différents. De comptes. En plus, c'est des comptes. C'est même pas des personnes, c'est des comptes. C'est-à-dire, en vrai, il y a plus de 12 millions. Attends, mais c'est fou. Mais t'imagines? C'est-à-dire qu'il y a 12 millions de personnes qui ont vu Michou, qui ont regardé les vidéos de Michou. Là, ce mois-ci. Attends, mais c'est immense. C'est fou, hein. C'est un truc de fou, comme en termes de stats. Ouais. Ah non, même pas, ça, c'était... Ah non, il y a 16 millions.
Parce que ça, c'était spectateurs réguliers que je t'ai montré. Les gens qui regardent souvent, il y avait 12 millions. Attends, c'est abusé. Mais les réguliers, les nouveaux, 16. C'est énorme. Mais c'est abusé en termes de stats. C'est un truc de dingue. En vrai, c'est insane, non? Ouais, c'est si. Tu as regardé Koh-Lanta? Non, il a pas regardé. J'ai pas regardé, mais là, les gars, je suis abandonné. Je vais regarder deux épisodes sans lui, j'ai trop la haine. En fait, cette semaine, j'étais pas trop là. En plus, ouais, c'est vrai que là, il y a Koh-Lanta encore mardi. Bah, je suis pas là. Vacances des croutons, les refs. Mais au pire, on s'appellera, on fera un FaceTime. Quoi? Genre, on s'appellera et on regardera Koh-Lanta en FaceTime. Bah oui, pourquoi pas. Mais on va t'en décaler et tout. Toi, tu vas être en vacances des croutons. Genre, tu vas prendre le temps de me faire un FaceTime. Bah pourquoi pas. Ta bouche, Miguel, s'il te plaît. Mais fermez. Oui, mais t'as fait... En vrai, tu veux... Mais à croire que tu es une vache. Oui, si, t'es une vache quand tu manges. Non, mais alors là... Lilian, merci beaucoup pour ton sub, Lilian. T'as bu? T'as quoi? T'as bu? Je veux aller chercher à boire. Moi? Oui. Chifoumi qui va. Putain. Chifoumi en 1, pas de pluie. Ok, je sais exactement ce que j'ai à faire. Vas-y. Chifoumi. Allez, va chercher à boire. Je te connais par cœur. Vous savez pourquoi je le connais par cœur? C'est parce qu'on a regardé la série Squid Game, mais en vrai. Et il a vu qu'il y a une meuf qui disait que les filles, elles faisaient toujours soit feuilles, soit ciseaux, je sais pas pourquoi. Je crois, ou un délire comme ça. Et du coup, il est persuadé qu'à chaque fois que on joue à pierre, feuille, ciseaux, je fais feuilles. Voilà. Je crois que c'est un délire comme ça. Mais ouais, non, il essaye de faire du mentalisme. Du mentalisme amateur. Donc voilà. Voilà. La vache est partie. Oh, vous êtes terrible. On vous donne un truc, vous foncez avec. Attendez, j'essaie de lire. Joue à Palworld. Mais moi, je voudrais bien jouer à Palworld, mais il veut pas. Il veut pas parce qu'il veut qu'on commence vraiment une aventure. T'es pour qui dans Koh-Lanta, Elsa? J'en ai aucune idée, j'ai pas encore leur prénom 100%. Mais moi je suis souvent pour les jaunes, là je crois que je suis pour les jaunes. Et il y a un mec chez les jaunes, je crois, il est trop fort. C'est un daron, hein, mais je crois, mais il est trop fort. Qui est trop fort, moi? Non, bah, je peux pas te spoiler. Alors dites rien de ce que j'ai dit, parce qu'après il va gueuler, parce que j'ai spoilé. Ah, je voulais de l'eau. Ah non, pas de spoil. Tu voulais le chat, j'ai une question. Miguel, je voulais de l'eau. Faut que j'aille chercher de l'eau. Je veux bien de l'eau, si ça te dérange pas. Non, mais tu me laisses le coca, je le boirai peut-être plus tard. T'es vraiment capricieux. Je boirai peut-être plus tard le coca. J'en peux plus. Il m'a abandonné. Alors. Ça va trop vite. En fait, je suis loin là. Les jaunes sont trop forts, je suis d'accord. Je pensais que j'étais abonnée, mais pas du tout. Mais oui, je suis sûre qu'il y en a plein que vous pensez que vous êtes abonnée. En fait, vous n'êtes pas abonnée, donc il faut vous abonner. Petit clin d'œil. Comme ça, en plus, il se passe des happenings un peu sympas. C'est cool. Pas trop vite. Je panique. Tu fais rousse? Vous trouvez que je fais rousse? Non, mais vous rigolez. Ah, si, j'avoue, attends, ça fait un peu roux en fait. C'est vrai que je fais rousse. Mais non, je suis pas rousse. Ma sœur est rousse. J'ai un gros front. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu un gros front en vrai. En fait, j'ai un peu une implantation de cheveux en arrière, moi. Donc quand je les tire, c'est vrai que j'ai un gros front. Mais ça me dérange pas, ça me choque pas. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais le changer. Attends. Black M, il est sympa en vrai. En vrai, ouais, il est grave sympa. Bah, il est grave sympa, il est pas prise de tête. Il est grave sympa. Voilà. C'est un bosseur, c'est cool. On s'entend bien, donc c'est cool. C'est cool. Ça va trop vite, les gars. Faire résumé de Koh-Lanta, mais non, je vais pas spoiler, les gars. Faut pas spoiler. Tu vas tomber. Mais non, je peux pas tomber, j'ai déjà essayé. Non, en fait, j'ai essayé de faire tomber Miguel, il a pas réussi à tomber. Prends tes crocs. Non, j'ai la flemme. J'ai pas envie de mettre mes crocs. Là, j'avoue, j'ai envie de rester en chaussettes. Attendez, je suis en train de faire des bêtises et de renverser du coca. Hop là. Oh, non, je vais lui dire que je mets un coca quand il revient. Mais je crois que s'il est pas bête, il me ramène le coca et l'eau.
Pourquoi je viens pas aux vacances des Croutons? Bah parce que les gars, je travaille en fait, je suis dans Danse avec les Stars. Parce que même si vous voyez les primes en décalé qui sont enregistrés, nous on travaille quand même pour le prime le prochain. Du coup, non, je peux pas venir en vacances des Croutons parce que je m'entraîne. Et qu'on s'entraîne beaucoup et que c'est trop... le temps sur Danse avec les Stars, c'est quelque chose qui est trop précieux. On peut pas se permettre de perdre du temps sur Danse avec les Stars. Bah tu fais une chaîne YouTube, c'est pas prévu, franchement. Puis j'ai pas le temps. Mais peut-être un jour, faut jamais dire jamais, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai pas fini. Coco. Ah mais t'as pas pris le coca? Bah tu voulais de l'eau. Mais tu te fous de moi là. Non mais je t'ai dit que je voulais quand même du coca. Je voulais de l'eau et du coca. Mais je suis fou. Tu peux me garder. Non, bah, non, là ça y est. Mais s'il te plaît. Mais t'es une abuseuse. Je te ramène du coca, mais... tu me dis je veux de l'eau. Oui, mais je te ramène de l'eau, tu me dis mais ah mais il y a pas le coca. Mais je t'ai dit laisse-moi le coca. Bah non. Non mais c'est bon mais. Je bois pas du coup. Mais si bois. Merde, pardon. Pardon. Oh non, mais t'as foutu la sauce partout. Mais non. Ah bah si. Mais non, on a vraiment 3 gouttes. Bah bravo les cartes Pokémon. Parfait. Trop intelligente Elsa. Les gens vont faire trop rire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça fait encore? Dis-moi qu'est-ce que ça fait. Les gars, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que balancer. Les gens ils disent prank-le, dis-lui que quand il revient, dis-lui que tu reveux du coca. Et moi j'ai dit non mais les gars il est intelligent, il va me ramener le coca et l'eau parce que je lui ai dit ramène-moi le coca et pas du tout. J'ai trop d'espoir. J'ai trop d'espoir. Non mais tu me trouves vraiment con? T'es pas con mais des fois t'es un peu simplé. Mais t'es mignon du coup. Mais t'es pas con, t'es loin d'être bête. Ça sachez-le, il est loin d'être bête. Je suis naïf. T'es un peu naïf. T'es un peu simplé des fois mais t'es mignon. Mais c'est-à-dire simplé? Bah simplé c'est que t'es innocent en fait. T'es naïf, des fois un peu, sur les gens, je trouve. Et sur les gens? Bah ouais. Je pardonne trop? Ouais. Ok. Ouais. Je le sais, mais... Ouais. Mais voilà. 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 Je pose des dents, imposé. Hein. Mais je suis bien. Non mais vraiment, tu prends 90% de la place du live. Mais en fait, j'ai mal aux jambes, du coup, j'aime bien avoir mes jambes en hauteur là. Ok. Je viens de m'abonner. Il est comme le jus de fruit, il est innocent. Waouh. Et celui qui a dit ça, c'est grave un boss. J'ai mangé trop. Je vais le mettre modo celui qui a dit ça. Putain, j'ai envie d'aller aux toilettes là. Bah vas-y. Mais... Pendant longtemps. Non mais je vais éviter. J'ai compris. Non mais vas-y, de toute façon on n'est pas parti encore. Hein. Comment ça on n'est pas parti? Bah... Vas-y Miguel, sans y aller aux toilettes. Non, non j'ai pas envie... En fait j'ai la flemme que tu tapes et que ça pue. Non mais je rigole pas, c'est pas une mais blague. Mais c'est pas comme ça. Si, Miguel, t'es pépu. Mais alors... T'es pépu sa mère. Si. Je pète une fois tous les mois déjà. Oui, bah on s'en rappelle. En fait. Mais à ce point-là. Oui. Mais t'es en train de me donner une fausse image là. Ah, faut que j'aille aux toilettes quand même. Je reviens. Il est pas revenu tout de suite. En fait, c'est mon live. Bah là, oui. Non, mais j'en peux plus, les gars. C'est trop grave. Bon, je fais quoi moi? Je sais pas quoi faire moi. Je sais pas quoi faire. Mais comment je fais si on passe un palier là? Attends, abonnez-vous, mais pas trop vite en fait, parce que s'il passe un palier, moi je vais faire quoi? C'est moi qui vais devoir faire le truc? Non, la flemme, hein. La flemme. Mais vous êtes des chiens, tous ceux qui s'abonnent là! Non, mais je vais péter un peu. Non, stop! Stop! Abonnez-vous pas! Merci, voilà. Je vais paniquer. Je vais paniquer. Prank-le, mais vous voulez que je le prenne comment? Je sais pas comment je peux le pranker, moi. Donnez-moi des idées. Oh putain, j'ai une putain d'idée de prank. Il est où le wasabi? Par contre, je vous préviens, je vais faire ça, mais il va finir aux chiottes pendant tout le truc. Putain, j'ai pas de wasabi. Il est où le sac?
faut que je fasse, mais que ce soit pas trop cramé. Attendez. Oh, c'est tellement cramé. T'es cramé. Mais non, mais... Tu pensais être discrète, t'es cramé. T'étais en train de faire quoi? Ça va être marrant. Tu vas te faire choper. Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Je pensais que t'allais aux toilettes faire un truc... Faire quoi? Faire la grosse commission? Non, mais comme j'ai pas mon téléphone... Ah, donc t'es juste venu chercher ton tel, en fait. Ça va plus vite. Ah non, je suis pas venu chercher mon téléphone. Ah, mais t'es pas allé chier? Oui, donc, ok, il n'y a plus de... Pardon. Il n'y a plus de pincettes, là. Pardon. Non, mais comme... Non, mais elle, ça... Tu te fous de ma gueule, c'est quoi ce sushi? Mais vas-y, pour le divertissement, t'aurais pu le manger. Non, mais frère, c'est quoi ce sushi toxique? Mais pour le divertissement, t'aurais pu le manger. Mais je suis pas con. Mais j'ai pas eu le temps, t'allais trop vite aux toilettes. Non mais t'es je pensais que t'en avais plus de temps. Il est toxique là ton sushi. Non mais ouais, je mange pas ça. Tiens, mange toi. J'ai raté. Mange s'il te plaît. J'ai raté. Ah le chat, vous avez trop le seum. En fait j'ai mal au ventre. Oh, t'es malade? Non je suis pas malade mais j'ai mal au ventre. Bah donc t'es malade. Non mais j'ai mal au ventre. D'accord. Donc t'as mal au ventre ou... Voilà quoi. D'accord, on n'a pas besoin d'en savoir plus peut-être. Désolé les gars. Non, y a rien de bizarre. Mais j'ai mal au ventre quoi. T'es enceinte? Du coup j'ai l'impression que j'ai envie d'aller aux toilettes tout le temps alors qu'en fait c'est pas le cas. Mais c'est horrible hein. Mais tu sais j'ai de plus en plus mal au ventre en ce moment après manger. Tu deviens un papy. Tu crois? Non parce que c'est des mal au ventre. Est-ce que tu manges nimp? Ah bah non. Ah non j'avoue tu manges bien en ce moment. Il a ses règles. Il a ses règles ou il est enceinte? Non, je pense pas. Parce que, en soi. Genre, t'as réfléchi. Putain, j'ai floppé, les gars, j'ai floppé, je suis désolée. Ouais. Et voilà, ça arrive même au meilleur. Ah, j'ai floppé. Je vais y tomber. T'es dégoûté en vrai ou pas? Ouais, je suis deg de ouf. C'était mon rêve que tu le manges. En plus, j'ai vu que tu prenais, je me suis dit putain, ça y est. Elsa l'a mis enceinte. Non mais c'est fou, la moitié des messages que je lis dans le chat c'est Elsa t'es trop belle. N'importe quoi, bah alors, on lit pas les mêmes messages. Hein, t'imagines? On lit vraiment pas les mêmes messages. Mais t'as trop de la chance, j'aimerais trop avoir cette image moi. Mais les gars c'est parce que imagine je stream et la moitié des gens qui regardent mon live c'est mais j'étais trop beau, mais c'est non mais les gars je vous dis c'est la lumière. C'est fou. De quoi? Bah alors ok vas-y on regarde sous. C'est la lumière qui te rend belle. Mmh. Arrête, tu sais très bien. T'as trop le seum parce que même toi tu t'es regardé et tu t'es dit ah, c'est vrai que je suis belle en les vrai. Cernes de 4 km de long là. Oui, bon, allez, à d'autres. Yeah. À d'autres. Non, mais j'ai trop envie d'aller aux toilettes là. Mais vas-y. Mais en fait, j'ai pas envie de faire caca. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas médecin. Je reviens. Je prends un Doliprane. Bah, Doliprane, ça va pas t'aider, hein. Ah bon? Non. Petit cœur, il est malade. Oh non. Mais non, petit bébé, il a mal au bidou. Mais ouais, non. Putain, je suis deg. Plus il en a plus, je peux pas refaire, il a plus de sushi. Le seul qui lui reste, c'est celui qui est intoxiqué, il sait très bien qu'il a fini. Putain, je suis deg, j'ai trop la haine, je voulais qu'on prenne qu'il marche. J'ai raté mon prank et là j'ai plus d'idées, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah ça, tu pourrais continuer l'aventure sur Firearm, je l'ai poncé le jeu, je l'ai fini là. Je l'ai fini, il y a longtemps, je l'ai fini, ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer. Là, ma nouvelle truc, quand j'ai 5 minutes dans ma journée, que je me dis je vais jouer à un jeu, j'essaye de faire les shiny dans Let's Go. J'essaye de me faire le Pokédex shiny, bon j'ai 3 shiny pour l'instant. Donc voilà, là je suis sur les Evoli Shiny. J'essaye d'en avoir un déjà, ce serait bien. Et après, juste avoir les 3. Et après, comme ça, je ferai Aqualie, Voltali et Pyroli Shiny. Voilà.
pardon, j'ai tout fait bouger. Je ne viens pas en vacances, les gars. Non, pour ceux qui reposent la question, je ne viens pas en vacances. Oh, mon Dieu, on est bientôt. Oh là là, il va m'abandonner. Oh. Putain, on va passer un palier. Il m'a abandonné. Dans le coca. Oh. Ça, il l'a pas ouvert. Il l'a pas encore ouvert, je peux pas. Il l'a pas encore ouvert, je peux pas. Mais c'est pas une mauvaise idée, je garde en tête. Mais ça se sent le wasabi dans le coca, je suis pas sûre, les gars. Hein. Je suis pas sûre. Vous êtes trop mignons, ceux qui disent t'es trop belle. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Je suppose que vous êtes tous beaux aussi. Attends, ça va trop vite. Bagage, c'est son trophée. Il va même pas s'en rendre compte. Je vous jure, il va pas s'en rendre compte. Quoi ? Le jeu de la pastèque. Ah, ouais, on peut pas. Ouais, non, mais en plus, il a mal au bidou, là. Je veux pas lui mettre son... Non, 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 je veux pas lui trafiquer sa nourriture, déjà qu'il a mal au bidou. On va éviter. Est-ce que je sais où ils partent ? Oui, je sais où ils partent. Je ne vous spoilerai pas. Vous pouvez me soudoyer tout ce que vous voulez. Mais peut-être que si vous vous abonnez, il devra spoiler. Peut-être. Ou peut-être pas. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Faites un jeu. Bah pour l'instant je joue toute seule les gars, donc je veux pas jouer toute seule, je vous le dis tout de suite. Hein. Tu peux nous montrer tes ongles? Mais pourquoi je voulais que je vous montre mes ongles? Ça fait 4 fois que je les montre. En vrai c'est pas très compliqué, hein. C'est juste des ongles un peu longs. Je suis contente, ils ont bien poussé. Voilà. C'est des ongles à papouille. Faut que je les refasse. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des idées de trucs que je peux faire, les filles qui sont dans le chat, ou les mecs, hein, s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Je sais vraiment pas quoi faire, mais parce que pour de vrai, j'ai jamais d'idées, moi. J'ai jamais d'idées. Alors, Derek Sages, j'ai essayé, je peux pas, mais vous avez toujours les mêmes idées, c'est drôle. C'est drôle. Je ne vais pas aux vacances. Il se passe quoi aux 9,4 millions? C'est quoi les 9,4 millions de sub-goals? Bah on va aller voir tout de suite. Quelqu'un sait dans le chat ce que c'est le... Mais non, mais on est con. Mais je sais ce que c'est les 9 millions 4. C'est les vacances des croutons. Je crois. C'est les vacances des croutons, 9 millions 4, les gars. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Vous allez rien faire sur le live. Si tous les 1000 abonnés, il y a un happening... Oh, merde, putain, ça y en a passé. Non, s'il vous plaît, dites-moi que c'est pas pour moi le happening. Putain. Mais je suis toute seule. Ah pardon, ok, je me tais. Pourquoi t'as mon sac? Ouais. C'est mon happening préféré. Non, c'est pas mon préféré, mais il est bien. Elsa, tu as l'honneur de pouvoir maquiller Michou. Fais-toi plaisir. Je peux te récupérer mes affaires, du coup. Ah, mais mon sac, t'as mon sac. Merci. Ça va, il s'en sort ou pas? Non. Okay. Eh ben merci beaucoup. Ah c'est la pire. Je suis désolée, c'est la pire blague que tu lui as faite. Il se passe quoi? Il y a un happening? Il y a peut-être un happening. On a passé les 9 millions. Ah oui, ouais, on a passé les 9 millions. 386 000, ouais. Mais attends, mais incroyable. Merci beaucoup le skin Fortnite. Pardon. Faut qu'on lui trouve un prénom bien, le renom. On fait quoi? Michou me fait comme d'habitude. Bah, ça fait plaisir. Quand je suis pas là, je suis drôle, apparemment. Elsa. Oh, c'est pour toi? Tu as l'honneur de pouvoir maquiller Michou. J'adore, on va faire un tuto make-up. Oh, j'adore. Non, mais alors, attends. J'adore. Maquiller, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Ah, si, ça veut maquiller, dire grand-chose. Maquiller, ça veut dire. J'ai pris toutes mes affaires de maquillage. Tu mets un peu de fond de teint et un petit trait d'eyeliner si tu veux. Je sais même pas si j'ai du fond de teint. Ça, c'est ma trousse de maquillage à moi. Alors, on a. Fais un full face. C'est quoi un full face? Un full face, c'est tout le maquillage. Mais moi, je mets pas de fond de teint. Le mot full face, il me terrifie. Moi, je mets pas de fond de teint du coup. Tu mets pas de fond de teint? Mais genre, fais-moi choquer. Tu mets pas de fond de teint, genre. Mais donc là, ta peau, elle est naturelle. Bah, j'ai du blush, quoi. Non, mais t'es trop jolie, en fait. Oh, t'es trop mignon. Dis-moi quelque chose de sympa. J'étais aux toilettes et je réfléchissais, je me disais, pourquoi aujourd'hui elle est aussi belle? Mais en fait, c'est quand t'as les cheveux attachés. Ah, bah, sympa. De quoi, c'est vrai? Genre, tu me trouves jolie que quand j'ai les cheveux attachés. Non.
Oh, oh, tu déformes mes propos. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Un petit peu. Non, arrête. C'est pas ce que j'ai dit. Un petit peu. Je vais te faire mon maquillage que je me fais à moi. Elsa, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je souffre. Ah si, j'ai un peu de fond de teint. Aïe, aïe, aïe. Mais je pense pas du tout que ce soit. Corentin, merci pour tes 5 euros. J'ai pas envie de mettre du fond de teint, j'aime pas trop. Moi, je suis pas une fan de fond de teint à la base. Julia, non. Est-ce que j'ai d'autres? T'as mal, ça va pas? Je te jure, j'ai trop mal au ventre. Tu veux que j'aille chercher des cachets? Mais en fait, je sens que ça va. Non, mais ça va passer dans 30 minutes. Mais juste, c'est horrible là. Oh non. Les gars, si je tiens pas trop sur ma chaise, c'est normal. Si, merci mon gars pour tes 10 francs suisses. Comment le caca? Bah, bon caca. Un petit peu galère à sortir, mais bon. Ça finit. Ça me dégue. Je comprends que ça dégue. Ça me dégue. Allez, maquillage! Allez, c'est parti. Attends, mais comment il faut. Attends, mais tu vas vraiment maquiller. Non, pas. Faut qu'on inverse de place. Non, mais maquille-moi pas trop, s'il te plaît. Bah, je te fais mon maquillage quand je sors. Non, merci. Voilà, je te mets du rouge à lèvres, je te mets un petit peu. Quand tu sors, c'est. Un petit peu d'eyeliner, un petit peu de mascara. Non, tranquille. Non, je te fais un petit maquillage sympa. Sympa. Je mets pas de fond de teint déjà. Genre comme toi là maintenant. Non, je mets un peu plus que moi là maintenant. Moi là maintenant, j'ai du blush, j'ai un peu de crayon dans mes sourcils et j'ai un peu de mascara. Mais fais-moi un maquillage, genre comme si là tu maquillais vraiment. Tu maquilles. Je me maquille. Non, tu me maquilles pour que je sois beau. Mais t'es beau déjà, pas besoin de maquillage. Bah alors, bah donc c'est bon. Non, mais je te maquille. Non, mais maquille-moi pas. Non, je te maquille comme moi. Mais moi, non. Si. Non. Si. Faut que tu me maquilles en fonction de mon visage. Non, je te maquille comme moi. Allez, merci beaucoup, Steve, pour tes 20 euros. Comment le gros caca, Mich? Non, mais. Mais alors, les gens sont très curieux. Non, mais surtout, tu l'as insisté. Hein. Comment le caca? Comment le gros caca? D'accord. Alors, non, mais alors. Attends. Parle de ton caca. T'as conscience que tu maquilles mon visage? Oui. Pas ton visage? Non. Si demain je te demande de maquiller ta sœur, tu vas la maquiller pas comme toi. Bah là j'ai envie de te maquiller. De toute façon j'ai que mes produits pour moi donc je vais te maquiller comme moi. Et bah non. J'ai décidé, c'est moi qui décide. C'est il est à qui parle le happening. À moi donc. Tu me maquilles. Tu me maquilles comme t'aimerais me voir. T'es. Hop. Donc ça veut dire. Non mais là tu mets quoi par exemple? Là je te mets du blush liquide. C'est quoi? Pourquoi c'est rouge comme ça? C'est pas rouge, c'est rose. C'est du blush liquide. C'est pour avoir bonne mine. Mais j'ai bonne mine. Un petit peu sur le nez, ça, c'est mon truc préféré à faire. Hein? Eh frère, moi, tu m'as fait des traces Star Pikachu, là. Mais allez, ce qui me fait rire, c'est que t'es trop heureuse. Oui. T'as un sourire de... J'adore maquiller. Les gars, elle est tellement heureuse, elle a un sourire de titan bestial. Je l'ai jamais vu comme ça. Mais ça va pas? Pourquoi il crie comme ça, lui? Bah, c'est Timout, hein. En vrai, tu t'habitues à force d'avoir un voisin comme ça. Hein. C'est vrai que je repense à la vidéo de Pierre et je me dis, j'aurais mieux fait de l'inviter lui. Pourquoi? Il aurait été plus discret. Ah, dans le local, tu veux dire? Je croyais que tu parlais de la Laponie. Hop, déjà, regarde, on a bonne mine, là. Mais c'est pas naturel. Mais si, c'est naturel. Mais non, on dirait que j'ai les joues toutes rouges. On dirait que je suis intimidée, là. Bah oui, t'es mignon. Tout mignon. Et tu trouves que c'est mieux qu'avant, là? En fait, on dirait que je reviens de dehors et que j'ai eu froid. Mais oui, mais c'est beau, moi, je trouve. Moi, j'aime bien le maquillage comme ça, avec pas mal de blush et de l'highlighter. Avant, on voit pas trop la diff. Sourcils! Toi, t'as tellement de sourcils que... On dirait que je suis plus souriant. Je suis trop jalouse. Ça donne bonne mine. Alors, je brosse tes sourcils. Là, j'avoue, je fais rien pour le divertissement. C'est vraiment juste mon fun personnel. Hein. Pff, tes sourcils, j'ai rien besoin d'y faire, en vrai. Ah, mais j'ai envie. Ils sont magnifiques, mes sourcils. Mais j'ai envie pour le kiff de... Mes sourcils, ils sont magnifiques. Dis-le. Moi, je pense que t'es jalouse de mes sourcils et mes cils. Oui, totalement. Bah, tu le sais. Voilà. Hein. Bah, je sais. Ça, par contre, vraiment, ce genre de truc. Mais c'est vrai que j'ai des beaux cils. Hein. En fait, j'ai des cils de meuf. Bah, non, t'as des cils de mec parce que les meufs, elles sont toutes jalouses des cils de mec. Non, j'ai des cils de meuf. Non, les mecs, vous avez tous des cils. Vous avez souvent des cils longs. Ah, et les ouais meufs, beaucoup plus rarement. Bah, ouais. Ça, c'est un truc. C'est de la cire pour les sourcils. Je pense que je l'ai acheté pour ma première saison d'Als. C'est vraiment longtemps que je l'ai. Donc quand on s'est rencontrés. Quand on s'est rencontrés, exactement. Mais t'es concentrée de fou. Bah oui. Je peux roter. Oh non, si tu fais ça. Non, je rigole, je rigole. Elle a spoil la destination des vacances. Non, tu mens. Peut-être. T'as dit quoi? Bah, je vais pas dire. Elle a dit quoi, les gars, comme ville?
Non, mais là, pas spoil. Laponie. Leak Laponie, vous allez en Laponie. Pourquoi t'as dit qu'on allait en Laponie? J'ai pas dit qu'on allait en Laponie. Tout le monde dit Laponie, hein. Ah bon? Bah, ils ont mal compris, les gens. T'as dit qu'on allait en Laponie. Vraiment? Elle a dit Italie. Oh, les vacances écoutant en Italie, mon rêve. C'est quoi que t'as mis, là? C'est dans les sourcils. Mais j'ai des gros sourcils, là. Mais là, ça fait des gros sourcils, j'avoue. Non, mais là, c'est catastrophique ce que tu fais. Je définis tes sourcils, ok? Voilà, j'ai défini tes sourcils. Mais frère! C'est drôle. Mais ouais. Non! Mais là, tu fais pire que mieux. J'ai déjà de base des gros sourcils. Je les ai définis, mais j'avoue, t'as tellement de sourcils. Mais là, j'ai des sourcils. Il faut que t'ailles te faire épiler les sourcils pour avoir une jolie ligne, là. Genre même ceux-là, là, de poils. Là, mais là, j'ai des sourcils énormes. Hop, un peu de cire fixatrice. En fait, on dirait que j'ai une tête de dessin animé par rapport à d'habitude. En fait, je te fais tout ce que je peux pas me faire à moi, parce que moi, j'ai pas assez de sourcils, par ma exemple. Ma tête, elle ressort plus que d'habitude. Mais en fait, je vais définir un peu les traits. On dirait que j'ai une tête dessinée. Merci, Steve. Vous arrivez quand en Suisse demain? Pas mal, Steve, la technique pour avoir la destination. Merci, Matt Ghetto. T'as déjà spoil des trucs de fou? En vrai, non, rarement. Ah ouais? Je sais pas si j'ai déjà spoil des trucs vraiment en live. Un vrai leak, non. Sinon, je pense que je m'en souviendrai. Ok. Un vrai, vrai leak, je crois pas. Je mets un peu d'highlighter. Ok. Tu sais ce que c'est, l'highlighter? L'highlighter? Mmh. C'est bah c'est ce que tu mets. Oui, mais ça sert à quoi? C'est de l'highlighter. À quoi ça sert? Bah à hausser ma lumière. C'est de l'highlighter. C'est pas mal. Tu me fais briller. C'est ça, c'est un peu ça. Je suis un monstre. J'ai pris le mot highlighter, je l'ai fait au Recraft. Sur les points de lumière et puis voilà. Je mets un peu de celui-là aussi. L'Alzheimer, non? Alors non, ça c'est différent. Putain, j'ai trop mal au ventre. Ça va? Tu me dis si tu veux que j'arrête. C'est ton maquillage qui me fait mal au ventre, je crois. Un petit peu faut sur que t'arrêtes le nez. De me maquiller. Ah, faut que t'arrêtes de me maquiller là, ça me fait mal au ventre. Un petit peu au coin de l'œil, ferme les yeux. Merci Max pour tes 2€, ça sera en France, tu t'es cramé tout seul. Comment ça, Max? Voilà, hop! Gronino, merci pour tes 6€! Hop, maintenant, mets un petit peu d'eyeliner. Michou, il est grave en full face. Attends, mais t'as raison, je brille. T'as vu, je brille. Non, mais c'est trop bizarre de faire ça. Mais non. Mais on dirait que je transpire. Mais non, ça rajoute de la lumière. Mais là, j'ai l'impression de ressortir du sport. Genre, je suis rouge, je transpire. Mais non, tu es lumineux. C'est bizarre. Hop, je mets un peu de j'ai un crayon noir que j'ai d'ailleurs défoncé. En fait, ça va, ça me rassure parce que tu n'abuses pas du maquillage. Non, c'est comme je me maquille, moi. Tu fais des petits détails, quoi. Comme je me maquille, moi, quand je sors. Je fais pas un maquillage en mode gros truc bleu, fard à paupières, je sais pas quoi. Bah t'as de la chance, c'est parce que j'ai pas mes paillettes que je mets sur Dals. Mais sinon je t'aurais bien mis des paillettes. Bah j'ai bien de la chance. Tu m'as dit ferme, mais après ouvre. En fait t'as pas du tout les mêmes yeux que moi. Moi j'ai tellement des petits yeux que j'ai une technique très spéciale pour me maquiller. Toi je sais pas comment faire. Regarde là-bas. Mais ça change quoi l'endroit où ferme, je regarde? Vas-y ferme, ferme. Tu mets quoi là? C'est l'eyeliner? Bouge pas. Oh mon dieu, c'est une cata. Je te fais un liner un peu fumé. Hein? Regarde, ouvre les yeux. Ok, ferme. Je mets juste en fait un peu d'eyeliner. Comment un ça, peu de un peu fumé? Depuis quand les traits d'eyeliner ils ont une cuisson? Oh là là, la blague nulle. Non, en fait, en gros, j'essaie de. Mais c'est pas une blague, comment ça fumé? Je fais un eyeliner, mais c'est pas un eyeliner hyper précis. Je fais un eyeliner que j'estompe un petit peu et ça fait un peu plus naturel et du coup on dit que c'est fumé parce que ça fait un effet un peu de fumée, je ne sais rien, je ne sais pas comment on l'explique. Mais là t'es en train de me colorer le visage, là tu mens. Ferme. J'ai l'impression que tu m'as colorié tout l'œil. Il est défoncé. Est-ce que vous passez un bon live, le chat? Il vous régale ce happening ou pas? J'ai tellement hâte de te mettre du mascara. Moi, pas spécialement. J'ai vraiment hâte de te mettre du mascara. N'empêche qu'en live, t'en as fait des conneries avec mon visage. Je fais quoi?
Bah, tu m'as maquillée, tu m'as fait des préparations soins, tu m'as fait des masques, tu m'as fait des coupes de cheveux. C'est vrai, putain, mais en fait, ça m'amuse les lives. T'as dit à Elsa, t'as dit dans quelle ville? Ah bon? Ah bon? J'ai dit ça, moi. Bah après, quelle ville, ça veut pas dire quelle ville de quel pays. Romanito, merci pour tes 5 euros. Joyeux anniversaire, Isaias, Isaias Cortez. Joyeux anniversaire. Ferme. Attends, purée. Oh là là, j'ai tellement pas maquillée. Sur des yeux comme ça, là. T'as trop des beaux yeux, en fait. Toi, t'as pas besoin de maquillage. Bah voilà. Et bah, on annule ce happening. Bah, vas-y, démaquille-toi. Attends, mais c'est vrai, ça? Bah oui, il préfère démaquiller. Comment tu démaquilles? Non, c'est simple. Oui, c'est simple. Mais par contre, tu démaquilles pas tout de suite. Tu veux passer le live comme ça, mon gars? Non, pas tout le live. Ah bah, si. Attends, je suis pas en train de travailler là pour que tu annules tout ce que j'ai fait, j'espère. Ah bah. Ah bah. Je crois bien que si. Hein. Mais c'est bien, tu travailles, c'est du travail éphémère, c'est bien. C'est ce qui marche le mieux. T'as la peau un peu grasse. Alors ça, c'est sympa. J'ai pas de coton-tige. Ça veut dire quoi avoir la peau grasse? Non, en fait, ça veut dire que le maquillage il tient pas hyper bien. Mais attends, mais l'eyeliner, c'est aussi long de base? Oui, c'est pas. Mais j'ai l'impression que c'est... Non, j'ai l'impression que tu fais... Chut, chut. Non, pff, alors là. Bon, il y a des filles qui font ça. Hein. Bon, après, moi, sur mes yeux, j'arrive à le faire assez facilement, en vrai. Sur les tiens, j'avoue, j'ai galère. Tu sais que je déteste me faire maquiller, j'ai l'impression de me faire peindre le visage, c'est horrible. Ah, c'est un peu ça, hein. Mais tu sais que c'est horrible. La sensation de pas devoir bouger le temps que quelqu'un tripote ton visage, je déteste. Fait... Tu kiffes un peu, c'est un moment pour toi. Ça fait une heure que j'ai pas levé et que j'ai pas ouvert les yeux. Maman. En vrai, je pense que je préfère ça que genre bouffer des piments. Ferme. Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas bouffer des piments après? Bah, j'en sais rien, mais tu vois, c'est un exemple. Mm-hmm. Je préfère ça que de bouffer des piments. Je comprends. Donc je relativise. Oui. Je me dis bon, je me fais peindre la gueule, pourquoi pas. C'est moins terrible que le reste. J'avoue, je ne regarde pas du tout ce que les gens disent. Les gens vous dites quoi? C'est drôle. On peut pas mettre de fonction avec un audio sur Twitch. Pourquoi? C'est-à-dire? Bah avec les gens qui peuvent parler. Non. Oh, attends, j'avoue. Et en vrai, ça serait incroyable. Non, je vais dire n'importe quoi, t'es fou. Mais si les gens ils mettraient des vocaux et on répond comme ça, tac, tac, tac. Bon, en soi, ça s'appelle un call Discord. Hein. J'avoue. Bon, je ferai pas de miracle. Regarde-moi. Regarde-moi. Ouvre tes yeux. Ah. Comment tu veux me regarder si toi... Je sais pas. Je croyais que tu voulais que je regarde toi. Ferme. Bon, ça va. C'est pas dingue, mais ça va. Mascara. Hop. Attends, j'ai un hockey qui arrive. Yeah. Yeah. Oh, je suis trop fort. J'ai pile le timing. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Regarde en bas. Oh non. Oh non, je déteste. Oh. Quoi? T'as abusé. J'ai pas du tout abusé. Mais tu te maquilles pas comme ça, toi. J'ai abusé, en vrai, j'ai abusé. Mais tu t'es jamais maquillé comme ça, frère. Ferme tes yeux. Mais c'est quoi, c'est... Mais attends, yeux. Mais... Je suis presque sexy là. Mais oui, t'es sexy. Regarde en bas. Le chat, on est d'accord qu'elle a abusé là. Regarde en bas. Michou, t'as trop de flow. Wesh. Michette. Regarde en bas. Mais ça change tout là, les yeux. Je peux finir, s'il te plaît. Regarde en bas. T'es pas prêt avec le mascara. Ah ouais. Oh, l'abuseuse. Merci Pro X. Maxence, merci beaucoup les gars. C'est bon. Regarde-moi. Vas-y, ferme. Enfin, regarde en bas. Ah, tu sais que je déteste qu'on touche les cils. Ouais, je suis un peu d'accord. Moi non plus, j'aime pas trop la sensation quand on met du mascara. Regarde en bas. Ah,
Allez, routine des filles, l'enfer. Y'a moi? Oh là là, mon dieu, cette bombe. Voilà! C'est fini? C'est fini. Terminé? Oh. Mais j'ai l'impression d'avoir un filtre. J'ai pas fini, les rouges à lèvres! Mais j'ai. Non, alors là, non. Ah, s'il te plaît, mets ça. Non. Mets ça. Non. C'est juste un gloss. C'est quoi un gloss? C'est un gloss, c'est un truc juste pour faire briller un peu. Non, mais. Un tout petit peu. Y'en a qui connaissent ce produit ou pas? Non, mais alors là, un tout. Mais attends, mais tu fais des OP sur mon live là? Non, mais non, mais parce que s'il y en a qui reconnaissent, ils vont comprendre. Pourquoi? Ouvre non, pourquoi? Ouvre un peu. Mais ouvre pourquoi? Allez, je te le mets. Mais pourquoi ils vont comprendre? C'est juste du gloss. Mais ils vont comprendre quoi? Allez, ouvre la bouche. Moi aussi, je veux comprendre. MDR. J'ai lu un truc. J'ai lu un truc qui me plaît pas. Attends, laisse-moi finir. J'ai lu un truc bizarre. Mais qu'est-ce que tu me mets dans la bouche là? C'est ça? Voilà. Ça y est, j'ai fini. Les gens, ils ont dit c'est du lip injection. Ça veut dire quoi? C'est juste le nom du truc. Arrête. Non. Mais attends, ça va me faire grossir mes lèvres. C'est bon là, mais lève-toi. C'est bon, j'ai fini. Mais attends, mais c'est drôle. Oh, mais non, mais l'enfer, frère. Mais tu en fait, j'ai l'impression d'avoir un filtre sur la tête. Bah, c'est un peu. Le chat. Voilà. Et t'es belle, hein. C'est la skincare routine d'Elsa. T'es belle. Donc, mais dites-moi. Mais regardez-moi ces yeux de biche là. Dites-moi ce que vous en pensez. Ces yeux de biche. Dis-moi que t'es pas fraîche là. Vas-y, dis-moi que tu trouves pas fraîche. Oh, mais ouais, je m'en dirais pas moi là. À vous, tu te trouves fraîche. Bah, en vrai, franchement, je me ken. Hein. Franchement, les gars, enfin, honnêtement, vous me trouvez comment? Allez-y, on va changer de place. Tu sens rien sur tes lèvres? Franchement, je suis sexy. Bah, tu non. Sens rien sur tes lèvres? Bah, il y a du gloss, quoi. Pourquoi? Putain, mais c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens rien, ça te fait rien. Bah, non. Ok, bon. Pourquoi je dois sentir quoi? Bah rien. Ça picote? Non, ça devrait picoter un peu, ouais. Ah, mais en fait, j'ai l'impression que ça me gratte, moi. Ah, bah oui, ça picote un peu, ouais. Ah, mais j'ai l'impression que ça gratte. Mais c'est quoi, pourquoi ça pique? Parce que ça repulpe. Mais ça veut dire quoi, ça repulpe? Ça veut dire que ça te fait un peu repulper les, ça te fait une dame un peu plus grosse. Mais donc là, elles grossissent là? Non, mais elles vont un peu gonfler un petit peu, mais rien de grave. Wesh! Ça va juste mais pour toute ma vie! Mais non! Ça durait même pas une heure! Franchement, je suis vous beau. Avez vu les cils qu'il a? Non, mais alors! Je suis tellement jalouse! Ce qui est pas mal, c'est que t'as pas abusé! Non, c'est un maquillage de soirée un peu! Ouais, c'est un maquillage. Ouais, c'est ça! Mais attends, mais par contre, non mais. Non mais. Ça te choque? Ça me choque! Parce qu'en fait, c'est la première fois que je suis entre guillemets bien maquillée! Oui! Genre, je suis pas maquillée abusée, je suis maquillée normalement! Mais maquillage soirée quand même. Tu brilles comme moi. Ça reste pas. En fait, j'ai l'impression d'avoir un filtre sur la tête, j'ai envie de l'enlever. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais le truc, c'est que des fois, je fais des photos avec des abonnés où eux, ils mettent des filtres. Ah. Et du coup, je vois les filtres sur ma tête et je suis en mode, oh l'enfer. Et regarde tes sourcils, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils ont, mes sourcils? Comme ils sont coiffés et tout et faits là. Ouais. Attends, regarde sur mon tel. Tu les trouves mieux comme ça? Non, mais ça te choque pas? Oh. Non mais attends, ça se voit, mais ça se voit encore plus sur le tel. Prends cette fille, prends cette fille, fais un truc un peu. J'ai juré, j'ai un filtre. Un peu bad bitch. Il se kiffe, je vous jure, il se kiffe. Mais oh. Non mais alors ça me choque. Attends, bouge pas. Eh, je garde pas ça tout le live. J'ai la flemme. Si, tu veux. Non, s'il te plaît. J'ai juré que je veux pas garder ça tout le live. Plus beau que l'origine. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te fais toi des cheveux? Attends. Mais j'ai fait ma queue cheval parce que j'ai la flemme de la défaire. Ok. Attends. Le chat. On est le max de longueur. Vous allez me dire. Michette, vous allez me dire, je suis combien sur 10?
Non, mais là, ça va être catastrophique. Non, mais là, c'est moche. C'est pas beau? Bah là, on dirait Brice de Nice, là. Ça marche pas? Ça marche ou pas, les gars? C'est bon, je peux m'enlever? Combien, les gars? Beau gosse ou pas? Je vais tomber. Vas-y. Ah. 10 sur 10. Brice de Nice, c'est exactement ça. 9 sur 10, les sourcils à Raymond Domenech. Comment ça? C'est qui Raymond Domenech? C'est un entraîneur de foot. Un homme des cavernes. Ça va partir en vidéo, chaîne secondaire. Elsa me transforme en meuf, c'est catastrophique. MDR. Carrément, il a pensé à tout le titre. Non mais, oh, Elsa, j'ai trop mal au ventre. Attends, j'essaie de regarder. Ah, ça y est. Ah. Et tu m'as mis un simulateur de règles en plus, là, ça y est, je suis en train de me transformer. Ça devrait tellement être un happening. Je suis en train de me transformer. De quoi? Simulateur de règles? Mais c'est un enfer, les règles, non? Bah ouais. Mais pourquoi tu veux que ce soit un happening? Bah pour que tu te rendes compte de la réalité. Tu veux que je souffre? Que tu te rendes compte de la réalité de la chose. Ah mais, alors, pour le coup, je me rends peut-être pas compte, mais je suis heureux et je m'estime chanceux d'être un garçon. Ah oui, voilà. Parce que tu m'as déjà vu dans ces périodes comme ça, tu sais. Parce que pour le coup, c'est vrai que les règles et tout, je me dis, je crois que j'aurais pas le courage. En fait, t'as pas le choix. Quoi, mais... Plus belle que Miss France. Bah, je sais, les gars. Je sais, mais bon. En fait, j'ai heureusement que je suis un mec, parce que si je serais une meuf, je pense que j'ai trop de potentiel. Non, j'avoue, je serais une bombe atomique. Mais si j'étais un mec, t'es beau aussi. Si j'étais une meuf, je serais une bombe atomique. Donc, voilà, je suis content d'être au moins un mec. Histoire de pas prendre trop de place non plus. Mm. Parce que bon. Ça dit quoi les girls? Oh là 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 là. Oh, la tête que tu fais. Avoue, je le fais bien. C'est terrifiant. Avoue, je le fais bien. Non, tu fais bien le mec qui imite la meuf. Mais tu Il y a des mecs dans le chat. Tu vas aller draguer des mecs là? Bah, tant qu'on y. Ça va pas non? Tu sens bien sur tes lèvres? Non. Elles ont été repulpées là quand même, hein, je sens. Ah ouais? Ouais. Des grosses lèvres. Mais de base, j'ai. En fait, t'as des grosses lèvres. De base, j'ai des grosses lèvres et des gros cils et tout. Hein. Mm. En fait, j'ai une tête de meuf, je crois. Ouais. Non, mais là, par contre, elles ont repupé. Non, mais tu te rends pas compte? Zoom sur ta caméra. Pour de vrai, à ce point-là. Oh. Mais t'as raison. Mais wesh! La lèvre du bas, là. Oh! Non, mais frère! Mais. J'ai l'impression d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Bon, t'abuses là. Ça te fait un peu bizarre quand tu les touches? Mais je la sens même pas. Mais tu sais que je la sens pas. Non, mais c'est normal. Mais c'est trop. Non, mais alors, c'est trop bizarre, hein. Mais du coup, quand t'as les lèvres comme ça et que tu fais des bisous, tu dois les sentir à peine. Je sais pas. Mais j'avoue, j'en mets jamais de ce truc. C'est très longtemps gelé. C'est bien, il est peut-être périmé, c'est peut-être pour ça que tu les sens plus. C'est chiant. Non. ça fait vraiment très. Mais ça périme les trucs de maquillage? Oui, ça périme, ouais. Mais c'est dangereux! Je crois que ça périme. Mais ça périme. Mais attends, mais si j'ai un truc périmé sur la tronche là, c'est dangereux. Non, mais t'as rien de périmé sur la tronche, ça va. Non, laisse! Mais frère! Mais c'est pas dangereux, laisse! Mais t'as tout enlevé. On dirait une fille avec une barbe. Ouais, c'est vrai. Là, je pense que je me rase la barbe, je me laisse pousser les cheveux. Pourquoi je te rase la barbe? Mais tu sais que je me rase la barbe, je me laisse pousser les cheveux. Mais même cheveux courts, hein. Mais ni vu ni connu. Hein. Mais cheveux courts, t'as du charisme. Hein. Mais vraiment. Les meufs cheveux courts, elles ont du charisme. Les meufs cheveux courts, elles ont du charisme. Mm. Mais tu sais que vraiment. Mm. Je trouve que les meufs cheveux courts, les gens de base, je sais que, je sais pas, en général, les gens, ils trouvent pas ça forcément beau. Alors que je suis pas d'accord. Non, c'est incroyable. D'accord. En fait, faut savoir porter comme tout. Hein. Ouais. Sweet Dreams, merci pour tes 2 euros. Et il est trop beau. Michel, t'es trop sexy. Je te jure, j'en peux plus. Michel, la BDH. Putain. Eh hey, mais Elsa, je te jure, je suis trop malade là. Je pense que les gars, le live, on va peut-être bientôt l'arrêter parce que j'ai vraiment mal au ventre. J'ai vraiment mal au ventre. Non mais en soi, non, ça va parce que c'est un mal de ventre qui va vite passer, je le sens. Mais quand même, là, hein. Mais ouais, j'ai mal au ventre et j'arrive pas à penser à autre chose que ça.
Tu fais la fille populaire. J'avoue, tu ressembles un peu à la fille, à la meuf populaire du lycée. Ah ouais? Avec son sac à main et son téléphone comme ça. Tu parles à tous les mecs un peu BG. Tu fais un peu Sharpay Evans. Bah, en fait, t'es en train de dire que je suis fraîche, quoi. Oui, mais t'es fraîche dans un meuf, registre. En meuf, tu me fraîche? Oui. En fait, je suis trop fort, frère. Je te date. Tu me dates? Je te date. Comment ça, tu me dates? Bah, je te date. Mais tu dates pas des meufs, toi? Non, mais c'était une meuf, je te date. Ok, sympa. Ok. Appelle Inox, il va canner. J'avoue. Pas drôle. Il va m'insulter, il va dire, mais frérot, je te jure, là j'appelle Inox, je sais exactement ce qu'il dit. Il dit quoi? Il m'insulte et il dit, hey, mais toi, depuis que t'as une meuf... C'est sûr. Mais toi, depuis que t'as... Je connais l'intonation de sa voix, l'intonation de voix qui va pas prendre. Depuis que t'as une meuf, bon. Coco, merci pour tes 2 euros. Merci mon ref. Vous êtes trop mignon. C'est gentil. Toi, t'es mignon. Tellement MDR. T'as un voyage demain, ne sois pas malade. Putain, mais c'est vrai. Oh non, mais imagine. Faut que tu sois malade aux vacances, écoutons. Non, mais je pense vraiment que juste un mal de ventre qui va passer. T'as mangé quoi, midi? J'ai mangé avec toi, tu te fous de ma gueule. Je suis bête. Non, ça peut pas être ça en plus. C'était ça. Désolé, je dois partir. Bye, je vous adore. Attends, mais il est déjà minuit. Oh, putain, il est minuit. Mais en fait, ça passe vite. Je me lève demain, moi. Hein. Tu te lèves à quelle heure? 9h. Mais en fait, ça passe vite. Ouais, ça va. Par contre, ça passe vite. Mais il est déjà minuit. Putain. Bon, les gars, je pense que nous, on va sûrement s'arrêter là. Ah ouais? Bah, je pense, non. T'as vraiment si mal au bit que ça? Tu veux pas attendre le prochain palier? On peut attendre le prochain palier, mais faut que ça aille vite, quoi. Ok. Mais j'ai un petit peu mal au ventre, en vrai. Oh non, petit cœur. Ouais, pour être honnête, j'ai un petit peu mal au ventre. Mmh. Foot, merci pour tes 2 euros. Michou, j'ai trop envie de te voir avec un taper. C'est quoi un taper? C'est une coupe de cheveux. Attends, je me rappelle plus. Putain, je suis trop con. C'est quoi taper déjà? Taper, c'est une coupe de cheveux. Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est. C'est quoi un taper? C'est les cheveux coupés comme ça. La coupe à inox, quoi, non? Un peu, ouais. C'est ça, en fait. C'est un peu ça. Pourquoi? Je vois pas quel cheveu comme... Bah, taper, c'est un peu une mode, hein. Ah ouais? Ouais, c'est un peu une mode en ce moment. Il y en a beaucoup qui font des tapers. Très bien comme t'es. Il y a les tapers et les buzz cuts en ce moment. Les lèvres de zinzin. Mais ça me stresse. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'être moi-même, là. Maintenant, c'est toi. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Belle. En fait, belle, là, t'es magnifique. Depuis tout à l'heure, je parle un peu avec les gens, etc. Mais comme je me vois dans le retour et que ça te perturbe. Je suis modifiée, j'ai l'impression que je suis pas moi-même. Je vois ce que tu veux dire. C'est trop bizarre. Mais c'est vrai qu'on est maquillés presque pareil. Juste, moi, j'ai pas d'eyeliner. On dirait que t'es 15 fois plus maquillée que moi. Non, mais on est d'accord. Mais c'est parce que t'as des longs cils et tout. T'as des gros sourcils et tout. Frère, on dirait que je suis maquillée et que t'es pas maquillée. Oui, c'est vrai. C'est une dinguerie. C'est vrai. La zone B, on est mort. Pourquoi vous êtes mort, la zone B? Ah, c'est vacances. C'est ceux qui sont pas en vacances, sûrement. C'est qui la zone B? C'est quelle zone, la zone B? C'est quelle partie de la France? Tu prends l'avion où demain? Je vous dis pas, les gars, la destination. En tout cas, indice que je peux vous donner. Avec Inox, on y va en train. Et les autres croutons, ils vont en voiture. Donc c'est un bel indice, déjà. Ah, mais vous partez ensemble avec Inox? Je pense que, ouais. Ah, trop bien. Combien je croyais que tu partais toute seule, toute seule. Ça y est, je suis vraiment, je suis acclimatée meuf là, ça y est. C'est quoi ton snap, ma belle? Oh là 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 là, là. Ah, c'est donc ça d'être une meuf? C'est ça de se faire charron, ouais, comme ça? Tu devrais vivre une vie dans une journée dans la peau d'une meuf. Bah, oh l'enfer. Ça veut dire, ça passe par quoi? En vrai, je sais déjà. Je fais une vidéo 24 heures, je suis une meuf. Ça commence. Hop, je me fais réveiller le matin, douleur de règles, ah, c'est atroce, machin et tout. Ensuite, je me balade dans la rue, je me fais accoster et tout. Je me rends compte qu'en fait, les gens, ils cassent les couilles. Et après, le soir, accouchement. Allez, hop. Oh bah, c'est une sacrée journée, là, quand même. C'est beau programme ou pas? Ouais, c'est un sacré programme. Tu vois, tu finis par un accouchement. Tu vois, tout le monde y pense. C'est le grand final de la vidéo. Le grand final. Passe ton 06, wesh, ma belle. Voilà. De quoi? Tu commences la journée dans la peau d'une meuf. Bah.
Pour l'instant, sachant que c'est ma première journée comme ça, je trouve ça... comment on appelle ça? Je trouve ça... comment on dit? Gratifiant. Ah! Oula, bah ouais. T'as pas un 06, ma belle, ouais, quoi que... Il y a peut-être des manières de dire. Des manières de dire, ouais. Le tapin 06, ma belle, il est catastrophique. Améliorez vos disquettes, les frères. Un effort. Elsa, c'est qui la fille à côté de toi? Vous voulez que je vous présente ma copine? Non. On arrête ce RP, là. Coco, merci pour tes 2 euros. Merci, Pierre-Olivier. Inox va être pécho. Michou, je suis extrêmement fière de toi et de voir tout ton parcours. Tu mérites simplement ce qui t'arrive. Continue sur cette lancée, fais-toi confiance. Merci beaucoup, c'est gentil. Il faut que tu fasses un truc. Quoi? Un jour, tu te déguises en meuf, mais tu changes un peu les traits de ton visage et tu dragues Inox. À vous, ce serait hilarant. Mais t'es malade, mais il va me reconnaître instantanément. Mais non, mais tu changes un peu ta voix, genre tu fais des FaceTime, j'en sais rien. Mais c'est impossible. Je sais pas. Mais ma voix, de 1, elle est méga reconnaissable, même si j'essaye de la changer. Mais tu la trafiques un peu, j'en sais rien. Mais même dans ma corpulence et tout. Bah, tu mets des vêtements qui changent un peu ta corpulence. Non, mais t'es malade. Non, j'avoue, c'est un peu mais pourquoi tu veux que je drague Inox? En plus, c'est glauque, mais non, frère. Mais c'est drôle. Non, c'est glauque. Ouais, j'avoue, c'est un peu glauque. Mais tu me vois arriver en mode « Coucou, beau gosse ». Tu sais pas draguer, déjà, mon garçon. Je te jure, Inox, tu lui dis ça, il craque. Hein. Il suffit juste de ça, hein. Je fais une belle voix, coucou beau gosse, c'est gagné. Lancez-lui vos plus belles disquettes dans le chat, s'il vous plaît. T'es trop forte, Elsa, vraiment, t'es trop intelligente. Mais c'est quoi le rapport? Elsa, buzzcut ou pas? Oh, Elsa fait un buzzcut. Non. Tu sais c'est quoi? C'est cheveux rasés. Ouais, c'est comme ça, là. Bah, presque comme moi, en vrai. Plus court que toi, ouais. Non, parce qu'en fait, ça fait... 4 dommage. Mois que je fais pousser mes cheveux, c'est pas pour les couper. Donc non. Tu serais pas une comète parce que t'es éclaté au sol. Oh, j'ai lu la pire disquette. Attends, mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai lu la pire disquette, frère. Non, mais ça n'a rien à voir. T'es tellement belle que je vois plus la lumière du jour. Ils sont pas dingues, vos... Mais c'est vos nul. Disquettes, en fait. Tes mains ont l'air lourdes, je peux les tenir pour toi, celle-là est très mignonne. Non. Si, elle est c'est mignonne. C'est éteint. Je vous jure, elle est mignonne. Tu es trop fraîche comme une glace à la menthe. Ça te dit, on va manger une glace? Avec la dernière phrase qu'il a rajoutée. Attends, il y en a une qui me fait rire, mais qui est hideuse. Tu aimes les rideaux. Il a pas. Ah ouais, toi, c'est des sacrées disquettes. Mon tel est brûlant car tu es trop chaude, Coco. Mais ils sont malades. C'est quoi c'est... Mais elle, la plupart des disquettes, je les ai jamais entendues. Moi non plus, c'est pour ça, ça m'intéresse. T'es belle comme un fond de poubelle. Ah, quel enfer. Il faut souffrir pour être belle, t'as dû frôler là. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci Pat pour les 5 euros. Force à toi, mon frérot Pat. Merci Jonas. Oh, ça doit être drôle. Tu es aussi importante que le deuxième O dans microbiote. Voilà. Elle est pas mal. Elle est drôle. Elle est pas mal. Ok. Ah ouais, c'est drôle de lire les disquettes là dans le chat. C'est drôle, ça me fait rire. Oh, mais là, ça va trop vite. Hein. Putain, mais les disquettes, vous êtes inspirés, le chat. Ouais. Dis donc. C'est pas un Pokémon parce que j'ai envie de t'attraper. Pas dingue celle-là. Ouais, celle-là elle est dangereuse. Le jour où il y a un gars, il dit ça à une meuf, faut s'éloigner. Attends, il y en a une qui était mignonne, je crois. Michou, t'as pas une canne à pêche car je me suis noyée dans ton cœur. Non, elle est trop connue. C'est un peu mignon. Ah bon? Bah, je me suis noyée dans ton cœur. Ouais, c'est un peu mignon. On souffre. C'est un peu gnangnan, mais c'est mignon. Ouais, franchement, je l'ai entendu trop souvent celle-là dans la rue, cette disquette, donc bon. Faut les garçons, si vous voulez un minimum draguer, si vous voulez essayer d'avoir mon cœur, faut grandir. Mettez-y un peu plus d'effort, les gars. Ouais, voilà, merci. Heureusement, il y a ma super copse qui a bien traduit. Je décrypte, c'est moi qui fais passer les examens pour savoir qui a le droit de te passer ou pas.
Bonjour. Hola, bonjour, hello. Non, mais la langue que je préfère, c'est la sienne. Pas mal. Je serai ton flash et tu seras ma queen. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Es-tu jardinière car tu fais pousser mon aubergine? C'est hilarant. Non, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est hilarant. Ça, faut pas faire, ça. C'est pas bien. Faut pas faire, mais c'est drôle. T'es trop douce comme la patate douce. Mais c'est éclaté. Non, c'est un peu éclaté, ça. Tu t'appellerais pas Théa parce que Théa, non, moi. Oh, c'est plus... Pas mal. C'est mignon, mais c'est un peu... Non, en fait. Oh. Bah, t'es pas lui, quoi. Fais des compliments au lieu de dire Théa, moi. C'est pas un compliment de dire à quelqu'un de Théa, moi. Ah, tu pousses ton coup de gueule là. Bah non, mais c'est vrai. Tu pousses ton coup de gueule là. Je donne des conseils parce que moi j'avoue, okay. Tu me dis t'es à moi, je vais te dire bah non. En fait, T'es à moi. Mais toi, ouais. Toi, t'as l'air. Non, en plus, non, même pas. Et enfin, mais il y en a. La rêve du jean de Elsa. Mon jean? Ouais. Ça veut ta rêve. J'ai envie de taper. Je crois que la marque c'est Endover Stories sur Asos. J'aime beaucoup cette marque. Je crois que c'est ça. Pas sûr. J'ai la flemme de regarder mon étiquette. Mais je suis quasiment sûre que c'est End Other Stories. Oh, il y en a, il a les vrais rêves. Viens, on se pécho sur les gardiens de la galaxie. Il a les vrais rêves. Merci Foot, j'avoue, pour tes 2 euros. Il a les rêves. Par contre, je comprends pas. Ah si, ok. Ton père ne travaillerait pas chez Nintendo parce que t'es une DS. Elle est trop connue celle-là. Je la connaissais pas. Tu la connaissais pas? Frère, bon, alors c'est peut-être moi qui ai trop matrixé par les disquettes, mais. Mais je la trouve trop connue. Bon, les refs. Regarde, ils sont allés faire des recherches là parce que ça fuse. Hein. Non, mais là ça fuse trop. En fait, tu leur as demandé des disquettes là, ils sont trop inspirés. Ouais. Pierre-Olivier, merci pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup, ça fait plaisir. T'es un boss. Ça fait longtemps que t'as pas joué à des jeux d'horreur, non? Ouais, et il y en a un nouveau qui est sorti qui est vraiment bien là. C'est quoi? Poppy Playtime 3. T'as déjà joué à ça? Mais je vais y jouer bientôt. Ouais, j'ai fait le 1 et le 2. Donc le 3, faut que je le fasse là. Il a l'air incroyable apparemment. Trop. Bien. Tes parents seront pas éboueurs parce qu'ils ont lâché une grosse merde. Ah. Il a pas compris le concept. Bah, alors lui, il a vraiment pas Sandro, compris. Sandro, les calculs sont pas bons. Sandro, mon ref, faut retravailler un petit peu là, les disquettes. Faut retravailler. Les frérots, nous on va se laisser là. Merci d'avoir suivi le live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mine de rien, on a live un peu plus de 3 heures. Il est minuit et tout, donc bon, on va se laisser là. Après, vous êtes presque encore 20 000 alors qu'il est minuit. C'est incroyable. Après, c'est parce que c'est les vacances et tout aussi. Pierre-Olivier, 10 subs encore, merci beaucoup. Merci infiniment, les gars, des GG pour Pierre dans le chat. Attends, il en va faire 15 en tout. Ouais, non, ouais. C'est un bon Pierre-Olivier. Des gros bisous, les gars. Merci d'avoir suivi le live. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Bon, les gars, les 9 400 000, c'est pas pour ce soir, c'est pour bientôt, je pense, dans 2 jours à peu près, on devrait les passer. Bon, on va les passer avec les croutons. On va les passer avec les croutons, donc je trouve ça cool. On va vraiment les passer pendant les vacances. Donc les gars, rien de mieux pour fêter le sub goal. Et plein de bisous. J'espère que vous avez kiffé ce live. Tu veux merci pas donner un indice sur ce que vous allez faire avec les croutons? Sur ce qu'on va faire. Oh, tu peux pas, vous allez faire un truc avec les croutons en particulier, donc tu peux parler. Bah les vacances. Oui, mais pendant les vacances. Ça va être beaucoup d'impro, donc en fait on sait même pas exactement. Oh, il a flop. Il a galéré. C'était si long. Il a galéré. Il a ouvert, il a fait... Tu vas tellement galérer à... Mais par contre, pourquoi? Oh, on n'a pas fait de palier, là. Bah, il invente des paliers, il a raison. Non, mais là, il s'est fait plaisir, juste. La joie de vivre. En fait, il voulait juste péter un truc dans mon studio et il voulait remonter le canon. Et moi, je vais vite couper ce live et je vais aller aux chiottes. Parce que j'ai mal au ventre, putain. Bisous, les gars. Bisous. Zombie le chat. Et ouais, tu m'as pris comme si j'étais ton... T'es ma copse. Là, vraiment. T'es ma pinko. Je suis ta BFF, hein. Bisous les gars.